Qu'est-ce que je fais de toi? Laissez sauter, monsieur, sauter. Laissez 4, allez, c'est bon, rends-moi mes affaires. Qu'est-ce que je fais de toi? Non! 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 Regardez Twitter, s'il vous plaît. Non, mais il mettait du temps à parler. Non, mais t'es pas sérieux? Non, mais là, on est mort. Oh non, le pauvre. Non, mais là, on est mort. Oh non. Non mais là on est mort. Oh non, t'es mort. Non oh, mais, t'es mort. Mais attends, mais là c'est toi qui es mort là. Oh. Non mais attends, et moi je voulais, moi c'était du bluff, c'est, je voulais lui mettre la pression. Ah merde, mais moi j'étais grave hype par l'événement là qui se passait. Mais t'es pas sérieux là? Oh non, c'est... oh non. Mais je vais faire un rapport au capitaine hein. Non, arrête. Et bien sûr que si. Non. Oh. Ça va, James? Ça va, et vous? Oui, ça va. Waouh! Racle un peu ta gorge. Ok, ah, ça fait mal aux oreilles, hein? Ah ouais, ça ouais, fait ouais, mal aux oreilles, ah! Waouh, waouh, waouh! Waouh! Oui, ça va, ça va. Ah oui, je vous fais mal aux oreilles. Ah oui, je vous fais mal aux oreilles, hein. Ah c'est chiant, c'est chiant. Ah oui. Ah oui, c'est chiant, hein. Ah oui. Ah oui, ça vous pète les couilles, hein. Bonsoir, bonsoir monsieur, bonsoir, vous allez bien? Ah ouais, c'est... Vous allez bien? Moi je vais bien, je vais bien. Ouais, vous allez... Oui, je vais super bien. Vous êtes au top la forme, hein. Oui, attendez, bon, je vais cracher. Une belle voix aujourd'hui. Putain, une voix si fois. Non, putain, j'ai fait peur à Ukyo. Je l'ai réveillé, pardon Ukyo, pardon mon frère. Il est parti, il était sur mon bureau, vu que j'ai crié, il est parti. Non, 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 lui il est arrivé après, ouais, lui il est arrivé après. C'est un retardataire, ouais, c'est un rookie, hein, tout. Attendez, vous laissez une seconde. Là, il est en mode d'apprentissage. Il fout quoi, 22? On a pas le droit d'en avoir. Banks, Banks, ok. Ouais, c'est vous allez bien? Mes respects, 113. Oula. Mes respects, quoi? Bon. Encore? Wow. Oui, oui. C'est pas possible. Là, c'est. Et là? Ah, oui, c'est bon. Ah, voilà. Ah. Oui. Vous allez bien? J'ai raté le dispatch. Ouais, ça va et vous? Oui, vous avez raté le dispatch. Merde. Vous avez raté quoi? Bah, que. Tous en Victoria. Gros, pas d'MCD ceux ce qui soir. Font des bavures, tout ça, ils vont se faire arracher. Aujourd'hui, on patrouille en Victoria. Ouais. Voilà. Ok. Ah ben attends, en parlant de ça, il faut que je parle au capitaine. Je sais pas où il est. Non, il est parti déjà. Bonsoir. Oui capitaine. Respect. Iris Chrono. Ça va, vous allez bien? Oui vous. Oui, vous êtes où? Derrière vous. Derrière vous. Dans votre voiture de patrouille de soir. Hein. Ah, je peux vous parler? Aïe. Mais respect capitouche. Qu'est-ce qu'ils ont fait au capitaine? Si vous foutez là le BCSO là. PPA 2. Y'a pas de coyote à arrêter, hein. Très marrant, capitaine. Ah, merci. Ok. Eh ben, bonne formation à vous. Merci beaucoup. Regardez, votre voiture est complètement éclatée là. Passez au mécano. Chez le mécano, capitaine. Mais on a plus de mécano dans le nord. Hein, mécano dans le nord. Chez le mécano. Vous venez dans le sud. Chez le mécano. Vous faites chier, Riz. On a un contrat avec le LS, mais faire 9 km avec un moteur cassé, c'est compliqué. Vous venez parler pourquoi là? Venez, Cole. J'ai des petits trucs à dénoncer. Ok. On arrive 23. On dirait pas Cortés lui un petit peu capitaine? Bah si, c'est un très bon agent. Vous avez vu, on dirait Cortés. Oui mais en mieux. Oui bon. En même temps c'est pas dur hein. Bah oui c'est vrai. Vous avez passé une bonne journée? Bah oui ça va et vous? Déjà avant de rentrer dans le bureau vous me mettez une tenue bleue. Est-ce que j'ai ça sur moi? Dans les vestiaires. La même que moi. Celle-là ça vous va? C'est l'ancienne ça. T'as les vestiaires. Ça vous va? Si, c'est bon. Ça marche. Ah, là, vous êtes beau. Merci, capitaine. Ça fait du bien de vous voir comme ça. Hein. Oui, bah, ça me fait bizarre, hein. Bah, oui, mais c'est pour la soirée. Code bisounours ce soir, oui, Speedy. C'est quoi, code bisounours? On va dans le vaut. Tout le monde est trop gentil, tout le monde patrouille en Victoria, et etc. D'accord. Pas de bana pendant une heure, on va dire. Oui, en fait, c'est le froid qui fout la haine. Les gens ou alors, code 2012, ça marche aussi. Oui, aussi. En 2012, on était pas gentil. Hein. Juste avant, j'ai une question. C'est vous qui avez mis 17 000 $ d'amende à un mec? Non. Ok. On vous écoute. Attendez. Oui, je voulais vous parler parce que, bah, du coup, moi je suis revenu, vous le savez. Donc là, je suis officier 3. Mm-hmm.
J'ai remarqué là, je voulais vous faire part là d'une mauvaise graine là dans au sein du MCD. Ah, au MCD ? Oui, 71. Qu'est-ce qui vous fait dire ça du coup ? J'ai cru comprendre que voilà, vous vouliez là vous avez insisté au dispatch sur le fait qu'il doit pas y avoir de bavure et tout. Lui, figurez-vous qu'il m'a proposé de d'aller casser des gueules d'après ses mots. Ah, je ne sais plus qui d'ailleurs, je me rappelle même plus. Hein. Casser des gueules, ok. Ouais, casser des gueules. Donc, qui dit coup de matraque, quoi. Ouais, ouais, il voulait qu'on aille casser des gueules, quoi. C'est une manière de parler, je voulais vraiment le faire, genre... Ah non, il voulait, en fait, je vous assure, si je lui avais dit oui, il serait parti avec moi, on serait monté dans ma voiture, là, on serait allé casser des gueules. Bah okay. J'ai une idée, moi, pour le coup. Oui, je vous écoute. Vous voulez pas patrouiller avec lui ? Que je patrouille avec lui et que je l'incite à casser des gueules ? Non, vous l'insistez pas, vous voyez comment il réagit. Ouais, je peux. Après, c'est comme vous voulez, hein. Sinon, on le convoque tout de suite, sinon. Ben, Je sais. Vous voyez, ça, c'est le risque que j'aime, vous voyez ? Eh ben, vous savez quoi, Riz ? Quoi ? Vous passez, c'est l'eau. Félicitations. Voilà. Pour de vrai ? Bah oui. Bah merci. Bon, je viendrai dénoncer plus oui, souvent. Vous êtes revenu, vous faites des bons trucs, c'est bien, pas de bavure, rien du tout. Non, je suis calme, je suis calme. Ah oui. Félicitations. Merci. Capitaine, vous voulez que je fasse quoi de lui ? Parce que moi, si jamais eux, ils savent que je suis une balance, quoi, ils se confieront plus à moi. Bah justement, vous patrouillez avec lui normal, si vous voyez qu'il y a des écarts, petit SMS, et on arrive en soum-soum, nous. Oui, comme vous m'avez fait... Le jour où j'ai mis un fusil à pompe à quelqu'un. C'était le commandant Fury, mais oui. Oui, c'est le commandant Fury, oui. Ah, vous étiez pas là, vous ? Non, j'étais pas là ce soir-là, enfin, j'étais en ville. D'accord, ok, très bien. On fait comme ça ou ça va très bien. Juste, ouais. Si je repasse assez haut, j'aimerais récupérer mon fusil à pompe. Pas ce soir. Non, s'il vous plaît. Personne n'a de fusil à pompe, là, pour le coup. Non, mais je le garde pas, mais au moins, comme ça, c'est fait, quoi. Oui, tu pourras, là, tu peux le reprendre. Ce qu'il me faudrait, je sais même pas où est-ce que je peux récupérer les armes. Bah l'armurerie. Vous pouvez m'y conduire ? Bah oui, bien sûr. Merci. Et c'est qui l'agent en question ? 71. Ok, merci. Et parce qu'il me faut mon pompe, mais il faut aussi que je puisse prendre des armes pour les vendre. Capitaine, pour la Tango 71. Je vais vite fait en haut voir 37 à Réunion. Vous expliquez, je vais partir avec Riz en patrouille. Vous avez des souvenirs ? Super bien. Je vais voir vite fait en haut du coup. Ça marche. T'as l'habitude ? T'aimes bien avoir la tenue ou pas ? Franchement non, mais c'est le pantalon qui me gêne. Oui, c'est juste le temps de que les gens se calment. Parce que c'était patrouillant dans banaliser, la HP de sortie. D'accord. Je suis d'accord. Ouais, pas la kermesse. Hein. Et hier, vous étiez où ? Parce que hier, c'était le bazar aussi. Hein. Hier, j'étais au zoo du côté de Chicago. Voilà. Un zoo qui traite bien les animaux, j'espère, capitaine. Bah oui. Et je me suis rendu compte d'une chose. Ouais. Les animaux sont en cage. C'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, c'est nul. Ah oui. Non, ce qu'il faut faire quand vraiment vous voulez voir des animaux, c'est les réserves naturelles, ça s'appelle. Ah oui, voilà, bah c'est ça. En fait, là où j'étais, c'était un refuge. Ouais, bah si c'était en cage, c'est pas trop un refuge, hein. Bah ouais. Dis-toi, il y avait une pancarte, il y avait marqué les macaques viennent de sortir du laboratoire. Ah, non, mais pour de vrai ? Oui, je te jure. Mais c'est horrible. Ah, mais là, quel genre de laboratoire aussi ? Bah, je sais pas. Laboratoire Boireau. Tu l'as ? Ah, mais je pense. Non, je l'ai pas. Ok. Désolé. Non, je pense que si c'est dans une réserve. Non, mais laissez-moi me servir tout seul, capitaine. Mais j'ai pas, je crois, des fusils à pompe. J'ai pas la permission. Bah, c'est normal. C'est sergent ici. C'est pour ça que je te le donne. D'accord. Oui, je pense qu'ils ont dû être sauvés, ouais. Eh bah tu en prends un parce que j'en ai plus là, ok ? Je me sers tout seul ? Oui, t'en prends un. Oui, mais j'ai même pas accès ici non plus ! J'ai accès à rien ! Ah bah je vais te donner ce qu'il y a dans mon bureau, j'arrive. Merci. Ah, je pense que c'était des singes de laboratoire qui ont été réfugiés, enfin, qui ont été sauvés. À mon avis. Oui, mais en fait, les saisies, le problème, c'est que je vais les baiser. Regardez pourquoi. Parce que saisies... Non, là, c'est... Regardez ça, qu'on a plus d'essence. J'avais accès à ça, moi, non ? J'avais pas accès à ça pendant un moment. Mettez une semaine à ceux qui ont dit, faut que je te mette en service.
97, pardon, du coup on aurait besoin d'un nouveau 1035 s'il vous plaît. En gros, merde, je sais même plus ce que j'allais dire. Votre 10-20 On attends, arrive près de Browningbrooks actuellement. Pourquoi je parlais? Eh, hey, vous m'avez perturbé. On va arriver route 68. Tango 64, on va arriver. Ouais, je parlais des singes. Oui, allô? Oui, vous venez de. Vous venez à PDP pour réunion des OA? Réunion des OA, ouais, vous êtes où? PDP, 3ème étage. PDP, 3ème étage, ok, bah je file un truc et j'arrive. À tout de suite. Non, je disais oui parce que j'avais accès à ça hier. C'était là que j'étais, non? Même j'ai pris le taser et tout. Là, il y a le vestiaire qui est là. Ah oui, c'était là? Ah oui, non, c'est ça que je voulais vous dire. Ok, il est saisi. Attendez. Oui. Faites-moi penser, je vous le retirer. Adam 31, 19 vers le PDP pour le civil. Hop. Et merci, voilà. Chef. Merci beaucoup, capitaine. Ça, c'était le mien, ça? Mais le laissez pas dans les coffres. Oui, par contre ça, j'ai vraiment pas accès à ça non plus. Accès à rien, je crois. Oui, non. Si, t'as accès juste à. Bah, mais hier, à j'avais. En bas, quoi. Mais hier, j'avais accès à ça, bah oui. Ça, je dis ça. Ouais. Pour prendre mon équipement, quoi. Mais c'est pas ici, les équipements. Alors, casier, tu parles? Ou alors, je confonds. Mais j'ai pris. Il y a saisie en bas. Non, j'ai pris mon Glock, un taser, une lampe torche et tout, ici, là. Ah ouais? Ah ouais. C'est pas dans les casiers de tout le monde? Ah, je suis quasiment sûr. En négatif, il fait toujours un tout droit, donc ici, on est de nouveau au 68. Ok, c'est où les saisies du coup? C'est en bas. Bah, comme d'habitude, quoi, côté des cellules. Ok, pardon, non, mais c'était pas ce PDP, moi, à l'époque. Il est tout seul dans sa voiture. Oui, c'est vrai. Je vais me débrouiller, merci, capitaine. Pas de soucis, Tango 64, ça marche. Allez, bonne journée. Bien, après, on est reparti. Parce que oui, en fait. Vous avez vu comment les coffres font? Genre les saisies, j'ai peur que j'encule les enquêtes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que genre imaginez, genre dans les saisies, ils vont mettre un, je sais pas moi, un Beretta avec marqué Migo de raconter. Et ce Beretta il va disparaître alors que c'était pour une enquête. Ça va 03? Donc là. Ça va? Ah seigneur, appelez-moi, ça va être aussi, t'es en train de oui, c'est où ça les saisies ça. Les saisies? Oui. Ils sont là, attends, viens. Juste okay. Là, chéri. Ok. Je suis pas ton chéri. Vas-y. Tout le monde est mes chéris ici. Tu le veuilles ou non. Tu vois, dépôt arme, mon prénom. S'il te plaît. Tu vois, 5, si 5, tu prends des 5, armes 5, là, 5, ça 5, va 4, les baiser, 5, frère. Ah, mais il y a des codes. Merde, mais je suis fucked up, va falloir que je trouve le code. Santé 11, Riz, on attend plus que vous, MCD. Je suis au poste, capitaine. J'arrive. 0345. Ouais, faut que je trouve une arme lourde, quoi. Faut que je trouve une arme lourde pour dire ouais, je voudrais la déposer, c'est quoi le code? Il faut pas qu'ils me disent oui, je vais le faire à ta place, quoi. Une unité qui est disponible en 10-35, s'il vous plaît. Bonsoir. Et avec une chemise, du coup, nous sommes tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis SLO, je suis allé. Je te laisse voir avec une unité qui est assurée. C'est SLO, lui. D'Offi 2, là. Même pas Offi 1. Ben, ce que j'avais. Je suis au poste et je vous en donnerai une autre. Je suis SLO, hein. Dame 77 pour le 10-35. Ouais, vraiment. Ah, pardon. Qui vous a dit ça? Le capitaine. Chial. Très bien. Mettez tous vos tenues DOA, là. Un petit vérif. À terre ou je bosse depuis 6 mois et je suis même pas zélo. Mais ouais, parce que t'es un gros douceur. Et par contre, là on est dans la merde. De toute façon, la vôtre, je l'ai vu hier. Non, moi je suis pas dans la merde. Moi. S111. Tu regardes. Mais non, c'est pas ça. C'est le pas de me berner. Hein. C'est très bien ça avec elle. Non, mais capitaine, je lui dis tous les jours. Dès qu'il s'habille comme ça, j'ai de l'enculé. Mais quoi T'as pitié. Bon, vu votre tenue hier, je l'ai vu non conforme. Vous, votre tenue conforme. Orlando, tenue non conforme. Santos, tenue non conforme. Riz, tenue non conforme. Pourquoi non conforme? Simple, efficace. Holster jambes. Vous ressemblez à des bandits. Bah oui. Bah non.
Non mais Yana, j'avoue que vous abusez. Alors, 09, on dirait un Latin Kings, mon frère. Mais ça, ça, hier, je t'ai dit vraiment, c'était problème. Je vais vous le dire, simple, efficace. Il y a une différence entre une tenue où vous allez patrouiller pour de la DOA ou une tenue d'infiltration, ok ? Il y a une différence entre les deux. Si vous êtes en banalisé, je veux vous voir en tenue DOA. La tenue d'infiltration, si vous allez à pied, vous n'avez pas une banalisée, vous avez un véhicule réquisitionné, dans ce style-là, oui, je vous l'autorise. Ok ? Par contre, les tenues où je vois votre cul avec vos pantalons qui descend, je ne sais pas à quel niveau, c'est non. Ok ? Donc ça va être simple, efficace. Dès qu'il y a les vestiaires qui vont être arrangés, voilà, bah Riz, vous avez un exemple parfait, on voit votre cul. Oui, mais bon, une veste. Dès qu'il y aura les nouveaux vestiaires au poste, il y aura les tenues de haut qui vont être mises en place. Simple, efficace, il y en aura deux, polo ou veste. Ok ? Ok. Lunettes, je m'en fous, vous mettez ce que vous voulez. Couvre-chef, je m'en fous, mettez ce que vous voulez. Sortez pas un bob juste par pitié. Ok ? 72 pour 02, ça se passe bien. Ceux qui sont là pour pouvoir uniquement patrouiller en banalisé ou pour pouvoir être en civil, croyez-moi que je vous vois. Ok ? Là, hier, il y a un mec du BCSO, il a dit à 42. On veut être en tenue DOA, ça fait plus peur. Ok ? Croyez-moi qu'il est mis à pied DOA. Et c'est 42 qui l'a sanctionné. Si ça tenait qu'à moi, il serait déjà dehors. Ok ? On vous remet la DOA pour vous faire plaisir, mais elle peut repartir aussi vite qu'elle est arrivée. Ok ? Bien pris. Même règle, ça bouge pas. Une patrouille DOA, une patrouille crime, max par soir. Ok ? Riz, je vous comptabilise pas. De toute façon, j'ai pas écouté, chef. Oui, ça m'étonne pas. Ce mec est SLO, je rappelle. Oui, je suis SLO. Avant moi, d'ailleurs. Oui. Mais moi, j'ai jamais essayé de... T'es mort 4 fois. Moi, j'ai... Oui, et en plus, je me suis jamais rallié à Caio Perico pour essayer de tuer mes collègues du SPD. J'ai fait la guerre contre Caio Perico, j'étais dans l'état-major. Oui, t'étais dans un bateau avec une tourelle automatique qui nous a tiré dessus. Aucun buzz. T'étais là, 37. Oui, j'étais là. Je te rappelle sur son bateau. J'ai innocent par la loi, monsieur. Oui, innocent. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu. Oui, ben moi j'ai vu ce que j'ai vu, tes bavures. Je t'ai vu, moi déjà, oui, mais c'était à l'époque, c'était avant qu'il y ait un hôpital psychiatrique, maintenant je suis soigné. Oui, c'était avant, je suis soigné maintenant. Oh, oui. On s'était ? Oui. Merci. Concernant les véhicules, il y a beaucoup trop de banas. Donc déjà, on va réduire le nombre, vous en aurez moins à disposition. Si vous en avez pas, c'est votre tour, c'est pas mon problème. Et qu'à faire attention aux véhicules, ils doivent être retournés au même endroit. Et si vous trouvez pas de véhicule, c'est que soit votre collègue, soit vous, la dernière fois que vous l'avez rangé, vous l'avez mal fait. Ok ? Et DOA aussi, je veux de l'avancée. Ça fait quoi ? Ça doit faire 3 mois qu'on commence à avoir des nouvelles recettes de drogue ? Il n'y a aucune avancée là-dessus. Faites-nous aussi si vous voulez. On n'a pas de recettes, il n'y a rien. Il n'y a rien. 10-4. Je ne sais pas ce que vous faites, vraiment. Hein. Je vous le dis honnêtement. Hein. Écoutez, moi je. La DOA, c'est pas trouver des labos, la DOA, c'est pas trouver des points de récolte de graines ou de feuilles ou je sais pas quoi. Ils disent rien, chef, ils disent rien, vraiment. C'est ça le problème. Moi, je les tiens pas. Dès qu'on trouve des plantations, c'est les excuses, c'est ouais, mais en fait, on nous a demandé de faire ça, du coup, on le fait, sinon, on est menacé. Voilà. Très bien, vous allez leur apprendre max 2. Ok, on va monter crescendo. Mais vraiment, pour le coup, moi, c'est ce que je fais. Arrachez-les au niveau. Et même en termes d'interrogatoire, je vous jure, j'ai fait beaucoup de trucs, même parfois hors procédure. Mettez-leur. Je vous jure, ils ne veulent rien dire. Que il chiale, celui-là. La drogue, ça fait quoi ? La drogue, ça cause quoi ? Ah, de chaleur, Lando ? La mort, mais chiale pas, juste. Complicité de meurtre, tout simplement. Vous leur mettez complicité de meurtre. Wow. Prenez le dernier mec qui a fait une overdose, complicité de meurtre. Il va paniquer, il va se chier dessus. Croyez-moi qu'il va commencer à parler. Ok ? Le code pénal, c'est votre ami. Ok ? Un mec qui part en poursuite, vous n'allez pas lui mettre juste refus d'obtempérer. Croyez-moi que pour un refus d'obtempérer, il ne va pas parler. Conduite dangereuse, excès de vitesse, dégradation de voie publique. Hein ? L'amende, elle devient très rapidement corsée. Ok ? Vous leur faites peur. Vous avez des outils pour leur faire peur. Hein, c'est pas vos tenues de gangster qui leur fait peur, je vous le dis. Hein. Tapez là où ça fait mal. Leur portefeuille et leur temps. Ok ? De toute façon, ça va de pair. Le temps, c'est de l'argent. Ok ? Entendu. Je pense que vous êtes tous assez imaginatifs. Arlando, il connaît pas. Mais ferme-la, toi, frère. Je connais pas, toi, que ça. En 2 ans, je mets des pressions à des mecs. Hein. Non, mais allez de pair. Allez de pair. Allez de pair, toi, tu connais pas, toi. Ton daron, il t'a abandonné. Bah non, il m'a pas abandonné, il est là, il était là chez Mus. Ah oui, c'est vrai que c'est chez Mus, non, j'ai rien dit. Bah ouais. Je vais faire un truc simple pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore les vestiaires. Qui veut polo, qui veut veste ? Par rapport au tenu de... Bah moi, mon polo. Polo, c'est celui de 10, là ? Polo. Ouais, c'est celui-là, ouais. Bah veste, hein. Pas exactement la même tenue. Bah la veste. Ok, alors... Torse nu, un peu, ou... Non. Riz, veste...
71. Polo. Ok. Orlando. Basta. On va avoir les deux, non, de toute façon, non. Oui, mais pour l'instant, je vais pas me prendre la tête polo. À vous faire des tenues. Okay. Polo, comme ça, je peux mettre le GPB. Ok, vous pouvez aussi avec la veste. C'est juste un autre GPB, il faut juste le trouver. Vous pouvez le prendre, si possible. Oui, j'arrive. Ah, ça. Vous êtes qui, vous deux? 71. C'est ça, ouais, c'est moi. Non, merde, non, lui, c'est quoi? 21. C'est 22. 22 et la police scientifique. Ah oui, 22. 73. Non, mais j'avais oublié ton matricule. C'est le chef de la DOA. Arrête de le tuer. Ah, mais lui, je sais qui c'est, lui. Comment ça, arrête de le tutoyer? Je le connaissais, c'était une petite crotte. C'est moi qui l'ai formé. Oui, ben, moi aussi, je le connaissais, c'était une petite crotte. Un petit nem. Alors. Oh! Je l'ai formé, mais oui, effectivement, j'étais. Un petit wasabi, hein. Oui, t'es une petite crotte. C'est 0,5 que vous avez. Et madame, c'est la scientifique. C'est ça, l'élite police scientifique. D'accord. Moody. Docteur Moody. Excusez-nous. Professeur Moody. 37 pour eux, il va avoir un entraînement doctorat, du PCSO. Ça fait plus intellectuel, non? Pas intervenir, s'il vous plaît. C'est quoi, professeur? Bien pris. Ouais, mais je parle pas de professeur des écoles, mais genre... Dans Spider-Man, tout ce style, ils disent « Ouais, professeur Octavius. » C'est le méchant. Je suis super méchant maintenant, merde. Ah oui, c'est le méchant, en plus. T'as deux. Oui. Non, rien, je vous regarde, vous êtes beau. Je suis le seul qui a des séquelles de la guerre là sur la méchante gueule. 17-10-56 sur une personne guerre, au niveau de Vespucci. J'ai pris une seule balle pendant que j'étais en train de soigner quelqu'un, effectivement. Il est grand qu'à l'Espidiris, je suis plate 2. Non, mais non, je prenais deux balles tous les ans. Moi j'étais première ligne, moi jeune. Oh, sur ma mère. Ah oui, t'as voulu jouer le héros. T'as mangé plus de chargeurs que t'en as tiré. J'ai joué mon rôle de sergent de l'armée. Hein? T'as vraiment pris plus de chargeurs que t'en as tiré. Ouais, non, peut-être pas, abuse. Ok, alors, veste. 4 pour les 10-60, on a chopé l'individu sur la plage. Polo. C'est quoi ce gros ventre là? Ok. Polo au final. Non, mais veste. Hein. Non, mais les deux sont immondes. Ouais, vraiment. Désolé de vous le dire. Ah bah, le problème, et c'est. Je vous le dis, l'abus. Les gens ils ont abusé avec les tenues, tout le monde en prend les conséquences. En fait, ce qui est beau, c'est d'avoir juste des oies sur le GPB comme ça. Bah, vous pourrez mettre un GPB. Moi, je l'ai avec le gilet. Non, pour l'instant, tant que vous n'allez pas comprendre qu'abuser des tenues, bah, ça sanctionne tout le monde, ça pénalise tout le monde, bah, ce sera des tenues obligatoires. Après, moi, je suis SLO, j'ai le droit, non? Non. Je suis SLO. La seule personne qui a le droit de mettre une tenue différente de celle-ci, c'est 22, c'est votre lead. Lead, j'ai le droit ou pas? Non. Oh. 22, moi, je peux 22. Garder la mienne ou pas? Non, en plus. Pour l'unité, c'est actuellement beaucoup de coups de feu au niveau de la cave. 22. Ah, mais cherchez pas à respecter et après. Le pantalon, il tombe pas dans les. Enfin, il rentre pas dans les chaussures sur l'autre. En vrai, si vous respectez, ok. Si on voit qu'on peut vous faire confiance et qu'il n'y a pas d'abus, on pourra adoucir certains trucs. Et du coup, là, vous parlez juste du haut, Captain, ou c'est le bas aussi? Non, c'est le même bas, juste bah, il tombe sur les chaussures et il rentre pas dans le pantalon. Vous pouvez modifier pour que ça rentre dans le pantalon si c'est pas un souci. On peut mettre d'autres pantalons ou pas? Couche-toi bien, connard, va! Quoi? Pardon! Allô? Oui! Je me suis trompé de numéro, Riz, désolé! Pas de problème! Désolé, pardon! My bad! Ça change rien, moi, de toute façon. J'arrive pas à raccrocher! Je m'en fiche, hein. Je suis là pour arrêter. J'arrive pas non plus, désolé! Double my bad, encore fois des désolé! Ça va rentrer dans la tête et qu'on a plus besoin de vous mater. Oh putain, j'arrive pas à raccrocher. Tu m'as baisé. Attends un peu. Ok, mais. Attends un peu. Au magasin de vêtements, là, bon là ça devient relou. Bah oui. C'est le chef de la DOA, on dirait deux amoureux qui veulent pas raccrocher là. On remarquerait bien rapidement. Bon. Okay. À quel magasin? Juste à côté du poste. Ok. Moi j'ai fini pour tout ce que j'avais à dire. Si 22 t'as des choses à rajouter, vous pouvez repartir et aller récupérer directement vos tenues au magasin juste à côté. Ok. Un mec qui va vous attendre pour les donner. Ça va. Non, c'est bon pour moi et Orlando, du coup, on verra demain pour ce qu'il a descente, ok? Ce soir, on va respecter du coup ce qu'a prévu le capitaine. Ouais. 37, faut que je te parle. Oui, juste après. Ça vous empêche pas de vous renseigner pour le sniper. Ils ont pas. Ok, très bien. Okay. Regardez, vous faites tout ça maintenant, vous allez au magasin de vêtements, il y a Steve, vous attend là-bas, il va faire la distribution, ok? Vous me rejoignez juste après au poste. Y a rien qui vous empêche d'enquêter. D'abord, je vais récupérer les vêtements. Les 4 Longos 13 là qui ont été retrouvés avec des armes volées sur un convoi.
Vous avez eu l'info ou pas Oui. Moi j'ai eu l'info personne. Ça me pète les couilles, moi j'aimais bien ma tenue. Qui ont été retrouvés, qui ont été volés sur un convoi. J'attends mes métages du coup. 4 sur 6, c'est ça? Non, 4 sur 6. Il faudrait essayer d'aller récupérer les jeunes en question. J'ai leur identité. Orlando? Ouais. J'ai eu une idée d'ailleurs. C'est quoi votre idée? C'est de leur envoyer une solution acide? Non, je suis très sérieuse. Okay, c'est le frère de Manito Sosa qui est décédé hier. Ouais, je suis au courant. Bah, 22. Et vous? Oui, ça va super. On m'a entendu? Salut les collègues. Bonsoir. J'aimais bien ma tenue. Oui. Moi aussi. C'est que moi, mon problème, c'est que je ne sais pas m'habiller. Moi, je vais dans le Mebinko et je me dis, bon, je vais regarder et je vais voir ce qu'il y a. On a pas de bagnole Bah, attends, je vais chercher une voiture. Bah, attends, c'est les Victoria qu'il faut par contre. Ouais. Oui, Victoria. Merde. Vous n'avez pas la permission correspondante, mais The Bee! Oh, oh, oh! Non, mais j'ai pas le droit de sortir un véhicule! Je vous promets que l'autre. Comment c'est possible? J'ai pas la permission. Y'en a pas Victoria là. Non, y'a que ah des oui, motos et des. Gros, ils veulent que des Victoria. Y'en a pas ici. Non, mais y'a celle de la PA aussi. Mais je crois qu'il y en a. Y'a que des Victoria Riz ce soir. Ouais, j'ai bien compris. Vas-y, venez 71-09. Ah bah attends. Bah attends, mais viens, ouais. Oh bah, de toute façon. On y va ensemble, on va au magasin là. De toute façon, on n'a pas de DOA là, on est obligé de rester en patrouille. T'es SLO toi aussi du coup. Ouais, toi aussi. Aïe ouais. Hey, doucement. Doucement. Excuse-moi. On est 3 SLO du coup. Ah ben. Bah, c'est bien. C'est qui le troisième? C'est 80. C'est un blond chevelon. Toi, t'es quel matricule toi? 10. 10, putain, faut que je retienne. Bonsoir les jeunes. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir. Venez, suivez-moi. Cargaison pour vous, on m'a dit. En vrai, le t-shirt il est bien. Ouais, j'aime bien le polo moi. En fait, c'est le non, mais le pantalon c'est un désastre. Le pantalon, non, mais on peut changer le pantalon. C'est que le là. On peut pas, il a dit non. Si, le pantalon, il a dit tant que c'est pas un pantalon. Ah non, les tenues, c'est dans l'âme, on change pas les gars. T'es sûr, il a pas dit tant qu'on voit pas votre cul? C'est ces tenues là, les jeunes. Ouais, vous verrez avec votre chef. Vous verrez avec votre chef. Et moi, je gère le Canada, moi. Je suis juste là en déplacement, je fais livraison. Venez, on le tabasse, notre chef. Non, je suis pas pour moi après. Bon, ok, vous, cheveux blancs, veste ou polo? On peut pas avoir les deux, comme ça on change. Si, tenez. Ah ouais, donne-nous les deux. Donnez-nous les deux, ça. Non, bah non, c'était pas ça. Vous êtes con, quoi. Pourquoi vous êtes mis dans mes bras, là? Tu m'as chopé par le callback. J'ai l'avis, vous êtes fous, vous. C'est vrai, c'est tenez, c'est polo, bon. Veste. Merci bien. Oh mon dieu. Pour vous, je suis trop moche. Vous voulez laquelle? Les deux. Les deux. Oh le flou. C'est horrible. Le pantalon, en vrai, on peut pas prendre le même, mais celui qui est pas en pas de def. Attendez, jeune. Ça vous voyez avec votre chef, mais je pense que ce sera pas un problème. Tenez la veste. Oh mon dieu, comment merci. Je suis trop moche. Merde. Vas-y Riz, change-toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça rend bien, ça. Ok, très bien, le jeune. Quelqu'un qui fait un bon choix. Tenez. Ok, alors voyons ça. En vrai, la veste, ça va. En fait, c'est le t-shirt dans la veste qui fout la haine. Bah, les deux. Ouais, oui. Comment ça me va trop pas, regarde. Alors, est-ce qu'il me reste des stocks des deux? J'ai une petite veste pour vous et j'ai un petit polo, tenez. Merci, ça fait plaisir. En fait, je comprends surtout pas le code de couleur. Genre, pourquoi mettre un pantalon beige avec un haut noir et jaune? Parce que connard, tu connais pas l'ordre de la DOA ou quoi? Je m'en branle. Votre lead il m'a donné des directifs. Ok. Moi j'ai compris. Moi je veux bien les deux également, monsieur Steve. Les deux, près du quartier des Hauts-de-Bages. Qu'est-ce qu'il me reste? Mais pas un col en V. C'est un BCSO. Ouais, ce que j'ai vu, putain. Vous pensez qu'on peut. Bah je rentre le pantalon dedans. C'est tout? Ouais, ça je pense que vous pouvez ça. Ça à la limite, vous pouvez. C'est celui-là le pantalon. Un petit cul là. Et jusqu'à demain après.
Mais tu peux pas, Harry, tu peux pas. Pas grand chose dans les stocks, hein, les jeunes, hein, vous m'avez dévalisé, hein. Voilà, bon, tenez une veste et un polo, moins, là. Là, vous êtes le dernier. On est obligé de la plaque sur la ceinture ? Ouais, c'est la plaque de la DO, quoi, faut en être fier. Bah, y'a... Pousse-toi, Orlando, pousse-toi. Dans les tirs. Ah si, je l'ai. Ah non, je l'ai pas, moi, là. Oh mon dieu. J'ai ma plaque en fait. Ça ressemble à un Playmobil sur ma mère. Vous avez pas vu le clip ou quoi, les gars ? Oh putain. Moi, je vous ai vu, vous, crâne d'œuf dans le clip, hein. Clip de la DO, c'était les mêmes vestes, les mêmes tenues. Oh, franchement, j'aimais bien. En vrai, si, avec le gilet, ça passe bien quand même. Hein. Ouais, avec le gilet. En fait, moi, je fous la haine. En fait, c'est le jaune qui fout la haine. En fait, moi, je suis vraiment pas fan dans la vie d'avoir le même uniforme entre plein d'agents. On dirait vraiment des militaires. Ouais, mais là, c'est un uniforme, les gars. Après, je vais avoir les tenues d'infiltration. Je pourrais pas faire mieux sans que ça soit. Bah, tiens, je te la donne. Et ouais, veste. Votre plaque, la ceinture, chef, vous l'avez trouvé où? Bah, c'est un gilet, chef. Un gilet. T'en as plus. Attends. Ouais, chef. Je foutu. Ça, t'as les menottes à l'arrière. Oh la dingue, de fou. Ah, ok. Ah, bah, tout. Pardon, 09, je te revois. Oh mon dieu. Non, mais ouais, ah, celle-là. Magnifique elle... comme ça. Et vous faites peur, hein, moi je vous le dis. Je te rappelle. Ouais, magnifique. Magnifique de ouf, quoi. Par contre. Méchante la vie. Et une chemise, ça le fait pas? Bah, si, vous pouvez une chemise, hein. Franchement, vous pouvez mettre ce que vous voulez en dessous, hein. C'est un t-shirt, quoi. Une chemise, moi je suis. Voilà, ouais. Juste qu'il n'y ait pas écrit Bloods, quoi, parce que les Bloods on les encule, nous. Ouais, bah, moi je les encule, les Bloods, hein, qui retournent en Bloody. Ouais. Voilà. Hop. Tu fais Orlando. Bah, je sais pas où j'ai foutu la plaque, 09, désolé. Eh, voilà, bah, mec, un trou du cul, il avait tout le temps un masque, quoi. Eh oui, bah oui, non, mais cela. L'insolation solaire, moi j'ai enlevé son masque, hein. Et puis il a fondu comme un zombie, hein. Je te le dis, moi. Regardez. Ah non, c'est incroyable, ça, non? Ouais, ça c'est mignon, ça. Petit gilet pare-balles, petite chemise. Ah, parce que bon, ce serait con de mourir encore, quoi. Bah, mourir. Steve, calmez-vous. Je vais vous baiser. Quoi? Non, mais Steve, vous n'êtes pas mon chef, donc moi je vous encule, Steve. C'est, ouais, je suis chef du Canada, quoi. Merde, allez où que je passe des mots, bah, après écoutez, ça. Les caribous et la. Ah, dommage qu'il y ait le trou. J'appelle votre chef, vous allez voir. Non, pardon, je m'excuse. Vous voulez que j'appelle votre chef? Oui, appelez-le, hein. Et c'est qui votre chef à vous? Pourquoi vous modifiez tout ce que j'ai pas compris là? C'est qui votre chef? Non, mais mon. Eh, le shirt, il est haut, le polo, il est haut, il fout la haine. Je dirais mes jambes, elles font 4 mètres. Mais te mets pas devant moi! Comme ça, là, petit stone. Mais non, appelez pas mon chef! Vous allez voir, hein. Je vous le dis. Ouais, mais c'est Wong, ouais, c'est Steve là. Je suis au magasin de vêtements avec vos agents là, il faut n'importe quoi, hein. Je m'appelle Elijah. Putain. Faut n'importe quoi. 03-10-21. J'ai redonné des tenues, c'était pas mal. C'est terrible. Ils sont tous en train de changer là. Terrible. Mais non! C'est où les gilets? Ils sont commencés. C'est là-bas à gauche. Ouais, mais les voir. Bah, moi, je dois filer, je dois repartir au Canada, quoi. Gauche. Okay. C'est quoi ton objet que t'as eu là? C'est un t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a, le jeune? C'est moi qui dis le jeune, commencez pas. Bah, écoute-moi bien de ta face. Eh, c'est lequel gilet Déoa? Déoa? Fraude, mon jeune. Ouais, sur ma mère, calmez-vous. Je peux vous même. Venez le jeune, je vais vous donner la plaque. Ah. Au moins, il me faut un pantalon là, un pantafla. Tiens, le jeune. Ouais. Police en jeune, ça va ou il faut qu'il y ait marqué DOA? Attends, mais pro, c'est une chemise. Et je crois qu'il va vous enculer, votre collègue. Attendez, moi je sors. Oh mon dieu. Tu me copies, frère, question. Bah, il faut bien avoir un gilet, frère, non? C'est con. Ouais, j'ai fini mon boulot, moi je me casse. Hein. 69 pour unité, on se fait agresser actuellement au quartier des hobbies. Unité pour aller leur prêter main forte, s'il vous plaît. Madame 117, on est sur place. On a dû sortir les tasers pour se défendre. Attends, mais c'est maîtrisé. Qu'est-ce que. S4, hein. Ils sont fous. Merde, attends. Ok. Mais oh non, j'ai délété la mauvaise. Je suis vraiment une. J'ai un flot de con, non? Ah oui. J'ai un flot de con là. Non mais attendez, je suis en train de me rendre compte, j'ai vraiment un flot de con. Non mais on dirait un con. On dirait un con. Je reprends Anil. Oh le flot de con, putain. Bah, ces lunettes, ça fait vraiment lunettes de Systras, j'aime bien. C'est ça pour aller speedy. Ouais, nous avons
Kate Reed qui a été pris en otage par une sultane plus de deux fois. Voilà, elle est grise. Guard. Non, pas du tout. Tu l'as trouvé où, 09, ton... Est-ce que vous avez la, enfin, la direction, pardon. Pousse-toi, gros con. Elle partait vers l'est et la prise d'otage s'est passée devant le flywheel. La plaque. C'est reçu. C'est l'autre qui me l'a donné, mais elle est. Mais les sacs bandoulières, y'en a plus ou quoi? Il marche, y en a aucun qui marche? Non, y'en a aucun, ouais, ça putain merde. Bourris, c'est dans quoi mon ref, s'il te plaît? J'ai pas trop entendu. Bourris, vous avez tout là, j'ai pas attendu Mila au poste. Je finis, j'arrive. Sinon, prends la main et tu. Capté. Je sais pas, c'est laquelle. Sinon, elle, elle est bien, hein, comme skatka. Mais frère, on est d'accord, ils ont dit. Ah mais là, le... là on a des dégaines de coin. Je vais remettre. Ah mais oui, il en a vraiment des clous. Bon, je vais essayer de prendre dans le dos. Hein. Non, y'a pas, je vois pas c'est laquelle. Ça, ça va en vrai. Hein. En vrai, ça va comme ça, je trouve. Ah, j'ai un petit. J'ai un pixel de trou. Dans mon t-shirt. Je l'ai vu en courant. Wesh. Vous voyez ou pas le petit pixel de trou là? Ah non, je préfère le t-shirt que la veste moi. Sur les 10-31. Là vous le voyez là, là vous le voyez, vous le voyez là. En fait c'est le polo frère, guette là devant frère avec... The Bee frère. On dirait. Non. Oh non, c'est bon. Putain. On dirait que je vais aller faire une solo queue dans cette jungle là. Vous êtes où 37? 37, vous êtes où? La cafette. Je sais pas c'est où la. Je sais pas c'est où la cafette. Il m'a dit même étage ce connard. Aïe. Oui, j'ai pas les codes pour les saisies en bas. Oui, venez. Non mais il est SLO, il doit avoir les codes normalement. Oui, et j'ai pas non plus la permission pour les coffres en haut. C'est-à-dire Ben Ah, les coffres MCD. Non, les coffres équipement. Avec le juge Pierce, et en fait, concrètement, vu que du coup, Maître Kane est actuellement indisponible. J'ai tenté de l'audace, c'est passé. On fait des convois des fois des armes Oui, bien sûr. Bah, vu qu'il y a un nouveau système de convoi qui arrive, on met en petit stand-by pour l'instant. Ouais. Ça arrivera bientôt. Du coup, le code c'est. Dis-moi que c'est pas un code différent à chaque fois, s'il te plaît. Non, non, non. Pour toutes les armes, c'est 3773. Ok. Waouh. Et c'est bon, normalement vous avez. Juste, c'est quoi la différence entre dépôt arme, nom prénom? En gros, et arme de poing par exemple. C'est quoi? C'est une arme non traitée. Ok. Attends, redonne-moi le code, j'ai oublié. 3707 3773. Oh putain, 3773. C'est 37. Si l'arme a été saisie et qu'elle n'est pas encore passée par l'APS, ne la mettez pas dedans, je vous en supplie. C'est-à-dire? En gros, on va récupérer les numéros de série de toutes les armes. Ok. Ouais. Pour vérifier, par exemple, si une arme elle a pas été utilisée dans un meurtre ou une fusillade au préalable, tu vois. Ouais. Imagine t'arrêtes un mec, son arme, bah tu vas dire putain, j'ai chopé une arme. Bah t'as peut-être chopé l'arme qui a tué, je sais pas, un agent, par exemple. Ouais. En gros, on la dépose dans le dépôt pour que la police scientifique elle vienne, elle récupère toutes les armes qui sont récentes. Et une fois qu'elle l'a récupérée, elle les met dans l'arme de poing. Exactement. Ok, j'ai capté. Ok. On fait des convois ou pas du coup Là, pas pour l'instant, c'est en stand-by, mais dans cette semaine, je pense, ou début semaine pro, ça devrait être de retour. Oui, Wong. J'ai passé la pièce de riz de tard à l'époque. Ah oui, si. Essayez de voir avec le cap, moi ça me dérange pas. Il y a ma pièce. Oui, il y a votre pesso, sir Riz. C'est dingue ça. Vous pouvez la prendre en souvenir hein, si vous voulez. Oui, ça marche, 22. Non, je veux qu'il reste ici. Bah, ça a plus de valeur actuellement ce genre de pièce, donc vous pouvez l'avoir. Ok, donc quand moi, quoi qu'il arrive, de toute façon, quand je dépose une arme, je la mets dans dépôt arme. Voilà, c'est ça.
En gros, toi, tu te fais pas chier avec les coffres verrouillés. De la personne à qui vous l'avez saisi. Voilà. Ouais, ok, je mets le nom, prénom, je le dis. Ok. En gros, toi, les autres, ça t'intéressera pas, sauf si on fait des convois. Vous m'avez poussé, capitaine. Du coup, vous avez un coffre aussi à l'étage dans le bureau SLO. Le Wings. Vous pouvez vous l'approprier, mettre un code et il sera. Pour mes affaires à moi ? Voilà. Je sais pas où c'est le bureau SLO. D'ailleurs, on se fait un petit Wings ce soir ou quoi ? Bah, faut voir parce que ce soir, ils veulent pas faire de Day One de des Saints, donc Wings, ils veulent bien. Moi, je suis chaud. Voilà. Voilà, vous appropriez un bureau et ici, dans les tiroirs, vous pouvez ranger vos affaires. Des 4 avec quoi ? Ah ok, ah, c'est bien on ça. On a c'est terminé la réunion des là, on peut retourner dis-moi, on vient de finir, je te donne son numéro, c'est le... Et attends, 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 37. Oui, je suis derrière toi, Riz, derrière toi. Ah oui, vous êtes où? Et le dernier truc que j'ai pas accès, c'est là-bas, viens. Je suis en bas, moi. Il y a un interrogateur d'un mec qui avait 40 cochons sur lui. Non, mais oui, effectivement, oui, les on l'a interpellé, ou si ça tentait West. Attends, par contre, oui, on retire. Non, ça va, ma tenue, moi, on est d'accord. Ouais. Ah, j'ai juste changé le pantalon. Bon, tu sais, t'en as pas le droit d'avoir les flashballs Pas pour ce soir. Ce soir, c'est code bisounours. Attends, hop, j'avais mon direct sur la tenue bleue. En légende. Oui, mais attends, mais pourquoi maintenant j'ai accès et maintenant j'ai accès, j'avais pas fait tout à l'heure. J'ai remanché ton badge. Là, je peux pas. Là, c'est normal que t'as pas accès. C'est quoi ici? J'ai un agent qui est en train de DOA qui a l'accueil, s'il vous plaît. La Victoria. Ok, ouais, c'est bon. Ok, bon, c'est bon pour moi. Mais c'est un avion de chasse. Aussi, oui, elle est incroyable la Victoria, vous avez vu. Je l'ai pimpé là, elle arrache le bitume. Oui, elle arrache le bitume. Bah ouais, ça fait plaisir. J'ai réussi à tenir un mec en buffalo. Warmelo, je pourrais pas. Hein. Petit call rapide, vous avez droit à 2 menus tenir... par jour au Burger Shot, si vous avez faim. C'est bien pris. Bien pris. Merci aux gradés qui ont fait ça. 113 pour 71, t'es où? J'étais à côté de vous, j'arrive, je suis sur le parking. Je suis sur le parking aussi. Madame 0316 pour procédure. C'est toi ? Ouais. Du coup, Madame 87 aussi, 16 pour procédure. C'est quel grade là ? Tu m'as dit officier 2 ? Ouais, officier 2 moi. Ok. Ouais, ça va, le crâne elle est pas dégueulasse. Elle est super moche quoi, c'est tout. On a pas le droit de faire d'infiltration quoi la soirée, ça hein ? Non, c'est que de patrouille. Ok, ben pas trop long. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait détendu. Dis-moi. Ouais, allez, viens, on se les contrôle. Bonsoir, messieurs, dames. Non. Vous allez bien? Comment ça, non? Ça va, vous. Non. Bah, comment ça, non? Laissez-moi manger mes chips, putain. Allez, contre le grillage à tous les quatre. Petit contrôle d'identité en légende, les jeunes. Comment ça? Comment ça? Vous êtes comment ça? Comment ça? Oui, quoi, oui, comment ça, oui. Allez, contre le grillage, là, on se dépêche. Oui. Mais parez-vous là, yo. Carte d'identité, monsieur. C'est qui, Crunch Top à droite? Risk Chrono, 113. Oui, c'est le Crunch Top. S'il vous plaît, monsieur. J'ai pas. J'ai pas votre pièce d'identité. Et chez moi. Vous savez que c'est une amende si vous présentez pas vos papiers d'identité quand t'as pas le chiffre. Je vais chercher chez moi, c'est juste. Attends. Allez-y, vite. Non, attends, attends, lui, je le connais, lui. Non. Ah t'as ouais vu? Bah oui, bah oui. Reviens là. Ici, toi. Vous me connaissez d'où? C'est pas sur toi que j'ai tiré? Non. Ah ouais? Il a voulu baiser, c'est ça? Ok. Collègue, va, dépêche-toi. Non, j'avais voulu baiser. Oh, mais c'est un mec gentil, okay, les gars, okay. Croyez pas. De toute façon, si nous baisse, c'est vous qu'on va baiser. Du coup, carte d'identité, s'il te plaît. Moi, j'ai pas trop envie de me faire baiser, je trouve. Ouais. Comment il s'appelait le mec avec qui j'ai eu un problème la dernière fois là? Je sais pas, j'étais pas là, moi. T'es pas là, toi? Quel mec? Un mec qui m'a insulté. Oh, la fois où t'es venu à écraser le mec, que tu nous as dit de me déclasser. Yo, ouais, exactement, carrément. Exactement, cette fois-là, ouais, cette fois-là. Je sais pas, je suis grave parti. Eh, moi j'ai entendu, apparemment, il y a un gars, il a tiré sur un des gars. Hein. Ouais, il y a eu. Guerre de gang, hein. Guerre de gang, ça fait guerre des. De gang. Ça fait des ravages. Je me suis un drive-by. Ouais, oui, bah. Putain. Surtout qu'il m'a couru après, il m'a dit, c'est sur toi que j'ai tiré la dernière fois. Ça te fait rire? Oui. Parce que vous mentez. Tente-toi. Ouais, tente-toi, je te fouille. Ah, oui, monte. Ah, oui, je vais te fouiller. C'est faire quoi de beau là sur les jeunes? Quoi, tu vas ouvrir une boulangerie là? C'est quoi tout ça là? C'est mon pain. Oh, mais vas-y, rien d'important. Rendez-moi mon pain et mon or. Non, je vais faire le malin. Si, j'avais mis ça dans mon sac. Oui. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette liasse là? C'est mon argent. Son argent? Ouais. Alors attends, regarde, on dirait pas des faux billets, je trouve, regarde. Non, mais rendez-moi mes 7 secondes. C'est vraiment des vrais ça. Regarde. Montre que je regarde la voix un peu là. C'est vraiment des vrais, ça sort de. On dirait un faux billet ça, non?
Non, ça c'est pas un faux billet ça les gars, non. Guette bien ça là. Mais non, je regarde bien là, t'as vu sur le billet, non, non. Je vais le ramener, je vais le ramener à la scientifique quand même au cas où. Ah non, ah, non, no fake ah, ça si, les gars. Si, je vais ramener à la scientifique, ah, reste contre le grillage, reste contre le grillage. Ah, oblige pas à utiliser la force. Putain. Oh, je vais le ramener à la scientifique, remonte tes quantités comme ça je repasserai, je t'ai ramené. Si c'est vrai. Mais tu vas jamais repasser, on apprenait ça. Junior con, c'est ton prénom Junior? Ouais. Non, c'est quoi ton prénom? C'est Junior. Non, c'est pas ton prénom Junior, c'est quoi ton prénom? Bah si. Ah non. Ah c'est Junior, si. Non, c'est par exemple, si jamais moi je m'appelle Riz et que j'ai un enfant que j'appelle Riz aussi, il va s'appeler Junior. Bah il y a des gens qui s'appellent Junior. Non, quoi. Junior c'est bon, pas un prénom c'est Junior. C'est quoi le prénom à ton père quoi? Bah si, c'est un prénom. C'est quoi le prénom à ton père? C'est quoi le prénom à ton père? C'est son nom réel. Mais non. C'est pas un prénom Junior. Comment il s'appelle ton père? Bah moi il s'appelle ton père. Mon père il s'appelle Curtson. Curtson. Donc tu t'appelles Curtson. Bah non. Si, bah maintenant je t'appelle Curtson. Non. Mais laissez-moi faire ce que je veux, bordel. The Bee, arrêtez de me péter les couilles. Vous êtes insupportable. Non, je te rends ni ta nourriture ni ton argent. Je vais vérifier si jamais c'est des vrais billets parce que ça, on dirait que c'est des faux. Et pourquoi tu le rends pas son pain? Il a déjà pas d'argent. Je vais vérifier ce qu'il y a à l'intérieur du pain. Mais c'est que du pain. On sait jamais s'il a pas mis une lame ou un truc comme ça là. C'est pour sa santé, c'est l'ami, elle peut être contaminée, etc. C'est compliqué à vous expliquer, vous inquiétez pas. Mais non. On lui sauve. Allez, bonne soirée, messieurs, bonne soirée. Ah non, bah non. Oui, bonne soirée. À jamais. Putain, T'as fait quoi là? Non, vas-y, pars-toi, t'es trop con. Pars-toi, sale con. Putain, yo, t'as une lame, vite. Pourquoi faire? De quoi? Pourquoi faire une lame? Mais une lame, vous connaissez pas, c'est une lame. Non, je connais pas. Non, c'est dans la musique. Dans la musique? Ouais, bah oui. Ouais. C'est artistique, les gars. Et du coup, c'est, ça représente quoi? Bah en fait, regarde, si tu veux savoir à quoi ça représente, regarde, c'est simple. Va écouter mon dernier son, et après tu verras. Je te donnerai pas un stream. T'auras pas un stream de ma part. Non mais tranquille, après t'as vu, j'ai pas besoin de ton stream. Oui, ah oui. La SACEM ça paye. Ouais, c'est vrai que t'as une belle veste, hein. Mets-toi contre le mur. Mais putain. Oui. T'as la facture de ça là? Oui, bien sûr. De ta veste, parce que là on dirait que c'est de la contrefaçon. Absolument pas, regarde l'étiquette. Carrément, c'est bien marqué. Hein. Est-ce que t'as la facture? Oui, chez moi. Bien, mon contrat, carrément. J'aimerais bien l'avoir. Oui. Bah, si tu m'emmènes chez moi, je te montre. Là, je vais te ramener chez toi et tu me montres la facture. Ok, impeccable. Allez, monte à l'arrière. Allez. Santé, on se revient à la voiture. C'est toujours pour ma gueule, putain. J'arrive. Prends ça, toi. Ouais, tranquille. Pas que la facture, tu vas aller chercher, je crois. T'habites où? Ramenez-le en vue au moins. Derrière. Les maisons là, juste derrière là, vous voyez derrière les petits panneaux là, belges je dirais. À gauche? Ouais, à gauche là. Et là tu tournes à droite, après. Juste là, ouais. Il va me montrer la facture de sa veste. Ça coûte cher ça. Ouais, j'ai mis le billet. Hein. Alors, j'ai rechangé de maison, alors du coup, je sais pas si elle a décoré. Le mec, il a écrit le panneau, il mange des frites. Ah ouais, elle a rien branlé. Hein. Il y a même pas de meuble, je crois vraiment qu'il va te présenter une facture. Ah merde. Fuck. En fait, vu que je suis en déménagement, ouais. La facture elle est dans l'ancienne maison. Tango 07, nous allons faire du contrôle. Retire là. Retire là. Retire ta veste. Ah. Est-ce que vous pouvez vous retourner? J'ai pas trop envie que vous voyez. Pas de facture, pas de textile, c'est simple. Ouais, vas-y. Retournez-vous s'il vous plaît, j'ai pas trop envie. Ouais. Vous faire foutre. Là, tu passes devant nous là en devant. Il est con. Ici, viens ici. Il est rentré? Ah non, il est là! Oh merde! Arrête-toi, mon vieux, tu vas finir comme ton pote! Non! 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 Aïe! Arrête-toi, tu vas te mettre en danger, mon grand, je te le dis. Laissez-moi tranquille! Vas-y, calme, arrête-le. C'est lui? Non, veste blanche, plus vite. Là, à droite.
22, arrêtez-le lui là. Bien joué ça. Comme ça on fuit. Qu'est-ce qui se passe? S'est arrêté. Oui, très bien. On a vu, s'est arrêté. Il s'est clairement fui. Hein. Très bien. Mais non, j'ai fait un petit footing, les gars, tranquille. Oui, un petit footing. Mmh. Ah oui, tu dois être tout transpirant sur ta veste à l'air, retire-la. Qu'est-ce qui se passe ici, oui, là? Porte de contrefaçon. Mais c'est pas de la contrefaçon. Bah, entre monsieur n'a pas de facture à me présenter. Vas-y, ramène Alcen. Donnez-la moi, je vous la rends quand vous aurez la facture. Non, je vous jure. Mais attendez, je crois rêver, je paye ça 15 000 $. Donnez-moi cette putain de veste. Oh. Tu t'es fait arnaquer mon grand, c'est la contrefaçon. Mais je l'ai acheté là-bas, là au Bingo, là, juste là-bas. Là. Oui, d'accord. Ben écoute, tu viendras oui. Présenter la facture. D'accord. Valten, va. Ah, d'accord, c'est pour ça, d'accord, y'a pas de soucis. Non, mais vous voyez, vous voulez me ruiner dans la vie, c'est ça? Ouais, c'est ouais. C'est ma veste de showcase. Exactement. Ouais. Putain, yo, je seum. Je suis vraiment obligé là? Bah, bien sûr. Mais à moins qu'il y ait une facture à nous présenter. Nous répéter, oui, je suis en plein déménagement. Attends, Calou. Range le téléphone. Quand t'auras la facture. Quoi? Oui. Quand t'auras la facture, tu nous la montreras en tournant la veste. Pour ton pneu ou pas? Oh non, par pitié. Y'a pas de pitié. Tu te rappelles tout à l'heure là. Tu me parlais de l'âme là, je sais pas quoi t'as voulu faire malin. Mais non, je te parlais de l'âme en mode. La prochaine fois quand je viendrai, ce sera bonjour monsieur l'agent. Voilà, bon courage. Vous allez bien? Question simple. Donnez-moi cette veste. Dans ce quartier là. Je vais lui rendre à la fin. Attends, dites-moi. Je vais rentrer dans quelques jours quoi. Les gens ils t'écoutent ici ou pas? Moi c'est Brony. Ouais, on va dire ça, ouais, dis-moi. Bah, tu vas nous trouver le petit con qui nous a fait venir de la voiture, dépêche-toi. D'abord la veste. Alors, je te retrouve les deux petits cons qui ont fait taver les pneus et je garde la veste. D'abord la veste, non, la veste dans tous les cas tu la perds. Il y a une grande explosion au niveau des. Ça c'est non négociable par contre. Donne-moi cette putain de veste. Ouais, on en contacte là-dessus. Tu veux pas un paquet de cigarettes à la place? Non. Dommage. Putain. 37 pour Hall, je tiens à le rappeler, le dispatcher ce n'est pas votre chien, donc mettez vos patrouilles à jour dans les unités. Oh, il y a un braquage de supérette. Ah, 19 sur le dernier braquage. Hey, regarde-moi bien. Si tu me rends pas la veste là, je t'envoie la facture. C'est comment ton. Envoie-moi la facture, 113. Ah, oui, on a plus de pneus. Il est en train de flasher. On fait des contrôles routiers là sur la freeway, Senior Freeway. Peut-être vous voulez une autre unité, Ego? Plus de l'autre côté, oui. Dans l'autre sens. Ouais, c'est chiant. Non, partez pas, on est pas en état, partez pas. Il nous manque un pneu. C'est pas nous qui allons vous poursuivre! Adamson, ici, on arrive. Ah putain. On a besoin de renfort sur la supérette là, s'il vous plaît, il nous manque un pneu. Allez, obédis, c'est en face. Messieurs, du calme. Du calme. Tout va bien se passer, messieurs. Dame 34, on va pouvoir venir. Oui, on a besoin de renfort là, illico presto là. Ils sont sur le point de démarrer là, j'essaie de les tenir. Par quelle supérette là? Adam 54. 71, t'en fais pas! Vous êtes arrêté. Eh, chopez-les là, c'est eux là, chopez-les! Non mais descends pas! Mais il est con ou quoi? Mais qui est sorti? Bon. Ah mais on a deux pneus, il y en a qu'un de pneus de secours dans le coffre. Attends mais c'est vraiment un pneu de secours ou pas? Vas-y change-le. Nickel, mais allez flic, vous êtes beaucoup à bouffer du couscous. Ah! Non! 55 actuellement, oui. Pardon. Oui, pardon. Non! Mais non mais on a annoncé hein. Pardon. Non, pardon, je savais pas. Change le pneu. Ouais, attends, je dévisse. Pardon. Hop, je me place. Nickel. Allez, à l'arrière, Curtis. Non, pardon, je te jure, pardon. Mais non, mais Curtis, on avait pas le temps. Et lui aussi, il a insulté. Non, toi, tu m'as fait un doigt et tu m'as insulté. Lui, il a rien dit. Garde la bécane. 113 pour 03, vous me recevez? Non, pas maintenant, s'il te plaît, non! 113 pour 03. 04. Tu te prends pour qui, Curtis? Tu te prends pour un criminel? Non, pardon. Je te donne des infos et tu le dis pas. Vas-y, quoi? Ah oui, t'en arrives là. Trop tard. Ouais, allez, je sais pas de quoi te donner comme info. Avance. Pardon. Y'a pas de soucis. Je voulais juste faire de la moto. Ouais. Je me suis senti pousser des couilles, je suis désolé. Va dans la cellule, je vais chercher sa tente. Allez, fonce.
comme je vous ai dit, par rapport à tout ça, bah, je ne sais pas. Vous êtes extrêmement communicatif avec nous. 03. Oui. Je peux venir ? Ça peut attendre la fin de l'interrogatoire ? Si, ça peut, ça peut. Okay. Qu'est-ce qui se passe là actuellement ? Ton neveu. Dès que ta mère, lui aussi, dès que sa mère! Argent, ça tout drôle. Ah bah, pour ça, je vais lui mettre, hein. Va au fond de la cellule. Tonne-toi. Fils de pute avec ta banane. Tonne-toi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Les pochons, ça, c'est ma console. Parce que je me suis mis à fumer. Ah ouais? Il prépare un plein mille. Ouais. On peut avoir votre 10-20 s'il vous plaît. On est cette liasse là, c'est une grosse liasse là, non? Ok, on est actuellement sur la Torse Drive. Bah, c'est l'argent que j'ai gagné aujourd'hui. Ah oui, tu l'as gagné comment? Juste en faisant le ménage au Burger Shot. Elle est bonne cette pizza aux fruits de mer. Hein. Non! Vous voulez que je continue les 10-20 ou pas? Oh, t'as des Bubble Wave. Oh, tu m'as donné envie d'en manger, attends. Mais non, mais. Potentiellement armé, j'entends qu'il cache des munitions dans la voiture. Bon, je sais pas s'il peut en faire comme ça. T'en veux un petit peu des Bubble Waffle hein? Tiens. Ça y est, t'as fini? Tiens, mange. Oui, allô? T'es yo là. Oui. Ah, maman. Si, tu es disponible au téléphone ou tu es en mission? Non, je suis je suis disponible, juste je pourrais pas te ramener le gros panier. Par contre, j'ai plein de fruits. Plein de fruits? Oui, des... Muy bien. Qu'est-ce que tu as comme petit fruit? Tu veux qu'on se voie d'abord ou qu'on parle des fruits rapidement? Parlons de fruits rapidement, ça m'arrange. D'accord, ok. Des fruits tas? Des fruits laits? Des fruits... Des frocs? Non, des fruits... Un fruit. J'ai des fruits, j'ai des pépins. J'ai pas des gros fruits. D'accord. Tiens, pas les fruits de l'Est en fait. Ok. Exactement, j'ai pas de fruits de l'Est. Ok. Bon, écoute, j'ai une commande de 3 fruits de l'Est. D'accord, si jamais. Oui. Ah non, ça va être compliqué. Hein. Pas de problème. Au cas où, le jour où, mais c'est oui. Pour des personnes qui sont pas des personnes comme moi. D'accord. Des personnes, si tu veux, des grandes, grandes familles. Okay. Peu importe, dis-moi, c'est pas mon dos. Voilà. Mais sache-le, que de toute manière, je ferai pas les choses bêtement, de façon justement à foutre la mêle dans la cahier. Je sais très bien que toi, tu veux réguler avec tout ça, que tu veux juste de la plata. Voilà, c'est et ça. Que tu veux réguler un petit peu le qui peut tomber, qui peut pas tomber. C'est normal, je vous connais, Laura. Je comprends. Maintenant, du coup, il faut... en fruits... Mais non, mais nous, on prend aussi, Arbano. Ouais. On va prendre. Mais t'en veux combien? Ouais, je te dis ça dans une seconde, comme ça il m'a fait les calculs, mon associé, et c'est bon. Pas de soucis. Rentre là-dedans, j'ai pas fini avec toi. Hein. Tu veux quoi de plus? Ta gueule. Tourne-toi. Non. Oh, c'est une limonade, j'aime trop la limonade. Non, mais arrête, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, j'aime trop la limonade, c'est trop ma boisson préférée. De base, tu insultes les filles qui disent rien et toi, tu fais quelque chose, s'il te plaît, arrête. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je te donne une information. Chaque jour, je m'accroche à l'espoir que la vie redeviendra normale. Je serai sauvé de cette île maudite. En attendant, je continuerai d'écrire. Attends une seconde. Oui, allô. Hey, combien tu... Combien tes fruits? Combien quoi? Combien tu vends tes fruits? 20. D'accord, parfait. Ok. Avec combien de... les pépins? Bon, les pépins, un pépin. Hein. Un pépin, d'accord. Compte un pépin aussi associé. Compte un pépin en plus. Ouais. Occupe-toi de lui, 111. D'accord. Moi, fais-lui la misère. Vas-y, dis-moi, associé. Ouais. 5-0-7, on a 10-56, j'ai une sportive multicolore. Ouais. Chante ma musique. Ouais, parce que 56, il fait un 20-30. Ben non, pas 21 fruits. Y'a du couscous dans ma tête. Ok. Je te rappelle, je te dis ça de suite. Mais là on parle de pistolet. Je te rappelle. Ouais, ça marche. Okay. On parle de pistolet là, 20 000. Pour l'outrage à l'argent, d'accord.
la prochaine fois ça va être plus sévère et je vais parler vraiment à ta tante. Là dis-toi que là on va aller rien lui dire parce qu'il est occupé, t'as bien de la chance. Ouais. Attends, je lui mets une amende. Oui, j'ai ce que je vais lui mettre. Qu'est-ce que tu fais? Je te mets une amende. Non, 60 dollars. 60 dollars? Mais je pourrai jamais payer ça. Bah tu vas te débrouiller, hein. Tu sais que je suis à déficit intellectuel, que je peux pas travailler partout. Bah oui, je vois ça, allez, sors. Non mais attends, où tu vas? Tu vas où? Arrête de courir. 10-10-3. Marche. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Riz, 113. Riz comme les Rizis. Comme quoi? Ça se bouffe, comme les Rizis. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, Curtis. Tu vas filer droit, toi, moi, je te le dis avec moi. Filer droit? Tu vas filer droit. Je sais pas qu'est-ce que tu vas me raconter, yo. Tu vas marcher droit, quoi. Tu vas marcher droit, tu vas arrêter de faire des bêtises. Ouais, mais vrai Renoir, de toute façon, se laisse pas en bouga. Non, arrête avec tes questions de couleur de poil. Attends, une seconde. Tu veux retourner dedans? C'est ça que tu veux, hein? Non, rien. Non? Donc, dis pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Voilà, allez, dégage. Bon, va dans la voiture, Santé, je te rejoins. Ah, pardon, vas-y. Oui, dis-moi. C'est 14 fruits et 10 pépins. Waouh! Ouais, mais après, là, c'est pour tout le monde. Un petit peu à droite à gauche aussi, tu vois. Ouais, c'est bon. Ben, par contre, dans la nuit, hein. Dans la nuit. Nuit. Que tu vas pas me faire dormir. Dans la nuit, genre. Je dirais une heure et demie, ouais. Bonsoir, ça va, collègue? C'est bon? Ouais, j'ai été mettre de la. Là, c'est compliqué. Ah, merde, c'est pas la merde. Normal. Allez, ok. Allez. Attends. Ah, putain. Allez, on se barre. Ok. Allez, c'était fou, les collègues. Regarde, tu m'entends? Si. Regarde comment ça va marcher. Tu m'enverras une position, tu poseras d'abord l'argent dedans, d'accord? Bien sûr, je mettrai ça dans une poubelle. Voilà, parfait. Moi, je te renverrai une position, il y aura tout ce qu'il faut dedans. Vas-y. Super. Tiens, prends-le. Merci. Allô? Oui. Pourquoi Spotify... il me fout la haine avec leur musique, là. Déjà, Spotify, Bah, si c'est le cas, c'est que c'est vrai. Trop gazo, frère. Ils font que mettre des musiques de gazo dans ma playlist alors que j'écoute jamais gazo. Et à chaque fois, ils mettent du gazo, à chaque fois, je skip. Ok. Et à chaque fois, ils me remettent du gazo. Vas-y. C'est une dinguerie. Tu vas aller taper qui? Mon fils. De Capitaine. Mon fils. Amber Reyes aurait disparu d'après son mari, elle serait partie avec les enfants. Vous pourquoi? Il m'a appelé, il m'a dit si jamais il y en a qui... Attends. Amber Reyes. Non mais oui, c'est bien gazo, tu vois. Mais moi je l'écoute dans des circonstances particulières, tu vois, parce que la drill, je suis pas trop fan. Tes collègues qui viennent te voir en disant que c'est moi qui j'ai fait la supérette, ne crois pas, c'est faux. Ok. T'as un fils, toi. Adoptif, ouais. Méchant gazo, accepté de venir. Attends, mais j'aime bien gazo. Mais en gros... J'aime pas les sons de gazo drill. Pourquoi? Parce que j'aime pas la drill overall, tu vois. J'aime pas la drill. Pas d'enfant, toi? Non, j'ai pas de gosse, moi. Moi, mes seuls enfants, c'est la police. Bah, t'as genre, raison. Tu vois, die et tout, j'aime bien. Mais quand. Genre, tu sais, les trucs en mode. Freestyle, machin, où ils sont 1000 drillers et tout. Genre, à chaque fois, Spotify, ils m'en mettent des musiques comme ça. Et c'est ça que je skip à chaque fois. T'en penses quoi, toi, du SPG, là, depuis que t'es arrivé? Bah en fait j'ai fait une soirée super calme, hier c'était super le bazar. Oui. Donc bon, moi tu sais j'aime bien hein. Ah merde. Ça fait combien de temps toi que t'es flic toi? Ça va faire quoi, 5 mois là? Oui. Attends, ouais, ça se passe bien? Bah justement pas au début, c'était compliqué. L'adaptation tout ça avec les autres parce que je connaissais personne. Oui. Mais après, franchement, j'ai commencé à prendre plaisir et c'est lourd. C'est qui que tu voulais frapper déjà hier? Je voulais quoi? Tu m'as dit on va frapper quelqu'un hier. Putain, c'était qui déjà? Que je voulais frapper? Ah, c'était... je sais même pas comment il s'appelle, mais je sais même pas qui c'était. C'était celui qui t'avait. Pourquoi voilà en... Il faudrait une unité au niveau du left custom, apparemment. Il y aurait eu des tirs automatiques là-bas. Ah ouais, left custom? Ouais, left custom, quoi, left custom. Tu sais, hier, moi j'ai dit ça parce qu'il y a les collègues à côté, hein, j'en ai rien à foutre que je tape des gens. Ça marche. Non, mais non, je rigolais. Ah, mais je te le dis. Je préfère être clair avec toi.
J'ai déjà été accusé de bavure. Oui. Justement, pas, pas envie d'avoir une deuxième fois l'accusation. Ok. Attends, elle est custom, c'est pas le Beniz, merde. Non, 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 mais t'inquiète, c'est la route, c'est la route. Tu veux te mettre le GPS? Non, non, c'est bon, c'est bon. Toi, si tu devais comparer le SPG de ton époque au SPG d'aujourd'hui, tu préfères celui d'aujourd'hui ou d'avant? Ouah, mais non, j'ai pas assez vu là pour te dire. J'ai pas assez vu pour te dire, mais Ton première impression? En fait, à l'époque, c'était plus détente. Ouais. Mais au final, c'est mal. Tu vois? Parce que les gens, ils prenaient leur confiance. Ils font n'importe quoi. Bah ouais, bah ouais. Alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est plus... C'est encadré, c'est bien, c'est propre. Ouais, c'est plus régulier. C'est moins bien pour nous individuellement, mais c'est mieux pour... L'image de la police, ouais. Ouais, c'est pour la globalité. Ouais, je sais, mais il y a déjà des unités qui sont là-bas. Je fais d'abord un petit tour. Attends, va voir la voiture sur le retour là-bas, là. Un civil sonne à l'accueil. Y'a personne dedans? Non, c'est bon. Y'a pas d'impact de balle ou quoi? 4 Adam 69, on finit de réparer, on arrive. C'est capté. Tout se passe bien là au mécano, les gars? Et les custom. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà. Vous avez rien trouvé? Bon, les autres ils couvrent celui qui tire en tout cas. Hein. Oui, 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 clairement, clairement. Oh non, mais oui, c'est vrai qu'il y a un mec qui tire à l'automatique depuis hier là, il me pète les couilles celui-là. Attends, c'est le mec avec la BF400 là? Ouais, bah oui, ça doit être ça, je pense, non? Je sais pas. Tant que je le crois celui-là, il essaie de me tirer dessus à moi. Ouais, sur Madge aussi. Les Wu, je les vois jamais dans leur quartier. C'est pas faux ça. Tentative de véhicule, level de véhicule, modèle. Séminal. Adam 113, on sent sur le dernier vol de véhicule à kilomètre 14. C'est capté. Let's go. Adam 55, on va s'occuper des. C'est reçu. Tu sais qu'elle est pas dégueu la voiture en vrai de vrai hein. C'est quoi une séminale, tu sais? Je sais même pas ça ressemble à quoi. T'es bien les gars, t'es bien les gars. Ah mais lui on le sort de celui-là, il fait déjà des wheeling. C'était Curtis? Ouais. Oh pardon, fils de pute. Merde alors Curtis. Rien de cassé? Ça va? Ça va? Bande de merde. Oh là là, bah oui, faites des wings sans casque, je vous avais pas vu hein. C'était sale merde. Ça va, Jabba? Putain yo, Curtis, hé, hey, 113, va te faire foutre, putain yo. Attends, tu parles à qui là? Yo, je parle à toi Dieu. Carrément. T'es là, tu rentres dans les G, c'est comment tu. Tu vas atteindre un autre. Attends, mais t'as partenu la leçon? Si, mais... c'est pas moi, Riz. C'est pas non, moi. Non, je sais que c'est pas toi, t'as partenu la leçon, Bruni? Mais quelle leçon? Quelle leçon? Il est beau ton ensemble là, c'est quoi? Ensemble, c'est une marque que tu connais même pas. C'est quoi la marque? C'est quoi la marque? C'est ma marque, c'est ma marque. C'est ta marque? Pas le bas, mais le haut, ouais. T'as la facture de ça? Après, si tu me demandes pardon, peut-être que je pourrais fermer les yeux. T'inquiète, j'appelle le sergent en FaceTime. Oui, appelle le sergent, appelle le sergent. Le capitaine adjoint. Mais appelle même ta mère. T'as vu, j'ai pas la kill. Parle à lui derrière. Ah ouais, de toute façon, moi, si je, même si je parle à toi. Bah tu vois bien là quand même. Allez, va contre le mur, va contre le mur là, tu m'énerves. Va contre le mur. Putain, il est mort, toujours pour ma pomme. Ah oui, tu fais le malin. Tu crois que je t'ai pas entendu nous insulter de fils de pute? Mais vous rentrez dans des gars, genre comme c'est normal. Ouais, ouais. Oui, bah oui. Oui. C'est quoi la tenue shoot? C'est pourquoi faire? Mais là. T'as combien de cheeseburgers sur toi? Mais vous avez pété un câble ou quoi? Yo. Non mais en fait c'est parce que j'ai déménagé, je te l'ai dit. T'as déménagé? Tout transversé, oui. Non, par contre t'as vu, abuse pas, tu vois ce que je veux dire. Tiens. Oui, non mais non. Non. Mais attends, t'as 30 cheeseburgers sur toi et c'est à moi que tu lui demandes de pas abuser.
Mais j'étais en plein déménagement. 30 cheeseburgers, 30. Appelle l'agent immobilier, je te jure, j'étais en plein déménagement, j'étais en train de tout. Ton pantalon, il est tout humide là, il est tout gras, tu te fous de la gueule de qui? Oui, mais je sais, mais j'étais en train de transvaser tout et après vous m'avez interpellé au quartier. Oui. 30. Oui. Et 30 virgule Morito. Je suis en train de transvaser tout, merci. Je vais te recontrôler. La prochaine fois que je te revois, je te contrôle, je te fouille. T'as pas intérêt à les avoir. Non, mais t'inquiète pas, je suis pas un trou de balle. Pas de galère. Du coup, là, j'ai appelé l'entreprise pour ma veste, là. Histoire qu'ils m'envoient la facture. Ouais. T'en fumes des joints. Ouais, j'avoue, je suis un bon consommateur. Ouais, je pré-roule mes joints, t'as vu, je les mets dans le paquet de cigarettes. C'est pourquoi les deux téléphones? Bah justement, j'ai un deuxième téléphone que j'ai pris justement en train de transvaser parce que je devais appeler quelqu'un. Ouais. Voilà. D'accord. Tout simplement. Écoute Broly. Oui, dis-moi. Quand tu me revois, c'est bonjour monsieur, oui monsieur, au revoir monsieur. Oui. Oui, c'est comme ça. oui, 113, pas de problème. Oui, monsieur. 113. Oui. Voilà. Y'a plus de fils de pute, y'a plus de je sais pas quoi, y'a plus de wheeling, y'a plus de nanana, là, d'accord? Non, par contre, wheeling, t'as vu. On peut en faire des wheeling. Tu vas en terrain de cross? Non, c'est interdit les wheeling. Mais non. Bien sûr que c'est interdit les wheeling. C'est le premier à qui me dit ça, putain. Ah oui, c'est interdit les wheeling, c'est conduite dangereuse ça, hein? Ouais, c'est vrai, ouais. Donc tu vas en faire dans des terrains vagues ou je sais pas où, mais pas sur la route. Ok. Ok? Ok, vas-y, on fait comme ça, là. Elle est belle sa sacoche à celui-là. Fais voir sa sacoche, fais voir. Et quoi dedans? Non, laisse-moi. Viens voir, va contre le mur. Va contre le mur. Dis monsieur. Le mur. N'aggrave pas ton cas. Monsieur, votre collègue veut essayer de voler ma sacoche. Oh mon dieu, toi t'es dans la merde. Bon, laissez-moi finir mon déménagement. Va contre ce putain de mur. Va rejoindre ton pote, va. Va rejoindre ton pote contre le mur, toi, putain. Vite. Tu l'as acheté où cette sacoche? Je l'ai acheté, c'est fait de fou. Moi-même. Tu l'as acheté où? Imbécile, te mets pas dans le buisson. Y'a quoi dedans? Là range bien, y'a plein de place dedans ou quoi? Tu veux me raqueter là? Non, je te raquette pas, je regarde ta sacoche, c'est une quoi? Ils m'ont volé 700$. Merci. Ils m'ont volé 700$, il m'a dit. C'est une quoi? C'est une Gucci? Comment ça, 700$? Hein, ils m'ont volé mes 700$. C'est une quoi? C'est une Gucci? Il m'a pris mon couteau. Vas-y, je te prends ton couteau, tu me fais une Gucci? Imbécile. Et bah, rends-moi mes 700, rends-moi mes attrapés alors. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, tu me réponds quand je te parle? Mais oui, non. Oui. Alors c'est une Gucci? Si. Bah non. 02 à 69. $50 par plus. Je crois que t'entends pas quand tu me parles, mon vieux. Il y a un RS sur le cambriolage de propriété ou pas? Effectivement, là. Pardon. Oui. Oui, c'est une Gucci? Oui. Vas-y, enlève-la, montre-la moi pour voir. Mon couteau. Madame Cartoise, on va prendre la dernière RS niveau 20. Non, mon couteau. Mais arrêtez de nous raqueter. Tenez. Non, mais c'est trop. Eh, elle est belle cette sacoche, t'en penses quoi? T'en penses quoi, 71? Fais voir. Une belle sacoche, ça, non? Franchement, ça te va bien, hein? Elle va bien, non? Fais voir derrière comment c'est. Oui. Bien, en plus, ça passe bien sur le truc des oies, c'est incroyable. Ça rend bien, non? Bon. T'en penses quoi, toi? T'aimes bien ou pas? Tu fais quoi? Très beau. Bah, je vais appeler le capitaine adjoint parce que vous faites que nous raqueter, là. C'est comme ça qu'on sert, monsieur. C'est comme ça. Ah, tu sais quoi? Appelle-le et mets-le par là. Appelle-le et mets-le par là. Bon. Vas-y. Là sinon t'es en train de servir un point en fait. Du coup, Adam 14, on part en... Ok. Oui. Bien. Prochaine fois la sacoche je la prends, d'accord? Monsieur le capitaine adjoint, vous entendez? Oui. C'est compris? Actuellement il y a 113 et 71 qui nous raquettent. C'est compris? Reprise dans notre quartier. Ils m'ont pris cette arme, mon pain, ma nourriture et mon couteau. Bon allez, dégage. Une fois qu'ils viennent, ils ont raquetté... Elle était belle ta sacoche, t'as la facture? Ils ont raquetté une sacoche, un de mes amis. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est au téléphone celui-là? Il est au téléphone avec le capitaine adjoint. Aïe! Raccroche ça, je te prends ton téléphone là. T'es un fou ou quoi toi? Oh là là, on bouge! Vite! Ils nous ont fait les pneus encore ces connards! Non mais sérieux? Oui! Non mais je vais les baiser! C'est vous les bandits en fait ici, je reconnais! Tais-toi, change les pneus! Vous êtes vraiment des sales merdes là! Y'a une fusillade! Regardez dans quelle merde vous nous mettez! Adam, ah merde! Yo les gars, touchez pas, ah ouais, putain gars. De pneus, moi il reste là, plus on est tranquille, arrêtez d'être con, putain. Putain. Aiguille, mais mec, quelle fusillade de quoi on parlait là. Eh là, tu vois bien, il y a une vol de véhicule à main armée, putain, coup de feu. Ah oui, en effet, il manque un pneu là. À côté du car wash.
Mais c'est t'as crevé la pneu que t'es... Oh bah de toute façon si le carwash il brûle, au pire ça sera pas perdu, je te vérité. Jamais, je n'ai pas de ta gueule, jamais, je fais un truc comme ça. Je me putain. Bah moi je m'en bats les couilles aussi. Je peux cop, espèce de fils de pute, vas-y partout. Refais-nous le pneu, je t'amène dans le corner toi. Tu veux partir avec nous, t'es tout seul? Comme ça t'es tout. Non, tout va bien, je suis en enquête. Vas-y partout, partout. Tu veux pas venir avec nous? Fais attention à toi, beau gosse. Le GOAT! Non, c'est bon, j'ai ma voiture. Allez, je te mets une note sur 10. Il a fait une crème brûlée. Tu sais que les pneus, moi je déteste. Hein. Ça casse les couilles. Ah oui. 113 pour tous là, il s'est passé quoi sur les coups de feu au niveau du car wash? RAS. Tentative de vol de véhicule à main armée plus coup de feu, c'est pas RAS en général. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est passé et RAS. D'accord. Parce qu'à chaque fois, Thibaut il faisait des crèmes brûlées. À chaque fois il est raté, donc du coup là... Attends une seconde. Attends, je supprime les appels là. C'est la meilleure crème brûlée que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Mais what the fuck? What the fuck? En plus quand tu la coupes le sucre il fond genre tu sais il se casse pas en mille morceaux et tout. Faut que je lui dise. Ça va? Je viens de manger la crème brûlée la meilleure de toute ma vie. C'est incroyable les crèmes brûlées. Non mais attends, mais je suis choqué. Tu fais maison? Ouais. Incroyable. Non mais attends. Et je vous jure, voilà, je crois pas. Choqué. Ben oui, je suis choqué. Ça m'a fait un truc bizarre, j'avais des sentiments bizarres. Ça a été tombé amoureux. Non mais attends. Attends. Vas-y, donne un croc, donne un croc. Tu peux rêver, hein. Ah, t'es comme ça, toi, tu partages pas. Ouais. Non, mais pas. Non, mais. Non, mais attends. Non, mais attends. Ça vous, hein. Non, mais attends, mais. Non, mais. Je sais même pas si j'ai mangé un truc aussi bon dans toute ma vie. Allo, dis-moi. Mais je le jure, les gars. Allo. Oui, dis-moi. 03, on va à la mairie du Sud. Croyez à quoi la maison? Une quoi? Oui, c'est au petit ça. C'est au petit ça. Mais c'est choquant. Mais je l'ai vu, j'ai déjà vu cette moto, je crois que je l'ai. C'est à Armand ou. Oui, c'est Armand, c'est Armand. Vas-y. Mais je savais pas que c'était possible. Je sais même pas c'est quoi la recette d'une crème brûlée en vrai. Bah. De la crème? Ouais, c'est de la crème par-dessus, il y a du sucre. Et le sucre il est brûlé en haut. Ouais, au chalumeau. J'ai envie de pleurer. Oh. Vas-y, contrôle devant là. Vas-y, je te laisse en occuper, je finis ma crème. Bonsoir, le trottoir s'il vous plaît. Je crois que c'est les. C'est haut ça. Ah, fallu la misère. Excuse-moi, Ulysse. Comment ça, Ulysse? Y'a pas d'Ulysse ici, hein? Ah non, c'est Elie Chapreton, oh mon dieu. Dingue, je suis désolé. Ça. Téléphone au volant en plus, hein? Oui, ça va, et toi? Attends, mais c'est vrai que t'étais au téléphone au volant, j'ai pas rêvé là. Oui, désolé. Eh ben, tu vas me présenter tes papiers du véhicule, les papiers d'identité, la carte. Enfin, ton temps pas mes points de jeu. C'est ta place. Je vais prendre du coup les papiers du véhicule dans la boîte à gants. Voiture de l'agent Simo. Oh mais Nins, ah, non mais Nins. L'agent Simo, toi. Non mais Nins. Ok, ok. T'as le permis s'il te plaît? Mmh. Attends, merde, c'est pas ça. Et what the fuck?
Ok. Tu revenais d'où comme ça hein? J'étais... Je sais même plus où j'étais. Voilà, j'allais à l'hôpital. Là. Et what the fuck? Ok, bon, tu sais que la conduite, c'est... doit être respectée par tout le monde. Je sais, oui. On voit la haute vitesse, vous conduisez sur le trottoir, madame. Un oval. Ah oui, sur le trottoir? Oui, vous avez volé sur le trottoir, madame. Je peux faire attention. Après tout, il n'y a rien de grave, hein, madame. Comment vous appelez? C'est pas grave, mais... Rosalia Ortiz. Rosalia. Et vous? Enchanté, je m'appelle Riz Chrono, 113. 113, ok. C'est votre voiture, ça? C'est la voiture de l'agent Simo. Remontrez-moi la carte grise, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est la voiture de votre mari, non? Non, pas du tout, j'ai pas de mari. Ah, vous avez pas de mari? Non. Mais comment ça se fait? Parce que je n'ai pas de mari, Vous avez jamais trouvé? J'ai pas besoin de trouver ni de chercher. Je suis sûr que vous devez pas avoir de mal à... De mal. Je reviens. Coup de feu, coup de feu, coup de feu. Ouais. Ouais, fais Adam 113, on se sur les coups de feu. Oui, merci. S'il y a des patrouilles là dans les environs, bloquées parce que ça peut être... C'est facilement bloquable là où il y a des coups de feu. Elle est belle, hein? T'as un vol de véhicule à côté. Elle est belle, mais je la connais. Quoi? Et elle a quoi? C'est une fantôme. Une fantôme. C'est quoi une fantôme? Pourquoi une fantôme? C'est les Rolls Royce, là. Ouais, les... C'est-à-dire? En gros, elle a eu un traumatisme, elle s'est fait kidnapper par son ancien mec. Ouais. Et en gros, elle a souffert dans sa relation, tout ça. Ouais, et du coup, c'est quel rapport avec le fait d'être un fantôme? Mais non, je te parle de la meuf, là. Oui. Ah oui? Quel rapport? Bah, aucun! Mais pourquoi tu me parles d'un fantôme? Mais la fantôme, c'est le modèle du véhicule qui a été volé à côté du coup de feu, frérot. Ah! J'ai changé de sujet. Je croyais genre, ok, d'accord. Mais non. Je t'ai parlé de trucs différents. Mais pour te parler de la meuf qu'on a contrôlée. Oui, mais tu me parles de deux trucs en même temps. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis censé suivre. Tu vois, là, si on fait un barrage ici, là. Un peu plus bas, là, on est trop bien. Là. Tu vois, ils sont obligés de passer par là. Le temps qu'on arrive, ils sont peut-être déjà barrés. Ça va, ça va, ça va. Citrep sur Eden 1031, la boule orange, Riz. Vous êtes encore sur place ou pas? Pour l'instant, RS. C'est pas la boule orange, il est con quoi. Si jamais moi je galère vraiment à conduire et à parler en radio en même temps donc les trucs comme ça, hésite pas. Ouais. Non, je pense que quelqu'un a voulu voler une voiture et qu'il s'est fait tirer dessus. Possible. Moi de mon temps, j'avais un vol de véhicule à armes armées plus un coup de feu. Parce qu'il y avait c'est une fusillade. C'est le mec qui s'est défendu. Non, non, de mon temps justement, c'est qu'il y avait une fusillade. Ah, okay. Il y a une vol de véhicule juste au-dessus de nous. 4. Ça te plaît, les Speedy? Franchement, ouais. Au même endroit où vous m'avez laissé. Ah. Bon, je pense fin du mois ou mi-septembre, je vais arrêter. Ah ouais? Ouais. Toute bonne chose doit avoir une fin. Ouais, c'est vrai. Tu vas devenir quoi? Je vais devenir, je pense, un petit civil tranquille, tu vas faire sa vie dans son coin. Ouais, t'as bien raison. Faut se retirer avant de caner. Ouais. Il fait jour encore. De véhicule. Ouais, c'est loin. Ouais, c'est...
On a une mule qui se volait, monsieur dame. Adam 113, bien reçu, capitaine. 10-4. Non mais après, si on se prend une mule, après, enfin, vous comprenez quoi. Encore une, oh putain. Formule ça, capitaine. Par contre, c'est vraiment insupportable que les icônes ne disparaissent pas sur le GPS, hein. En fait, normalement, avant, quand on supprimait l'appel, ouais, ça enlevait l'appel sur le GPS aussi, hein. Bah ouais, et là, c'est plus... Moi, c'est un truc que je comprends pas. Je te jure que le fonctionnement qu'on avait, là, sur l'ancien... Oh, aïe, mais putain, mais... Mais connard, se fout de ma gueule ou quoi? Après, clignotant, ils les mettent jamais, ces enculés. Mais c'est un truc de baiser. 55, on vient de voir la félon noire qu'on recherche depuis 3 jours. Elle est occupée deux fois, homme masqué, au niveau des Meriwether. Je suis pas loin, fais-moi des D6, j'arrive. J'arrive pas à voir la matriculation, mais ça commence par DA. Fais-moi des calls, je te rejoins, je suis pas loin. Ok, 10-5. Au niveau de... Elle se dirige vers Caillou, enfin vers le... Ok, je te vois. L'ancienne fourrière. Merde, ok, je te vois. Oh, il est si presse. Il va arriver 15 bus. On va on arrive aussi sur 69. Tous pour 69, est-ce que vous avez un descriptif des individus? J'ai l'impression qu'ils se sont arrêtés là. Hein. Ouais, non, elle vient de passer par là, mais on l'a perdu. Quoi? Ils ont pu la perdre. De quoi, vous l'avez pas vu? Bah non. Non, non. En gros, elle est rentrée dans les, vers les bus. Ouais. Abandonnée et... Regarde les buissons. Ah, t'inquiète, je vois les buissons. Ouais, Patrice, dis-moi. Ça va et toi? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Eh bah c'est moi ou les allez, c'est parti ou? La prochaine fois, prends ta matraque, tu les défonces. Quelle couleur la félone? Eh mais t'es malade ou quoi? T'as rapporté ce que le capitaine il a dit tout à l'heure dans les dispatchs? Okay, c'est bien. Mes enfants, je suis autorisé moi. J'en ai rien à foutre, je veux pas sauter. Voilà, c'est juste pour t'informer, gros bisous. Vas-y mon frère. Comment ils ont pu la perdre là? Mais moi j'ai des soupçons hein, sur eux, je te le dis. Qui eux? Sur 69 et 72. Ah ouais, t'as quoi comme soupçon? La dernière fois ils m'ont fait la même. Je te jure, on était sur le pont rouge là-bas juste au-dessus. Ils m'ont dit on l'a perdu sur le pont, je les ai pas cru. Pour moi c'était un faux call. Là pareil, ils ont vu qu'il y avait une patrouille qui était arrivée juste devant eux et comme par hasard elle part. Mais pourquoi ils feraient ça? Je sais pas, moi ils s'amusent, ils sont chez... Ah ouais? Mais ce serait con de leur part. Je te jure oui. Je te jure que oui. Attention. Oh! Mais non. La dernière fois, il y avait des plantations ici. C'est 27, dites-moi. Attends, arrête-toi dans un coin. J'ai envoyé une position à Patrice. Il va galérer à venir là. Au lieu qu'on sorte des rails, non? Ouais, vas-y, sort des rails. Attends. Pourquoi il y avait des cartons là? Ouais, je sais pas. Tu vas envoyer le position à Patrice? Parce que je t'ai dit tout à l'heure comment mon fils m'a appelé. Ah oui. Là il vient de le prendre en flagrant délit donc il a plus aucune excuse. Mais il a quel âge ton fils? Juste lui mettre une baffe. Et après on se taille. Il a quel âge ton fils? 20. Et toi t'as quel âge? Unité pour le faire arracher. T'as 24 toi? Bah je sais, c'est jeune, c'est jeune. Mais comment c'est possible? Attends, c'est mon fils adoptif, c'est pas mon fils. Pour Adam Macapé, on est occupé de réparer notre voiture.
Attends, je lui envoie une position ici. Attends, attends, comme ça il y a le pont au-dessus, au moins t'es pas baisé. Vas-y, envoie-lui là. Je disais, t'as fait ça jeune. Eh non, c'est un double chiffre. En gros, avec mon ex-femme, on a voulu adopter un enfant, puisque bon. Il nous avait fait de la peine un peu. Il voulait se mettre dans le droit chemin, il avait besoin de parents. Et pourquoi t'es plus avec ton ex-femme? Parce qu'elle est morte. Ah. Pourquoi? La guerre à Caillou. Ah, c'est une keuf? Ouais. Épisode 2 des défis de Titeuf. Vas-y Titeuf, t'as pas les couilles. T'es juste ici, ah, là, c'était... Là, t'as ouais. pas les coucounettes. Allez, descendez, bande de gougnafiers. Oh là, vous êtes bande de petits schnappants. Allez, descendez là-bas dessus. Non, descendez. Ah, y a, alors, déjà, ça non, va être très simple. Le premier, tu descends. Les deuxièmes, tu descends de la voiture, cassez-vous. Allez, c'était fou, les collègues. Merci. Super wet, hein. Ah, pas ni problème. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, pourquoi tu cours? Tu sais très bien, ça sert à rien de courir. Viens là, viens là. Cours pas, toi, cours pas, toi. Cours pas. Viens ici, tu vas où? Tu vas où, tu vas où? Reste là. Oh, j'ai rendez-vous. Reste là, là, je te prends dans le bras, je te prends par le bras, viens. Madame Franca, 19h dernier, 10:31. Vous avez fait ça avec quoi là? 10-4. Et où l'argent? On est déjà sur les lieux. Oh, la donnée déjà. La donnée à qui? À Patrice. 97 pour l'état-major, est-ce que c'est possible de clean le GPS s'il vous plaît? Bah, je suis sûr, c'est un malentendu. Aller faire un petit. Si vous voulez, ouais, avec ça, toi. Si vous voulez clear, faut faire une petite pause. Scap. Avec les jumelles. C'est parce que tu crois pas, ça, c'est. Bon, putain, mais c'est lequel ton fils là? C'est les deux. Ah, c'est les deux tes fils? Ouais. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Non, je sais pas. Tu fais quoi avec toi, du coup? Avec moi? Oui. Maria? Ouais. Ah voilà. Oh, ça t'apprendra à faire des super et ouais. Voilà. Tape encore, tape encore. Oh. Tape encore, tape encore. Ouais, j'ai mis toute ma force. Il a pas compris, il a pas compris, je pense. J'ai compris. Tu veux le faire? Mais non, ouais, c'est pas mon fils. Oh. Va aider ton frère, toi, tu le regardes souffrir, je vais t'enculer là, allez! Non mais après il a fait une supérette, tu vois, c'est pas... T'as fait la même que lui, connard. Non, moi j'ai fait celle d'avant. Oh mais c'est un malentendu. Quoi? Trop fast. Oh non. Y'en a. Tu veux la même? Go fast. Non, non. Mais c'est là, pris le marteau, s'il te plaît. Radio BCSO pour attends. Besoin de backup, c'était pas beaucoup alors. Hop, ça je récupère. C'est quoi ça, 9? Bah vous vous placez au niveau de la seigneur freeway, vous allez vous checker. T'as pas d'argent toi là? La plaque qui nous est mise à disposition. Et eh ben vous allez rentrer à pied maintenant. Si à l'appartement on a l'argent. Oui oui oui. C'est bon? C'est bon. Vous pouvez pas nous déposer? Non. Oui. Marche. C'est on vous. On prendra à faire des conneries. Il a dit quoi? J'ai pas entendu radio. Y a une mule qui a démarré un go fast. Il veut qu'il y ait une unité qui aille Senior Freeway. Le go fast il est là. Et du coup faut qu'on aille quasiment. Attends, je sais pas si c'est pas moi qui ai mis le point là. C'est moi qui l'ai mis le mettre, pour l'instant, ouais. Et qui, mon frère, t'es là ou pas? Répétez, capitaine. Ça va où ça en général, les GoFast? Tu t'es volé. Généralement, ça va dans le sud vers les docks. Ça dépose la marchandise au dock. On va se mettre là, on va l'attendre. Hein. Il y a des unités, je crois, sur la sortie là, devant le casino. Tu sais que c'est pas en Thaïlande pour rouler à gauche? Ça roule à gauche en Thaïlande? Oui. Ils peuvent pas passer par l'autre autoroute? Par la Balmino, normalement, ici ils peuvent aussi. Bien pris. PCSO pour les Speedy. Le code, on vous reçoit? L'équipe qui est actuellement en route vers le GoFast, je peux avoir vos 10-20 s'il vous plaît? Dame 34, on est juste à côté là, 800 mètres. Copie, je crois qu'ils sont sur la route 68, j'ai vu une mule suivie par deux motos, je pense que c'est lié à ça. C'est quoi route 68? Ah, bah, c'est bah, essayez de les poursuivre et on va recoller. Copie, route 68 direction ouest, du coup. 10-4. C'est quoi route 68?
C'est nord, Sunshore. La route là de... comment ça s'appelle? Ici là. La route 108 hein? À côté de Bollingbourg. Ah ouais. Ouais. De toute façon je pense qu'ils ont pas besoin de nous. Bouger du coup. Ouais. Thaïlande, tu roules droite, gauche ou big? Non, en plus ça roule à droite en Thaïlande, non? Peut-être que je suis fou. Madame 77, on se rend 19 sur le dernier 10-60. 4. 2. Vol de véhicule à armé. Ouais, c'est loin. Ouais, Madame 34 de Savage, je suis en train d'essayer de contrôler la mule au niveau du magasin de vêtements sur la route 68 au croisement avec la Senora Road. T'as besoin de renfort? 4, on est juste à côté, on arrive. On est derrière le magasin. Et voilà, Rolando. 10-4. Besoin de renfort du coup? Affirmatif. Tu as besoin de renfort? Oui, affirmatif. J'arrive. Je t'ai mis le GPS. Oui, Adam 55, on arrive aussi. Voilà, 4 pour un go fast. Adam 55. Dites-moi. On va à la 4 pour un go fast? 4, non. Bah si, il y a l'unité de moi, l'unité d'Orlando. Début 10-38 avec la dame Savage, j'en ai sur deux motards masqués ainsi que deux individus dans la mule. Vous voulez qu'on sorte des maris? 10-5 pour le moment. 10-5, situation sans contrôle. Ah, my bad, my bad. Adam 117, contrôle suite à un flagrant délit. Ils sont au même endroit toujours? Ah, je regarde le GPS. Ils sont là-bas. Ah ouais, ils roulent à gauche en Thaïlande? Comment ça se fait? Ils sont derrière le bâtiment du Binko. T'as combien là? 160. Okay. C'est comment Orlando, ça se passe bien? Jusqu'à situation sous contrôle, oui. Bon, historique, cette pratique remonte à l'époque où la Zélande était un protectorat britannique. Attends, mais sous les yeux, lui. Et attends, on est d'accord? Va, oui, oui, oui. Il y a des individus en pick-up là, ils sont armés. Juste à côté. Mon grand, tu t'arrêtes, dépêche-toi. Tu es armé les motards? Non, non, il y a des bikers et. Et là, il y a un mec en pick-up là qui vient de voler hein, le véhicule. Ok, Discord, c'est vous derrière lui là? Ouais, c'est nous. Bonsoir, monsieur, vous pouvez descendre du véhicule s'il vous plaît? Allez, descends mon grand, tu fais du mal pour rien. Non, attends, je roule doucement pour pas que abîme mon véhicule. Attention à ce collègue en moto, hein. Il y a d'autres motos qui débarquent là sur nous, messieurs. Oh, j'ai pas fait ça au bon moment, hein. Moi, je lâche pas le pick-up, arrête-toi, hein. Mon grand, arrête-toi. Vas-y, c'est pour l'endroit, si vous avez besoin qu'on s'en démarre, oui. Ouais, s'il vous plaît. Trois motos sur nous, là. On est suivi derrière. Pas moto. On est sur la dernière backup, là, dans le nord. Au niveau de la route 68, derrière le magasin de vêtements. Madame 113 en passant du 56 de la Sang King occupé une fois un individu armé qui vient de voler le véhicule sous nos yeux. On aurait besoin d'un 35 sur courage. Non, 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 pas ça. Non, non, pas ça. Non, ils vont me suivre tranquillement. 35, vous avez dit? Ouais, c'est pas un 26. 19, capitaine? Vous avez dit besoin de 10-35? Si, arrêtez-vous! J'arrive. Je sais, c'est les PNJ. Ils vont sûrement essayer de nous péter. Hein. Il y a une voiture derrière là, qui nous suit aussi. Il n'y a qu'un seul chemin où je pourrais vous niquer la police. C'est-à-dire, on est allô, stop city actuellement. Stop city direction ouest. Il y a une moto qui nous suit de loin, Captain, avec une voiture, on va peut-être se faire péter. On arrive, t'inquiète pas.
Ah, comme ça, bon, c'est vrai. Y'a le haut-parleur ou pas? T'es avec Riz? Oui, y'a le haut-parleur. Ok, Riz, si vous faites choper, vous êtes la pire des merdes, d'accord? D'accord, dis-lui d'accord. Il vous a dit d'accord, d'accord. Voilà. Je sais que Riz ne se fera pas choper. Normalement, non. Normalement, non, il a dit. Vous êtes où là? Dans les montagnes. On est dans les montagnes, la Kten. On est en route, hein. Et voilà. Oh, et il voilà. A fait se retourner, il s'est retourné, j'ai 50 bombes, c'est voilà. Fini, Kten. Une backup, ça n'a pas rapidement. Appelle-lui un EMS, hein. 97-34, c'est encore les motos en visuel. Vous allez bien, monsieur? 10-5, elles ont bougé, mais pour le moment, elles sont pas très problématiques. Aïe. Ah oui? Bah oui, hein. C'est ça la route, vous alliez me niquer? Franchement, vous avez un tout-terrain sur une montagne, vous arrivez à vous retourner, vous êtes fort. C'était ça? C'est ça le plan? Je vais descendre. Oui, s'il vous plaît. Les mains en évidence. Et retirez-moi votre masque, là. Suite. Aïe. C'était ça le chemin? Le fameux? Oui, j'ai pas eu le temps de... Allez, les mains contre le pick-up, là, s'il te plaît. Tout de suite. On a encore 3 motos sur la position. Mais quoi, où là? T'as 2 armes sur toi? On est en route. J'ai 2 armes sur moi? Ouais. Se masquer sur l'autre. Oui, j'en ai 2, c'était pour. Vous êtes bien au niveau de la route 38. D'accord. 10-4 sur la dernière backup. Je vais te les prendre, mon vieux. Pour faire des photos, putain. Est-ce que vous pouvez appeler des EMS, s'il vous plaît? Bien sûr. Tu peux appeler. C'est le BCMD là, on est dans le nord. Ouais, bah appelle le BCMD. Junior Yuri. Copie pour Adam 27. Je sens pas très bien ça qui tourne. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Tango 10, 19 vers le dernier. C'était Yuri Junior? Réécrivez-moi. Vous avez pas été content pour la tenue, hein, Riz. Quoi? Elle est bien ma tenue. C'est bon. C'est bien. Il avait quelque chose sur lui ou pas? Il y avait 2 Glock. Oh, c'est pour ça que vous avez pris la fuite, monsieur. Non, pas spécialement. C'est bon, les mecs. Mais là, je suis trop codilaté là, je vous appelle de. Comme je vous dis souvent. Ah oui, j'ai sûr. Oui. Non, si vous voyez qu'il y a 1000 personnes avant vous qui l'ont écrit. Non, assistant en personne. Si direct, c'est bon. Merci. Vous avez 2 Glock, une boîte de munitions et 2 chargeurs. Ah oui. Ouais. Il était tout seul parce que je veux qu'il ben ouais, non, il y avait des motos avec lui, mais bon. Ça va bien, monsieur, pas on peut discuter un petit peu? Non, attendez, je vais sinon, on va poste. Hein. Il a fait des tonneaux quand même. Hein. Ah oui, ok. Après, il était pas à 180, mais bon. Asseyez-vous, monsieur, alors. Je raccroche, s'il te plaît, je m'arrête pas à raccrocher, s'il te plaît. Oui, je m'assois. Un coup de fil. Comment vous appelez, monsieur? D'accord. Monsieur. Vous avez quel âge, monsieur? D'accord. Vous m'entendez pas? Bah si. Ah désolé, excusez-moi. Oui, vous m'entendez pas? Si. Là. En fait, on marcelle et je peux... Non, c'est le capitaine, c'est un connard. Ah, mettez le mode avion. Ce sont des motocross. Aïe! Quoi? Je suis pas un connard, excusez-vous. Et vous m'avez demandé de pas me faire kidnapper, je me suis pas fait kidnapper, capitaine, j'ai réussi ma tâche. Bah c'est pour ça, j'ai dit. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous savez pas où. C'est très bien, c'est très bien que je me fais pas kidnapper. Je vais essayer de rentrer dans mon cœur d'Abyssilon, monsieur. Pardon? Laissez tomber. Je l'ai pas. Bah non, personne nous. Oui. Alors on va aller faire un tour au phare, toi et moi. Qui? Ah, vous l'avez pas non plus, capitaine? Bah si. Si, vous l'avez? Bah je sais qui c'est que vous avez fumé là-bas, hein. Oui. Vous avez fumé quelqu'un? Ouais. Non, il parle de... Non, il a fumé une clope. Non, j'ai fumé quelqu'un. Enfin, quoi? Oui. Les EMS, s'il vous plaît. Bizarre, ils vont pas se téléporter d'un coup comme ça dans un club Wando, chef. Y'a de la route à faire. Ah là là. C'est une très bonne course poursuite en tout cas, je me suis bien amusé. Deux... Oh bah deux elle était courte. Glock. Oui, 2 Glock. 2 Glock, une boîte de munitions, 2 chargeurs. Je ne crois pas. Hein. C'est pas intelligent de voler des voitures en face. Bunker juste à côté. Hein. De quoi? On appelle ça le timing. Le bunker est bizarrement juste à côté. Hein. Bah oui, mais je dis. Il est où d'ailleurs? Imaginez. Il est dans la droite, gauche. T'as pas écœur, monsieur, hein? Oh, moi qui lag, je me suis retourné. Hein, j'ai pas compris. Vous avez vu pourquoi je me suis retourné? Bah non. Parce que vous savez pas conduire? D'habitude, si. Hein. Non, mais capitaine, en plus, c'est un cloud. Hein. Je vous assure, c'est un cloud parce qu'il me disait
je vais te ramener sur une route, tu vas voir son débordé. Ils sont débordés, le SMD, ils vont pas venir. Il a fait 200 mètres, il s'est retourné, capitaine. Ah bah, on va l'emmener à l'hôpital, on va vous accompagner. Ouais, bon, on va l'amener. Vous avez poussé, non ? Non, vous avez pas poussé. Tournez-vous. Je crois que je vous ai pas tout poussé. Non. Regardez l'arrière du camion, il est tout abîmé là. Ah, vous entendez, j'adore. Oui, allez. Allez, on y va. J'ai un petit problème. Quoi ? Non, je sais pas, je sais pas ça, j'ai un problème. 0 à 34, les... Vous l'avez pas frappé, Riz ? Non, je l'ai pas frappé, capitaine, vous croyez que je suis quoi ? Monsieur, pourquoi vous plaignez alors ? Ouais, je suis un ripou ? Bah non. Bah non. Bon, je le ramène au BCMD ? C'est à Paléto ? Oui, non, c'est à Saint-Michel. Et ensuite, si vous donnez des infos, s'il crache le morceau, bah. À propos de quoi ? Minimal quoi. Bah, des glocks, savoir où ils ont eu, etc. Vous voulez pas patrouiller avec nous, capitaine ? Ça fait longtemps, ça pas fait une patrouille. Radio, s'il vous plaît. Après, si vous voulez. Allez. On se rejoint à Sandy, capitaine. Hein ? On se rejoint à Sandy. Toujours sur la poursuite ou pas, du gros 4x4 là ? J'ai annoncé que. Non, c'est bon, on l'a eu. Ok, 10-4. Et vous, c'est. Ils écoutent jamais en radio. Et vous, c'est comment là-bas ? Bah, on est en train de saisir l'argent là, Nathan. Tout se passe bien pour. Grosso modo, sur l'individu, on a saisi deux pistolets avec une boîte de mine. Tu faisais quoi avec deux Glock ? Des photos, tu m'as dit ? Ouais, c'est pour. Je voulais faire une photo pour me rappeler un truc que j'aime bien. C'est quoi que t'aimes bien ? Black Ops. La couverture. Black Ops ? Ouais, je crois que c'est ça. Call of Duty ? Oui, oui, c'est ça. Ah oui, non, ah, mais c'est pas Black Ops. C'est un Glock qui s'appelle Black Ops. Oui, mais c'est pas Black Ops, il en a Kimbo, non ? Si, si, je crois. Dans. Mais non ! C'est le petit Ghost. Mais non, c'est Modern Warfare 1, non ? Non, c'est Ghost. Si ? Ouais. Après, Black Ops 2 aussi, je l'ai. Non, Modern Warfare 1, mais il a le casque comme ça ? Peut-être qu'il y en a eu deux alors. Comme ça, ok. Tu les connaissais les amis là qui. Avec la mule ? Adam Van Zandt. Arrête de mentir, arrête. Bien sûr que tu les connais, vous êtes tous habillés pareil. Vous aviez le même cuir, bah oui. Ah, c'est des amis. Pardon, de, monsieur. On vous enverra des fleurs, monsieur, vous inquiétez pas. C'est des amis de club, on fait de la moto ensemble. On fait de la moto ensemble. Tu les connais, après, je les connais pas. Super. Ok, donc je récap, attends, je fais un petit récap, d'accord ? Je fais un petit récap. Donc. Fais un petit récap. Il y avait. Est-ce que tu veux que je te fasse le jingle ? Non, non, attends. Il y avait. Donc, il y avait. Des mecs avec le même cuir que toi qui est en train de faire un go fast à 100 mètres de toi. Ces mecs étaient armés et toi à 100 mètres d'eux t'étais armé et t'as volé un pick-up avec deux autres mecs qui avaient le même cuir que toi. Mais tu les connais pas, c'est ça hein. Coïncidence. D'accord. Coïncidence. Le timing hein. Ouais, pas de chance. C'est ça, c'est le timing. Aucune luck. Je me sens pas du tout là, bien là quand même là. On te ramène, on y va. Pourquoi tu l'avais volé ce pick-up ? Parce que ma moto avait lâché et je me suis dit. Attends, voulu un véhicule. C'est où l'hôpital maintenant ? C'est plus ici. Ah, mais c'est un Paléto. Oui, il est à Paléto, putain, mais. Putain. Les racistes ! Y a pas d'hôpital ici, on est d'accord ? Y a pas d'hôpital, les incendies ? C'est si, y a un hôpital, mais c'est à Paléto. Oui, donc il n'y a pas d'hôpital à Sandy. Non, pas Sandy, mais à Blaine County. Vous êtes raciste ? Non, je suis pas raciste. Mais bien sûr qu'ils sont racistes. Mais on est c'est pas la BCSO. Raciste. Si, c'est des racistes. Évidemment. Et vous êtes aussi la BCSO du coup ? Non, non. Déjà, c'est pas le BCSO, c'est le PSO. D'accord ? Le ? Le PSO. Le PSO ? Oui. Mais non, nous on n'est pas du PSO, nous. On n'est pas du PSO du tout, nous. Vous êtes de quoi ? Bah, SPD. Je suis SPD, monsieur. Vous avez du code 4 sur le GoFast. Je retourne sur la radio BCSO. Bon courage à tous. Merci, Savage, bon courage. On est des vrais, on est des bikers. On est des vrais flics, nous. Des vrais ? Ah oui. Pourquoi il y en a des faux ? Ah oui, le PSO. Donc c'est quoi la différence entre vous et le PSO ? Bah eux, c'est juste des gros racistes. Actuellement sur la signal freeway direction l'hôpital du Nord Paléto. Mais en parlant de Black Ops, Vous n'êtes pas du tout raciste. Petite piqûre de rappel. Non. Prouvez-le-moi. Mais
qu'est-ce qu'on a trouvé à toi là? La série Modern Warfare. Que vous êtes raciste. Anne Hill. La série Black Ops. Voilà, je le dis. Attends. Ça fait toujours du bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je préfère le redire au cas où il y en a qui l'auraient oublié ou quoi. Du coup, vous me prouvez pas que vous êtes pas raciste du coup? Non, mais on est pas raciste. Bah, prouvez-le moi. Comment voulez-vous que je prouve que je suis pas raciste? Comment je veux que je lève le poing en l'air? Je suis pas raciste, c'est. Ouais. Je croise les bras? Oui. Je compte baffe? Non, ça, si vous me baffez, ça vous prouve que vous êtes raciste. Ah non, c'est un signe d'infection. Je vais partir en prison. Ah, je parle du multi. Hein, messieurs? Moi? Est-ce que moi je vais partir en prison? En vrai, je pense pas. Pourquoi? Okay. Tu voulais y aller? Non, j'aime pas. Non, je pense pas que tu vas y aller. Tu sais que là, les chefs d'inculpation, je te les cite. Offre de tempérer, dégradation de biens publics, mise en danger de la vie d'autrui. Non. Possession d'armes à feu légère sans PPA x2. Deux fois. Pas x2, j'ai dit x2. J'ai dégradé quoi? Et vol de véhicules à main armée. Oui, mais j'ai dégradé quoi? Le caillou que vous avez touché là, au niveau de la montagne. Il est fissuré maintenant, c'est plus le même. Ça va plus jamais être le même. Non, oui, il a rien dégradé. Hein. Bah si, rappelle-toi quand il a cassé les trucs. Oui, un caillou, ça compte pas un caillou. J'ai repris dans le nord, on s'en fout. Ah, sortez, monsieur. Ouais, tu descends. Aïe. Ah, vas-y, je te. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Bonjour, madame. Ils m'ont frappé. Bonsoir. Vous allez bien? Bah, très bien, et vous? Oui, tout va bien? Oui. D'accord, parce que je vous vois planté là, comme. Droite comme un piqué, je me suis dit, est-ce que vous avez un souci? Non, j'attends juste mes collègues qui arrivent. Ah oui, vous bossez ici? Et vous êtes? Non, je travaille à la mairie. Ah, d'accord. Ouais, Lucia Botticelli, adjointe au maire du Nord. Chanté, Riz Chrono 113. Non, chanté. Bon ben, bonne journée, madame. Il est nul, son micro. Bonjour, monsieur, dame. Il y a un de mes collègues là qui arrive avec un individu, non? Bonsoir, oui. Ok, ça marche, merci. Oui, pardon, excusez-moi. Y'a pas de soucis. Y a un de mes collègues qui est arrivé avec un individu, non? Bah ouais, ils sont peut-être passés par là, je crois. C'est qui votre collègue? Une tête de trou de balle. C'est lui? Oui, voilà, c'est lui. Bah voilà, parfait. Je sors qu'elle était trou de balle. Vous frappez, regardez. Est-ce que vous avez mal au niveau de vos côtes aussi, là? Non, c'est plus là, le front. Le front? Oui. Que le front. Il faut acharner sur moi. Ok, bon, déjà, ce que je vais faire, c'est un peu je vous désinfecter, parce que je vois que vous avez un peu de cailloux. Mais j'en ai barre, The Bee, j'en ai barre. Vous avez frappé avec quoi, du gravier? Non, ils m'ont pris ma tête, ils m'ont cogné contre le sol. Oh, c'est faux. Au niveau du sable. Ouais, il a fait un tonneau, ce trou de balle, il conduisait, il a fait un tonneau. J'imagine. Hop là, ça résume un peu. Est-ce que je peux avoir de l'intimité, s'il vous plaît? L'intimité quoi? Pour ça, je vous désinfecte le front, c'est pas vraiment... Tout le monde regarde. Bon bah, si vous pouvez vous tourner monsieur. Oui, merci. Je suis dedans. Hop, un petit coup de pommade. C'est quand on avait un contre B-Boy, histoire que je lui montre, c'est qu'il est pas trop. Mais frérot, vous voyez pas, il a chaud, il esquive à chaque fois. Justement, vous l'avez remarqué qu'il esquivait. Vous savez, hein. Hop, j'ai un petit peu là. Voilà. Ça doit faire un petit peu de bien. Ouais, ça me fait du bien là. Est-ce qu'il en faut encore un peu plus ou c'est tout bon? Non, c'est parfait. Ok, très bien. Pourquoi je lui dis poteau? Bah c'est. Tu dis on installe? On installe Call of, ça donne toi et moi. Que mal au front, mais logiquement quand vous faites des tonneaux avec un véhicule, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais j'avais ma ceinture de sécurité. Bah, c'est pour ça du coup je vous demande si vous avez mal quand je vous touche ici quoi. Non, pas spécialement. Ok, mais les bras non plus, vous avez pas de douleur pour l'instant. Je suis musclé. Du coup j'ai bien compris. Je vois ça. Suivez-moi. N'hésitez pas à me suivre si vous souhaitez. Je sous-estime B-Boy, non mais je sous-estime pas les gars. En fait c'est pas lui que je sous-estime hein. Voilà tout. Et moi je le sais que je suis trop fort à Call of. Et je prends mes viewers les plus fidèles à témoin.
Parce qu'on avait relancé Call of là, qu'on faisait des customs. Avec Saitake et Koba et tout. Même vous étiez choqué, c'est... Wesh, il sait faire ça lui. AVR Rust, FW2, 100 euros si je perds. Oh. Rien à péter. Soirée zombie, on l'a déjà fait la soirée zombie. Mais on était trop, j'étais trop avec des clowns, je pouvais rien y faire. Oh, si jamais le BCSO est en convoi en direction de Meriwether, donc vous inquiétez pas s'il y a des backups ou des tirs. C'est eux. Scouté, capitaine, t'es bien prié. Et alors on les laisse gérer et si ils ont besoin, nous appellerons. Tu veux qu'on le dépose après en cellule, lui, là ? Brisé. Attends. Bah ouais, non ? Il faut, non ? Bien sûr qu'il faut. Bah ouais, on va faire ça, hein. Moi je patrouille avec capitaine frère. Bonsoir monsieur les agents de police. Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Tout va bien? Personne n'est blessé j'espère? Ça va super, nous non. Tu vas les gagner. Très bien. Oui capitaine. Oui. Oui vous êtes où? Et vous donc? Bah je suis dans le sud. Mais vous êtes vraiment qu'un sale connard de merde hein. Vous quoi? Mais vous m'avez dit on se rejoint à l'hôpital. Mais vous m'avez dit on se rejoint à l'hôpital. J'ai dit ça moi? Mais oui. Attaqué. Il y a eu quelque chose dans le sud, j'ai dû y aller en urgence. En fait capitaine, santé non c'est un bon. Mais moi j'aime bien patrouiller avec vous, moi. Eh ben, si tu veux, dès que t'es dans le sud, tu me dis. Ben vas-y, c'est bon. Ok. Allez, vendu. Ok, ben super. De toute façon, là, je vais déposer l'autre là au PDP et on se retrouve là-bas, c'est bon? Vendu, ça marche, j'arrive au poste. Super. Non, ça c'est quand même là pour le moment. Après, bon, c'est parce que y a tout le moment. C'est pas bien, mais non, mais attends, mais c'est pas méchant contre lui directement. J'aime trop patrouiller avec le capitaine. Il va rester avec nous, 71, mais je prends le capitaine avec nous, quoi. Oh, vous aimez trop me faire passer pour le méchant tout le temps, frère. Va mieux? Ah non, c'est pas toi, t'es pas mon individu, toi. Il est où le monsieur avec les dreads blanches, là? Les tresses. Ah, Jayden, là, pour... Ah, pour le collègue, là, qui s'occupe de l'application pour le flic, là. Il est où? Bon, il est pas là. Attendez. Ouais. Il s'est tiré ou quoi? Bordel, il est où? Bon, il est là. Je suis sous pied. Attendez là, peut-être. Ouais. Ok, bah ça peut venir de là. Alors, bah, en fait, il y a une sorte devant. De kiss qui s'est formé. Alors, il n'est pas encore bien réglé. Je culpabilise vite de les écouter pas. Ok, merci Nils. Merci Nils, ma soeur. J'ai besoin d'un coup de main. Moi, je pourrais dire, bien hydrater votre peau. Toi, t'es gentil, Nils, t'es pas comme eux. Très bien pris. Et surtout, ne pas le toucher. Le toucher, c'est la chose à ne surtout pas faire. C'est comme ça qu'il grossit. Et qu'après, ça peut développer des cancers. Donc là, je vais vous prescrire de la pommade. Mettre un petit peu de glace parce que. Ça doit être des sommations, à mon avis. De... En fait, On va aller checker Adam 34. Mais... Adam 03 également. 10-22 sur les derniers chasseurs au niveau de Wardon. 10-4. Ça marche. Ah non, alors à ce moment-là, pas besoin de certificat. Vous faites directement un procès, pas du tout, une plainte. Et du coup, moi, je déposerai un brevet pour procéder dans un petit peu. Vous voulez un peu d'eau? Ah, attendez, je dois voir ça. Alors, j'ai un virgin. Mais elle tire pas, bah c'est eux, frère. Vous avez vu ce qu'elle a fait? C'est gratos. Elle a fait un rond de fumée. Vous donner un peu de pommade. Hop, à appliquer ce soir. Mettre de la glace aussi. Alors après, apparemment, ils veulent vous récupérer. Je dirais, elle est bloquée. Ce que vous faites, c'est que vous leur dites directement qu'ils vous fournissent de la glace à mettre sur votre front. Ah oui, il y a plein de liquide dedans. Alors,
Où sont... Ah, wow, vous m'avez fait peur. Oui, excusez-moi. Du coup, il a pas de... de truc grave, juste il a un kyste qui est en train de se former au niveau de son front. Donc ouais. À traiter, mais c'est lui qui s'en occupera. Juste, apparemment, vous comptez le récupérer et l'amener au poste, si j'ai bien compris. Oui, oui. Donner une poche de glace qui puisse mettre sur son front. Ouais, bah donner lui sur une. Ça... Je voulais que ça d'où, hein. Ah ben, bah chez vous, au poste. Parce que si je le donne maintenant, ça va fondre entre temps, ça va plus rien. Hein. C'est bien ça, mais oui. Faut pas qu'il la mette sur la route ? Non. Bah, en fait, au poste. De ce que j'ai compris, vous faites des tonneaux, donc j'aimerais pas trop. Qui que... vous ? Mais non, c'est lui qui fait des tonneaux, c'est pas moi ? Ah bah, je sais pas. Si vous voulez, je peux lui en donner, mais il faudra sûrement donner une là-bas, hein. Ça aura fondu d'ici là, avec les chaleurs d'accord. Qu'il fait. Il va m'en donner, je vous assure, il va m'en donner. Ça oui, je vais lui en donner. Je pense qu'ils ont donner. Des glaçons au poste. Hein. Oui. On trouvera ça au pire un, jamais, hein. Un steak. Ouais, voilà. Ouais, une canette fraîche. Parce que j'imagine que votre whisky, vous ne buvez pas sans glaçon. Ah, je bois pas de whisky. Hein. Ah, ok, bon, bah, très bien, vous êtes bien le seul. Hein. Non, moi je suis sous vodka. Adam 03 19 h les derniers 60 à aéroport. Attends, il boit Riz ou pas, je me rappelle plus. Il y a un col comme un autre, plus fort, mais. Moi je bois pas, ça sert à rien. De toute façon, faudra pas boire là, monsieur, avec ce qui vous arrive. Vraiment pas. Ça, madame. Je suis des gens. Vraiment. Vous voyez la posture ? Cet homme veut vous draguer, madame. Quoi ? Vous voyez la posture ? Vous voyez dans quelle posture il s'est mis ? Ouais, bah bon courage. Ça, c'est le bossure de drague, ça, madame. Mais l'écoutez pas. Arrêtez quand même. Monsieur l'agent, de vous déranger. Je vais tirer les cheveux après, tu vas pas aimer ça. Hein, quoi ? Je vais vous expliquer ce qui est du coup arrivé au monsieur là. Ouais. C'est par là-bas la voiture. J'ai cru qu'il était derrière, excusez-moi. Oui, y'a pas de problème. C'est le choc à la tête, ça a dû te faire oublier, oui, je pense. C'est ça, le capitaine, le BSSO, vous êtes toujours sur fréquence. Du coup, j'explique. En gros, donc il y a rien de grave, juste un kiss qui se formait et lui mettre une poche de glace en arrivant au poste. Okay. Faites passer le coup le BSSO qu'on est pris actuellement en otage pour le convoi et pour venir sur la bac. S'il vous plaît. Ah ouais, il boit pas, il fume pas ? 9-2 ouais, pour le convoi, si jamais. Il peut rien faire. Je vais le faire pire, je crois. Y a-t-il besoin d'une unité pour y aller ? On est dessus nous déjà, Adam 34, mais ils sont trop nombreux donc on a besoin de main. Où ça ? Adam 14, on arrive. T'as besoin de fusil de foule hein ? Besoin de renfort encore supplémentaire ou pas, Orlando ? 10-4. Où ça ? Capitaine pris en otage au niveau d'El Bourro, 5 hommes armés, wow. Vêtus de noir. Waouh, ok, on arrive, on est dans le nord. On va déjà participer à une petite intervention, mon vieux là, Yuri. Ok. Il est soit à l'intervention. T'as dit quoi ? C'est quoi l'intervention ? Y'a un capitaine qui se prend en otage à El Bourro. Oh, triste. Du coup, vous pouvez me relâcher là au pire des cas ? Non. Ouais, au pire, hein. Vas-y, saute. Comment ? Vas-y, saute. Non, ça va me faire trop mal. Bon, ben reste. Franchement, t'aurais quoi aller. Des brûlures bah, sur du béton, oui. Ouais, mais c'est quoi des brûlures en vrai de vrai ? Mais oui, fubrise ! Mais bien sûr qu'il fubrise ! Ouais, mais tu vas te casser peut-être une jambe. Non, parce que j'ai pas de t-shirt. Ah oui, vous êtes des fous quoi. Si j'aurais une protection de moto, pourquoi pas et encore. Mais en vrai de vrai. 10-10-3. Oui. Si ça peut t'empêcher de continuer tes conneries et te ranger dans le droit chemin, tu sois. C'est pas de conneries, j'ai voulu faire une photo. Allez, du coup, messieurs dames, j'aurais besoin d'une unité, je coupe dans la backup d'Orlando. Affi, Adam 13, on arrive, on est sur la route. Affi, Adam 14, on est sur place. Tu mets le point GP sur la backup. Aïe. Enculé, mais putain, mais pourquoi ils mettent pas leur clignotant de merde, sérieux? J'en ai marre. Merci. Elle a encore connu à l'hôpital. Donne-lui une canette. Ta gueule, toi. Donne-lui une canette à celui-là, là. Je vais lui donner une. J'en peux plus. Je vais lui donner une quoi? Une canette. Oui, une canette, rends pas fou. Je passe derrière, là, hop. Aïe, attends, pousse-toi. Ah, c'est bon. Mets ça sur sa tête, là. Elle est chaude, la canette, là. Et bon, on a que ça. Faire des petits ronds avec la canette, s'il vous plaît. Tiens. Doucement. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je vais tenir la canette tout seul, merci beaucoup. Voilà, arrête de nous faire chier maintenant. Ça devient MS, les gars, j'ai peur pour un MS, hein. Je vous parle sérieux, hein. Je suis inquiet. Non, mais tu le vois danger, non, hein. Mais attends, mais t'as vu ce qu'il a fait la voiture devant ou pas? C'est les gyros. En fait, vous êtes venu sur la gauche, après vous êtes venu sur la droite. Ah oui, mais lui aussi il a fait ça.
Ça fait combien de temps que vous êtes chez la police? Ça fait... Ça fait 10 ans. On dit chez ou on dit à la police? À la police. Ah! Dans la police. Dans la police, non? Dans la police. Attends, Risto, tu dis... Tu vas chez le coiffeur ou au coiffeur? Ah, chez le coiffeur. Attention à ce coiffeur. Que tu dis. Ah, ouais. Ah ouais? Et vous, l'autre monsieur? 10 ans et quoi d'autre? Moi, ça fait 5 mois. Ah, vous êtes un nouveau? Ouais, c'est un petit. Un petit. Je suis un petit, moi, je suis un petit. Attends, mais attends. Ah, dans la police, tu parles ou dans le poste? Quoi qu'il arrive, t'es un petit. Bah non, du coup. Bah si. Non, ça fait 3 ans que je suis flic et ça fait 5 mois que je suis à Michel Noir. Vous avez été muté? Ouais. En tant que rookie? Oui. Vous étiez quoi avant? Avant où? Dans mon ancien poste? Bah oui. J'étais sergent. Donc sergent en rookie, vraiment? Oui. C'est possible ça? Oui, c'est possible, oui. Vous êtes vraiment nul, hein? Oui. Oh ta gueule. Pourquoi ça parle pas radio? Bien en radio là, je vois que ça parle plus. Je me fais tirer dessus. SNF 10-3, retour radio. Ça va bien. Salut. Tango 10, tout va bien. Oh. Vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire là, en prenant notre attention? Non, mais ils sont devant juste en droite. Tu restes dans la voiture, toi, hein. Je vais faire ma clé du véhicule. Vous reculez, monsieur, vous reculez. On savait pas que c'était le capitaine qu'on a pris en otage, hein, d'accord? Et bah maintenant vous allez le savoir. Du coup, l'erreur a été faite. Ouais, l'erreur a été faite. Après, on peut appeler ça une erreur ou pas. Bon alors, c'est vous qui voyez. Écoutez, du coup, qu'est-ce que vous transportez? C'est un cargo bob, là. Un cargo bob qui vient d'arriver sur les lieux. Code 4, code 4. C'est actuellement qui est détruit, mais du coup, on récupère les fusils pour pouvoir négocier. La vie du capitaine, c'était 200. 10-4. Capitaine, je vous avais dit, il fallait partir avec moi! De quoi? Je vous avais dit qu'il fallait partir avec moi! Bonne soirée, stay safe. Toi, tu te fais baiser toi. Partir avec toi. Non mais c'est vrai, je lui ai dit, venez partir avec moi. Non mais t'as tenu. 69 s'il vous plaît. Il va te détruire. Non, il m'a dit c'est bon. Ah ouais? Mais j'ai rien changé moi. Qui? J'ai changé le pantalon. C'est bon. Y'a pas de soucis, prenez votre... Tu m'as mal, je vais mettre ce pantalon, il est trop beau. What the fuck? C'est rien, vous en faites pas. C'est juste un commando d'armée avec 15 hommes surarmés qui vont vous tuer. Voilà, c'est chill. Non mais si MMS... Il s'est parce fait bloquer on m'appelait Orlando. Pour la journée d'appel en Algérie, enfin la journée d'appel. Moi, te connais dans cette putain de ville, mon vieil. Non, ce n'est pas vrai. Les 10 années d'appel en Algérie, je pleure de rire par contre. J'ai actuellement 4 abonnés sur Insta, donc me dites pas que tout le monde me connaît, j'ai aucun buzz. C'est fini. La famille de Buzz, bitch, I like this. On a affaire à des rigolos, hein, je vous le dis, moi. Ça va. Bon, y'a quoi dans ce. C'est combien de temps en plus ça? Je sais pas, 20 ans. Quelque chose comme ça. Wow. La félone, c'est celle qui était sur la boîte. Tango 10-19, le dernier 10-60, Eclipse Boulevard, pardon. Tranquille. 4. Ça va. Ça raconte quoi depuis ce temps? Bah rien de spécial, hein, et toi? Ah, 10-4, ouais. Le boulot. Moi, je viens de reprendre, là. C'est qui négocie là? C'est Flint qui négocie. Ah, c'est bon, je m'en occupe. 72, tu les avais dit. Non. C'est Flint BCSO. Ah, c'est le BCSO? Oui. D'accord. Fiafi. C'est lequel du coup? Vous avez de la chance. Le terrain, c'est Harper. Ok, du coup, on en est où? C'est du BCSO. C'est bon, moi je dis plus. Dans cette ville, le produit se trouve de se placer pour nous. Ok, super. Ah, vous avez le capitaine, trou de balle. Vous pouvez crier, négociateur, j'aime bien entendre les négociations. Moi. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Du calme avec ton arme là. Eh, il lève son arme sur moi là, il me braque. Il essaie de me braquer. Si tu me braques, je te contre-braque. Il essaie de me braquer. Alors, baisse ton arme là si tu veux pas qu'on leur fasse du mal. Toi, baisse ton arme. Baisse ton arme, on baisse nos armes, ça va? Si je baisse mon arme, tu baisses ton arme, t'as compris? Voilà.
Moi aussi je peux faire un Ok, du coup pour toutes les unités du BCSO ainsi que l'SPJ, je veux aucune arme lourde de sortie. Aucune arme lourde. Oh et quoi? With the... Oh bah bah mais il est fou. Non non, j'allume ma torche. Attends, c'est normal que t'as un... Que t'as un chien là, y'a ta voiture là qui attend. C'est pas ma... Non, c'est pas ma voiture ça. Non mais là-bas. Oui, oui, c'est... oui. Attends mais qu'est-ce qu'il fait pour voir l'arrière de la voiture? Bah je devais le ramener au PDP en fait. Tu veux pas le libérer? Ouais. Oh. Ouais, je vais le libérer. Ah, tu préfères l'emmener au poste et faire les procédures ou le libérer? Non, je vais... Il a fait quoi? Port d'armes. Non, c'est même pas vrai. C'est bon, on descend, je lui mettrai une amende. Je lui mettrai une amende. Descends. L'unité de Patrice, vous partirez du coup sur la Sultane, accompagnée... C'est combien l'amende pour port d'armes? Je crois que c'est 200, je crois. Bah, il faut que je fasse les calculs de peine, etc. Je sais pas trop. Accompagnée de l'unité de 09. Tu l'as déjà retiré son arme? Moi, je m'occupe de la félone, c'est ça? Attends. Voilà, t'es en lead sur la félone et t'en as mis combien là pour tes... Attends, il m'a mis 6000, quoi? Pas quoi? 6000$, mais oui, il avait quelqu'un d'autre, lui, non? Non, c'est trop? Bah, un peu, quand même. Ah ouais? Mais il avait deux armes, il avait deux Glock, hein. Ah, deux Glock? Oui, non, on peut faire quelque chose. Il monte avec nous dans la poursuite, lui, là? Non, il avait. Il avait deux Glock! Vinewood. 6000! Deux Glock! C'est quoi? Une semaine de travail non-stop. Bah, vous allez vendre 260 coke, c'est réglé, allez, moi sur le au revoir, monsieur. Vous avez pas de peine de prison, c'est pour ça que j'ai gonflé un petit peu l'amende. Oui, bah oui, 6000. Ouais. 4 pour 37, on s'est posé sur l'un des silos à côté. Non, on est avec qui, avec la Sultane? C'est capté. Ah, c'est qui avec nous? On profite pour prendre des photos. Tu veux que je conduise, Riz? Mais jamais de ta vie tu touches à mon volant, toi. Jamais de ta vie. Quoi? Mais jamais de ta vie. Mais toi, tu me connais pas, toi, en fait. Je suis le pilotero, toi, t'es un fou, toi, quoi. Mais toi, tu sais pas qui je suis, hein. Non, c'est grave de me dire ça à moi. Ouais, mais non, mais toi t'es un fou, toi. Quoi? Mais je suis le pilotero. Non, mais tu sais que c'est très grave ce que tu dis. Ils ont demandé le capitaine, ils ont demandé de saisir. Je peux pas faire plus, je fais maximum. Ok. Par contre, la félone, on va pas la tenir avec ça. Par contre, j'avoue que le. Bah, la Sultane, surtout. Ouais, la Sultane. Mais attends. Parce que. Moi, je vous le dis, voilà, O2. J'espère que ça te dérange pas, hein. Eh, je la connais cette félone, les collègues. Je l'ai contrôlée hier. C'est dans le ticket, hein. C'est quoi, c'est qui le troisième otage, s'il vous plaît, les agents? Est-ce qu'on peut leur donner la Sultane? Oui, la Sultane, je la connais celle-là, je la connais. Écoutez-moi, moi, je me rappelle plus. Vous négociez pas avec. Je me rappelle plus, c'était qui de passer les mecs. Il a un signifiant pour moi. Oui, c'est ça, oui. Table de mètre, juste du coup les 80 pochons, ça vous va? Ouais, ça me va, ouais. C'est comme ça. Vous avez 3 agents. Je vous enverrai 2 agents. Et le dernier, vous savez très bien, on va négocier la fuite, hein. Ouais, ok, d'accord. La fuite. D'un côté ou de l'autre. Allez, on attend tranquillement. Pour tous les véhicules qui ont été nommés pour les poursuites, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez le plan d'essence. Non, parce que j'ai dit que je l'avais déjà contrôlé hier, la Sultane, et du coup, je connais les propriétaires. Oui, Maurice, ta bouffe, on a compris, ça y est. Bon, on mettra un mandat d'arrêt sur eux, hein, et vous saurez 8 c'est qui. Pour, okay, s'il te plaît. Allez, on s'en fout, c'est une mec des voitures volées. Mais oui. Aucune idée, ça mère. Moi de la plage, j'arrive. Pas sûr, Mathieu. Clint. Dis-moi. Viens voir. Rappel du coup du dispatch pour les poursuites. Patrice, accompagné du coup de l'unité de 09, vous serez sur la Sultane. Okay. L'unité de 71 et Riz, vous serez sur la Pélone accompagné de l'unité de 02. Ça va les capitaines? Bah ça va, oui, écoutez. Ne vous inquiétez pas capitaine, c'est des clowns. T'as 4 à pochon. Ah, faut les choper, hein. Ah, vous le savez capitaine, vous le savez. Du coup, la Pélone, il y aura Riz. Super. Et, ça, vous allez voir un coup de... Riz, bon, moi j'ai 3 poulets avec, oui, ça. Tu peux mettre ta voiture s'il te plaît? Pourquoi? Pour la poursuite. Attends, ils sont pas partis encore. On partira pas trop longtemps. Je répète une dernière fois, unité de Riz, unité de 7-7 derrière la Félone, unité de Patrice et unité d'Orlando derrière la Sultane. Au pire que ça, je les ai déjà vus, donc je connais leur roi, donc tu sais c'est qui. Bah oui, c'est... Bah ouais. Masterclass Kirito. Non. Ouais, j'ai glissé. Oui. Qui part pas trop vite. Oui, je sais, merci. Bah oui, oh. C'est quoi? J'appelle Sacha. Okay, non, je joue Sacha. Je les appelle, je leur dis ouais, vous faites quoi? Ils vont me dire ouais, on est en train de kidnapper le capitaine.
je repasse sur Riz. $76. Et je dis ouais, je sais que c'est vous parce que vous l'avez dit à Sacha. Non, j'appelle Sacha. Et je le pouca à Riz. Masterclass. Oui. Ok, c'est un peu mieux. Je nous ai mis la voiture là-bas après partir. Où? Là, dans face de moi, face de moi. Celle-là? Ouais. Derrière les trucs. Ah, derrière, ok. Celle-là, là. Ok. Adam 0319 vers les derniers 660, Weinmouth. C'est capté, poursuivre. 600 mètres. Bon, ça a été mis sur un... Capitaine, on voulait qu'on fasse un tir synchro. De quoi? Vous voulez qu'on fasse un tir synchro? Non, on va les attraper en poursuite, ne vous inquiétez pas, on a des bons pilotes. On peut le faire un tir synchro aussi si vous voulez. Monsieur, arrête pas de parler là. Ouais, on a des bons tireurs aussi, on peut faire un tir synchro. N'écoutez pas derrière. Pas de tir synchro, hein. Il dira pas tir synchro, il rock. Ok, ok, ok. Vous négociez pas avec eux. Ok, bah, faisais mal aux yeux. Moi actuellement avec du coup tout le matériel. Ce qu'on va faire, on va prendre ces deux là, on va vous rendre le capitaine en dernier, hein, c'est plus important. Oui, bah j'imagine bien. Les gars, y'en a un qui vient avec moi, s'il vous plaît, prendre les trucs. Et parce que c'est lourd, hein. Bah oui, je mets deux. Oui, 09, ça. Allez, vas-y. Ouais, je l'ai. Viens, monte. Approchez l'otage. Oui, 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 allez, prenez les deux. On passe sur une autre radio pour les poursuites. Je ne laisse pas. Déjà ça. Allez-y, parfait, reculé, nickel. Allez, venez par là, les jeunes. Venez, venez, venez. Nous, on est sur la sultane. T'en as combien, toi, sur toi, là? Ouais, nous, on est sur la sultane et y'a 9-4, enfin 9-7 qui prend les. Du coup, 5 machines à mettre. Ça va être dur, hein. Du coup, maintenant, oui, ça va être. Ouais, la nôtre ouais, est custom. Ça va être dur. C'est compliqué, là. La mienne, elle est pas custom. Ah. Eh ben, force à toi sur la félone. La mienne, c'est une. Big Natural Tits. Quoi? Oui, wow. Wesh. Je viens de comprendre. Oui. Attends, mais tu dis wesh alors que t'as vu les dingueries que tu passes ton temps à dire? Moi, voilà. J'ai dinguerie, moi. Oui, t'overreact comme si là, moi j'avais dit un truc raciste. Oh, mais non, mais t'as dit une dinguerie. C'est oh. Une dinguerie de dire ça. Mais je te jure, je trouve ça extrêmement réducteur. Tu sexualises la femme. Ça va, gosse? Il a un nom pour dramatiser les choses. Dans ta gueule, toi. Pour une fois, Chris est pertinent, ferme ta gueule. Ça donne réel. Si j'ai pas tant que tu là, par exemple, tu vois. Elijah, là, le. Hein. Bon, suceur. Vous avez fait les comptes ou pas, les gars? Oui, mais moi, je suis un suceur, mais moi, j'ai mes papiers. Eh, Blazik, vous avez remarqué comme il est borderline en ce moment? C'est 23 ou 88? On dirait qu'il veut aller sur kick. 23. Je sais pas, il a dit 88. 88, il a une afro. Ok. Oh, c'est un peu le même style. Pour être honnête, rigolez pas, 77, hein, vous êtes dans le même sac. Tête de vieux. Tout le monde. Je suis derrière toutes ces vannes, 34, il y a un peu de racisme. Faire pas ta poursuite, hein. Viens là, Omar. Ils vont du coup laisser l'agent au milieu des deux véhicules, ils vont passer d'ici 30 secondes. 4, on est en place. Vous pouvez vous rappeler tous de votre dispatch, j'ai pas besoin de le répéter. Non, tu l'as répété 8 fois, capitaine. Attendez 2 secondes. Je fais gronder le moteur. Même. Vous en avez saisi, on peut les détruire. Même, chauffe les freins. C'est copy, on école pour destruction. Et que fait le pour répéter ça, je vous prierai de repasser Radio 92 s'il vous plaît. Allez, arrêtez-vous, vous êtes déjà fini. Pire les barrières également, on part, on partir. Ah mes frères. Gauche. C'est bon, c'est bon. Hésite pas, toi tu la quittes pas des yeux et quand tu vois qu'elle tourne, tu me dis. T'inquiète, tunnel vision, tu connais? Ouais, parfait. S'il n'y a pas un coup de volant. Enlève tes jambes, enlève tes jambes, ouais, conseil. Normalement, Felon, ça va. Oui, Felon, ça va, ça va. Si c'est une Felon volée, tu la tiens sans froid. Hein. Non, je pense pas à l'air custom. Hein. Il éteint ses phares. Adam 03 actuellement en code. On n'est pas censé avoir une unité avec nous normalement? Si, normalement on a une backup derrière nous, ils sont loin. Il
Putain, je suis pas si confortablement. Madame Sonde, tu sais de confirmer que vous êtes bien sur la poursuite avec nous. 10-4, on est derrière. C'est trop collé. Oh là là, heureusement il a pas tourné. Bah oui, heureusement. J'étais en train de me recaler. Tourne à droite, on est tranquille. Propre. Je le lâche pas, toujours tout droit. Il prend la sortie à droite. Il tourne à gauche. Ah c'est là, faut bien que tu regardes s'il fait gauche-gauche et tout. Là il y a un accident. Ok. Il repart. Monsieur, arrêtez-vous, monsieur, arrêtez-vous. Je vais pas vous lâcher, vous êtes tombé sur le mauvais keuf. Ouais, c'est... tu vas voir comment je vais m'arrêter, vas-y, viens à coudain. Vous êtes en train de sous-estimer mon collègue là, monsieur, peut-être? Non, arrête, arrête, tu vas me porter l'œil. Je suis très sensible à ça. Ah ouais? Ouais. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Monsieur, vous aurez jamais dû prendre en otage le capitaine. Arrêtez-vous et on tire dessus, c'est bien mieux. Quand, la prochaine fois, c'est toi qu'on prendra. Essaye, essaye donc. Moi, oui, j'essaye. Les poursuites, là, ceux qui... Ah, putain. Il est fatigué, le capitaine. Faites délire à ceux qui sont passés les poursuites. Faites des quoi? Ders, Ders, des plans Ers. Ceux qui sont pas assez numéros pour tuite, ils font Ders pour éviter les anticipations des temps. Oh la 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 la. Vous allez bien? Ah, celle-là elle fait ah mal ouais, hein. Ça va ouais. Aïe, 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 oui, ça aïe, fait aïe, mal aïe, ça. Aïe. Ça fait mal hein. Vous avez volé là. Ouais hein. Oh putain. C'était cinématique. Vous? Mais oui, je crois. Bah, je pense, oui, non. Tu te sens bien? J'ai envie de. Ça va? Tu crois que la voiture a un problème? Écoutez, je peux descendre de la voiture, y'a pas de soucis. Bah, normalement. Non, là. Attendez. Ah oui! Ah oui! Mi-temps, mi-temps, mi-temps! Mi-temps ou pas mi-temps? Évidemment que oui, non? On va chercher les gourdes! Oui, normalement là, elle est dessus. Allez-y, allez-y! Oui, allez, allez! Franchement, parce que vraiment, je suis un bon, hein! Mais il a pris plein de fouilles, il est légit, quoi! Mais ça, c'est pas grave, je vous jure, c'est pas grave, je m'en bats les couilles, hein! Ne pétez les couilles à personne ou quoi! Pour moi, c'était un très beau accident, quoi! Eh, hey, tu m'entends? Oh! Oh! Putain, mais Henri, il bombarde avec la fenêtre, non? Ok, je me refocus. Non, pas deux fois, pas deux fois. Mais j'ai vraiment cru, hein. Franco 07, on a mis une mule au niveau de la frontière. Voilà, Scrooge Street et. Ils vont me faire un plan mule, c'est sûr. Ok, t'es bon, t'es bon. Oh non. Pourquoi t'as ouvert ta grande gueule? Mais non, arrête. Prends la gauche. Généralement, là, il y a beaucoup de plan mule à gauche, là. Ouais, il y va à gauche, il y a un plan mule. Ok, c'est bon, il y a pas. Gauche. On va mettre un plan R au niveau du parking blanc. Fais gaffe,
Ah, il s'est retourné. Oh non, mais non, mais non. Ah ouais, mais faut pas d'effort là. Là, on a. Appelle un AMS, appelle un AMS. Ah, putain de merde. Oh là 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 là. C'est pas grave. Bon, bah cette fois, y'a plus de débat. Hein. Ah ouais. Ah non, là, je crois que. Sont-on dans un central, col prioritaire, on aurait besoin d'une unité médicale s'il te plaît dans les canaux, je vous fais une backup, c'est un véhicule qui vient de se retourner. Aïe, aïe, aïe. Backup reçu, vous pouvez me confirmer? C'est que deux dans la voiture, il n'y en a pas un troisième? Excusez-moi. Ah oui, c'est bad luck sur bad luck là. Taisez-vous, monsieur, taisez-vous. Taisez-vous. Bon, allez, monsieur, si jamais vous sentez de vous relever, vous avez besoin de soins immédiatement. Non, non, ils ont besoin de soins, laissez-les par terre. Oui, pensez, hein. Je pense que là, vu dans l'état qu'ils sont, là, c'est compliqué. Là, là les médecins ne répondent pas en radio, monsieur. Non, chef. Si vous arriveriez à enlever vos masques pour mettre un. Non, 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 touche pas, touche-les pas. Je touche pas. Non, c'est pas pour les fruits. Vous avez potentiellement une mule en haut là qui les attendait. Ah, ouais, t'inquiète. Juste au-dessus. Ok. Là, bah écoutez, merci à vous, mais la poursuite est finie du coup pour le coup. Ah oui. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un accident. Ah bah oui, ils se sont retournés. Oui. Oh, pauvre monsieur. La situation, par contre, est... vous les avez palpés Non, non, bah non, pas encore. Non, bah non, on peut pas. Ils sont blessés, faut s'occuper de d'abord. Ok, d'accord. Je peux m'approcher, hein. Oui, allez, vous pouvez. Ils sur votre sécurité. Je vous assure qu'ils feront rien. Surveille. Ok. Hein, qui vous allez rien faire, vous l'avez. Surveille le deuxième, 33, surveille avec celui-là. Ok, je vous en. Ouh, attention, hein. Prenez les d'urgence quand même. Quelque part, est-ce que vous avez mal quelque part? Comment? Déjà de base, est-ce que vous pouvez me dire où vous avez mal? T'as dit quoi? Monsieur, s'il vous plaît. Ça va. Non, t'as dit quoi? Ça va ou ça va pas? Dites-moi. Je dis que ça va. Non, non, okay, je pense que ça va pas. Vous appelez comment? Hector. Vous avez. Quelle journée? Jeudredi. Jeudredi. Je crois qu'il est pas très bien. Les cacahuètes là. Bon, vous pouvez me la. Yo, faites pas les malins, j'ai une porte dans la voiture, faites pas les malins, j'ai une porte dans la voiture. Yo, écartez-vous, je me fais sauter. Écartez-vous, je me fais sauter. Je m'écarte moi aussi, je m'écarte ou pas? Yo, j'ai une putain de porte dans la jambe là, parez-vous tous là, yo. Cassez-vous, je me fais sauter moi. J'ai peur de rien, yo, Maïdi. Il y a une bombe avec lui dans sa voiture, on arrive tout le monde, s'il vous plaît. Écartez-vous tous si je fais sauter la bombe. Oui, du calme, monsieur, du calme. On a 2 km. On peut la voir cette bombe? Elle est en dessous de la chape là, faites pas les malins, je fais. Actionnez le bouton. Boum. Oui, mais qu'est-ce que vous nous voulez? Yo, lâchez. Lâchez ces deux mecs qui sont à genoux, je fais tout sauter là. Dépêchez, vous avez 3 minutes. 3 minutes où je fais sauter la chape là, vous avez 3 minutes. À vous de choisir. C'est moi le plus haut gradé là. Attention, putain, j'ai une putain de bombe là. Ok, ok. Attendez, taisez-vous, laissez-moi parler. On va faire un truc. Vous allez désamorcer la bombe et la jeter par terre, en échange je vous laisse récupérer les deux hommes. Jamais de la vie, je vais faire exploser la bombe si vous laissez relâcher les hommes et sauter la bombe. Ok, bah écoutez. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoute-le, il va te fumer. Je vous dis, vous récupérez votre homme, en échange vous désamorcez la bombe et vous la laissez tomber par terre. Est-ce qu'on est d'accord? Non, je récupère les deux, je désamorce la bombe. Pas de geste brusque. Ok, mais vous désamorcez la bombe et vous la jetez par terre. Regardez. On est d'accord? Regardez ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est d'accord? Dites-moi oui. Oui, moi je suis d'accord avec votre réflexion. Ça va être simple. Je récupère, jette la bombe à terre, je la désamorce devant vous. On n'en reparle plus. Bon? Oui, mais là, vos amis, ils ont vraiment besoin de voir un médecin là. Là, faut vraiment qu'ils soient. Faudra que vous fassiez vite, hein. Ils ont fait deux gros accidents là, sinon ça va être la merde pour eux, je vous le dis. Hein. Yo, t'inquiète, j'ai un AMS sur place, t'inquiète. Ok. Y'en a un qui monte. Toi, pendant ce temps, tu sors la bombe de la voiture. Ok. Pas juste brusque. Voilà, pose la bombe par terre. Le deuxième il va monter, pendant ce temps je vais la désamorcer. Ne monte pas. Non, oui, reste à côté de la voiture, reste à côté de la voiture. N'aie pas peur, j'ai juste écarté la voiture. Mets un coup de pied dedans. Allez, monte dans la voiture. Monsieur l'agent, pas comme ça, c'est bon? Oui. Il va où avec ma voiture, lui? Putain! Tire-toi vite. Attention, pas juste. Lâche le volant. Tu me baises. Je vous ai prévenu. Non, c'est pas grave, je conduis. Non. Oh merde, je monte dans le. Ils sont où? Droite. Pourquoi t'as bougé la voiture? C'est lui qui a bougé la voiture, c'est pas moi. J'ai pas compris pourquoi il a pris la voiture lui là. Il est où? Je
truc qui était remonté, hein. Je. C'est, quoi, c'est... Fait ça, ce qui a bougé la voiture? Qui a bougé la voiture? 77, je crois que c'était. Je vais le baiser, je vais le baiser. Comme ça, c'est grave. 113, 77. Je. Chill. Viens au PDP tout de suite. PDP tout de suite. J'arrive. Adam 77, 19, PDP. 10-4. Non, frère. Non, là, il m'a baisé, là. Centrale à tous, pourquoi le capitaine ne répond pas au téléphone? Il fait un petit peu urine actuellement. D'accord. Et le capitaine adjoint, c'est quoi votre TPH? 73. Tango 10, on a dû retirer le plan Hertz au parking blanc, on va en mettre un frigit. 10-4, on est juste devant le frigit. Oui, 113. Oui, je peux mettre des mises à pied en tant que SLO. Ça dépend, pourquoi, et non, on valide. On était en train d'encercler un individu. Il y a 77 qui a pris la voiture, qui a décidé de son plein gré de déplacer le véhicule et qui du coup nous a fait les perdre. C'est pas un motif pour mettre à pied, mais si vous voulez, mettez-le à la circulation pendant 30 minutes. C'est quoi la circulation? Il sort là pour vous lui sortez la Punto. Attends, mais là c'est de la complicité là, il les a aidés à s'échapper hein. Quand tu dis mais hein? Et quel véhicule il a bougé? Le vôtre? Oui, le mien. Le mien était collé à moi, derrière moi, et lui il l'a bougé, il l'a mis à l'opposé de moi. Je pense que ça va aller dans les canaux, je ferai le tour si besoin. Juste pris le volant. Que ça bloque le... Je te l'ai laissé le volant. Techniquement c'est pas de la complicité hein. Bon je vais, ok je vais, donc, je vais. C'est bon. 10-5. 10-5. Prends dans ma voiture. 10-4. Je l'ai juste bougé. J'ai juste décalé pour pas qu'elle bloque l'avant. Ah ben merci. Oui capitaine. Oui, qu'est-ce qui arrive? Je vous préviens, je vais punir 77, d'accord? Okay, pourquoi il a fait quoi? Il vient nous niquer une enquête là entière là. Il a aidé à s'évader les gens qui vous avaient pris en otage dans la Felone. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? C'est pas mon intention du tout. Mettez-lui, oui. Oui, je vois qu'il fasse des conneries. Je vais le punir, d'accord? Il peut pas trop fort non plus. Hein. Bah comme d'hab, comme je faisais avant. Ok. Super. Quoi? Non, je t'ai foutu de ma gueule là. Qui t'a demandé de bouger la voiture? Mais c'est pour pas que tu exploses, Riz. J'explose? T'es à côté. Mais non, on t'a rien. La voiture, ça se trouve, il est... Non, on t'a rien demandé, fais pas. Regarde, moi j'ai ma voiture qui est derrière moi qui est prête à partir pour prendre la poursuite. Et là, du coup, tu m'as baisé, j'ai pas pu prendre la voiture, on a perdu le véhicule. C'est pas mon intention, Riz, vraiment pas. Oui, ben d'accord. Il va me faire culpabiliser. Je culpabilise. Attends, je sais que c'est pas méchant, je vais quand même le punir. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Je suis au moment. Je vais te punir. Comment ça, je suis puni? Tu me fais peur, là, qu'est-ce que tu racontes? Écoute la musique, 2 secondes. Oui, allô, on oui, salut 42. Oui. Ça va? Oui, range ce téléphone, 117, range ce téléphone. Et je range. 42, t'as toujours ta brigade coyote là? Quoi? Canine? Ouais, non, les chasseurs là. Les mecs de la forêt. Ah, les Park Rangers. Oui. Pas trop. T'as un truc dans le style pour une punition? On peut trouver une punition BCSO avec une panto, hein. Ok, bah je te ramène quelqu'un là, t'es où? Bah je remonte dans le nord du coup, j'arrive. On se rejoint à Sandy? Attends, Riz, je comprends pas là, c'est quoi? Oui, vas-y. Là. Ok, bah je te rejoins à Sandy. Déjà c'est Paris, c'est 113. C'est quoi cette histoire? Non, là t'as fait une faute grave là. Mais vraiment pas, mon intention c'était vraiment juste. Oui, mais des fois, t'as une bonne intention, mais tu fais quand même une erreur, ça peut arriver. Mais je comprends, mais là on va où là? Exemple, tu connais pas le code de la route, tu fais n'importe quoi, t'as pas l'intention de tuer quelqu'un, ou alors regarde, non, j'ai mieux. Tu bois 3-4 verres chez des amis, t'as pas l'intention de tuer quelqu'un, mais tu conduis bourré, tu tues une famille. C'est quand même ta faute, tu vas quand même aller en prison.
Bah là c'est Paris. Vous deux avec 9-7. Mais une différence entre dépasser un véhicule et boire d'alcool. Y'a aucune différence. Gêné, je voulais pas aucune qu'il différence. Si j'étais la bombe. Aucune. Je sais pas qui. Ça se trouve, il a jeté la bombe sur ta voiture. Qu'est-ce qu'on en sait? Aucune différence. Ça se trouve, j'ai sauvé la vie. Ça se trouve, il a jeté la bombe sur ta voiture, Riz, vraiment. Avec des si, on refait le monde. Oui, d'accord, mais avec des si, ça se trouve, tu l'aurais pas rattrapé du tout. Qu'est-ce que j'en sais? Eh ben, on pourra pas le savoir vu que t'as bougé ma voiture. Qu'est-ce que tu vas faire là? Laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. Bonsoir, vous allez bien? Non, ça va pas, je suis très énervé, très énervé. Dites-moi. Je vous ramène un puni. Qui? Comment ça un puni? 77. Comment ça un puni? Comment ça, comment ça un puni? Eh ben c'est super. Puni, c'est ça que je vous demande. Bah, il a fait une faute très grave, il nous a niqué une enquête, une opération entière, en prenant une initiative de merde. Une initiative de merde, 117. Donc là, il va être puni. 113. Détends-toi, s'il te plaît. Vraiment, bon, juste là, t'as gestion les émotions. Vraiment, j'ai pas fait de la merde. Vraiment, mon intention, c'est juste pas que ta voiture explose. Vraiment. Il va être puni. T'inquiète pas. Mais c'est quoi, puni ou pas puni? C'est quoi la punition? Pourquoi vous le ramenez là? Oh, la dépunition spéciale avec 42. Non, mais là, il parle de coyote là. Hector, Neil, aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas, vous ok, c'est bon. Je vois tout à fait ce que ça va être. Vous allez être menotté, vous allez descendre de mon chiliad à pied. Mais arrête de spoil! Mais c'est pas possible! Pardon, mais excusez-moi! Excusez-moi! Je l'ai déjà fait, c'est pour ça! Oh mon dieu! Pourquoi tu l'as déjà fait? J'étais là, moi je t'ai fait ça? Non, c'est 42. Comment ça, descendre de mon chiliad à pied là, c'est quoi cette connerie? Et toi? Non, c'était une blague. Non, on va pas te faire ça vu qu'il t'a spoil. On va te trouver autre chose, t'inquiète pas. 02, on aurait besoin de c'est baguettes quoi, sur mais qu'est-ce que j'ai pour fait la poursuite de la sultane. Pourquoi mériter plaît. Ça, c'est une dinguerie. Je te donne des sous, 113. Non. Bah, je me demande là pour le coup. On va en direction du Bénis actuellement. Quoi, vous voulez aller avec lui, madame? Vous demandez, vous voulez vous poser des questions avec lui? Non, j'ai l'impression qu'il. Ouais, vous êtes sûr? Oui, parce que si jamais vous posez des questions, peut-être que je pourrais vous laisser le temps d'y réfléchir, quoi. Vous avez besoin de temps pour réfléchir à ces questions? On va arriver près du café. Vous voulez? C'est ça que vous voulez, madame? C'est quoi votre masque, madame? Je me demande si vous ne donnez pas de l'argent, effectivement. Vous êtes quel grade? Moi, je suis rookie. Ah, on va passer Marina. T'entends ça? Les rookies qui se rebellent. Non, du tout. Ouais, t'es au fait, toi, là, cette fête. C'est ça, ouais. C'est vous? C'est bon, on est là. Nickel. Ben écoutez, c'est quoi ton matricule, madame, la rookie? 33. 33, tu seras pas tout seul, 117. On aura 33 avec toi. Il est là 42 ou pas? Il arrive. Oui, non mais pour être très sérieux. Il arrive. Tu comptais... Non. Tu comptais pas le laisser seul? Non. Tu vas le laisser seul, vous aurez deux punitions différentes tous les deux. Avec tout le respect que je te dois, vraiment. Oui. T'as bien vu que j'ai vraiment agi pour ton bien et pour le bien de tous les gens autour. Il y avait la voiture qui était décalée. Maintenant, est-ce que ça menait à un truc bien? Bonsoir, Glenn. Bonsoir, mes respects. Non, pas Glenn. Papa, sauve-moi, c'est Glenn. Oui, c'est Glenn. J'ai deux punis. Papa, sauve-moi. Ah, c'est ton fils. Non, je suis pas ton père. Eh, il est occupé actuellement, dis-moi. Non, je ne vais pas te sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foutu en l'air une opération. J'ai juste déplacé une voiture. Non, mais Glenn, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je sais même pas s'il est pas complice. Bonsoir, mes respects. Mes complices de quoi? Non, mais 42, qu'est-ce que t'es devenu? J'ai déplacé une voiture. Il a fait une action qui a permis à des brigands de s'enfuir sur. Attends, il manque à ce que les agents de la SPD le fassent aussi là. Oui, mes respects 42, mes respects. Mes respects 42, comment allez-vous? Mes respects 42, mes respects shérif 42. Repos. Merci 42. Du coup, on fait le topo. Quelle musique? Je sais pas, ça tourne en boucle depuis tout à l'heure, c'est une horreur. Bien, 42, Glenn. Le monsieur là, le monsieur en face de moi, 117. Ouais. A déplacé ma voiture et du coup par la même occasion m'a empêché de prendre la course poursuite sur les individus qui ont pris l'otage le capitaine qui était lourdement armé. On est pas assez espoir en tour encore, j'appelle les unités. Une course poursuite pour la... Les gars, c'est vous qui vous êtes rajouté. Non, la 117, tu te tais hein. Tu réponds pas. Non, ma version. Non. On va remonter. Attends, je coupe ma radio. 113 off radio 5 minutes. Donc là, ça veut dire que. Riz, c'est quoi que tu veux faire là? 117 off radio. Il va y avoir une punition chacun, d'accord? Lui, on va lui mettre la punition A. Non mais... Et elle, on va lui mettre la punition B. Parce que madame. Madame n'a rien fait, hein. Madame n'a rien fait. Madame est rookie. Madame est rookie et madame prend les patins de son ami 117. Oui, il vous donne l'argent ou quoi? De toute façon, je comptais pas l'abandonner. Donc madame va avoir une punition différente. Parce qu'elle va pas rester avec lui. J'ai bien compris que les deux, ils étaient un peu là. Je rapproche mes doigts là entre eux là, je les fais tourner. Oui.
Là, non, compris. Là, tu prends avec tout respect, tu pars en couille, Riz. Vraiment, là, je sais pas ce qu'il y a. Hop. Ok, mais du coup, Riz, c'est quoi que tu veux faire? Ok, bon. La BCSO, surveillez les deux agents là qui s'évadent pas là. Oh, mais Glenn, tu questionnes ça? Mais non, justement, là. Mais viens, venez, Glenn 42! Ah, il me suis mordu la langue. Shérif. 42! Attendez, il écoute la version. Non, non, on s'en fout de sa version. En gros, c'est simple. On était en poursuite, d'accord? Oui. On a des individus qui ont braqué, enfin, qui ont pris en otage le capitaine. Le capitaine. Etc. Ils ont fait le capitaine. Ils ont fait. Eh, j'ai été irréprochable en conduite 42. J'ai fait le taf. La poursuite était trop fière. C'était magnifique. D'accord. Ouais. Bon, du coup. Les individus en face de nous, ils font un 10-50, le véhicule se retourne, etc. On appelle les médecins arrivent, etc. Bref. Et là, il y a un individu, sorti de nulle part, pépère, tout seul dans un véhicule, qui a une bombe sur lui. Ouais. Il veut récupérer ses deux potes. Ouais. Bon, en l'occurrence, ça ressemble. Attends, il faut savoir un truc, hein. Là, tu vois le mec derrière, là? C'est ma voiture. D'accord? Le mec derrière, c'est ma voiture. C'est important à prendre en compte. Et les mecs, les individus, ils sont en face de moi. Parce que tu sais comment je suis 42, je suis minutieux, hein. Ça veut dire que ma voiture, elle était prête à partir. Côté conducteur, il avait tout qui était carré. Tu sais comment je suis 42, tu sais comment je suis, hein. Ouais. Il arrive, tu désamorces la bombe, tu la jettes par terre, et une fois que c'est fait, les individus ils montent avec toi et on repart en course poursuite, tu vois. T'es avec qui en patrouille? Et qu'est-ce qu'il fait, l'autre trou de balle? Il prend ma voiture comme ça, et il est mis à l'opposé de là où on est, du coup, Du coup, moi je me retrouve comme ça, je suis en galère, la voiture elle part, moi je cours, il lâche pas le volant, je me retrouve assis sur ses genoux, je suis en galère, je sais pas quoi faire. T'es avec qui en patrouille? Du coup, c'est une erreur, c'est pas une faute grave. Oui, c'est une erreur. C'est pour ça qu'il est pas viré. Oui, mais tu les punis pour une erreur. Oui, faut qu'ils apprennent. Officier 1 et rookie. Mais justement, ils sont encore en appréhension, faut... Ouais, bah ils vont être punis, ils vont apprendre. Non, 42. T'as vu avec le capitaine, en fait, tout ça? Oui, je lui ai dit, capitaine. T'aurais pété un câble. Ok. Ouais, t'aurais pété un câble, vraiment. Écoutez, ils vont passer la soirée en panto. J'ai prévenu le capitaine, d'accord. Capitaine, il est au courant qu'ils vont être punis. Non, moi je veux une punition Monchiliade pour la dame et une punition panto pour le monsieur. C'est-à-dire une punition Monchiliade? Ah, tu sais très bien. Est-ce que... Oui, ok, d'accord, c'est celle-là que tu veux? Bah oui. Ok, ça me va. Mais parce c'est que... qui l'a fait? C'est toi ou c'est nous? Parce que à la base, j'allais pas punir la dame, tu vois. Et c'est pas, elle me commence à me dire... j'arrête ou sinon tu vas être puni avec lui. Elle me dit oui, mais de toute façon, je comptais pas l'abandonner. Je fais ah. Ah bon, petite pétasse. Eh ben d'accord. Aussi, bah, tu vas être puni. Attends, Riz, en vrai de vrai. Quoi? Pas mieux, non? De quoi? Pas mieux qu'elle ait réagi comme ça. Pourquoi? Parce que les speedy, on a une famille. Jamais on se laisse abandonner. Oui, en vrai, tant mieux. Ouais, en vrai, tant elle était solidaire, quoi. Donc, en vrai de vrai, elle a été solidaire, elle a eu le bon comportement. Donc, je pense que elle, la punir, ça peut être excessif d'un autre part. Bon, 42, toi et moi, on prend le mec et la meuf, punition Panto 24 heures. Parce que je pense que sinon, elle va aller dormir. Attends, putain, ça a gueulé radio, je t'ai pas entendu. Attends. Il s'est passé quoi? Nous, on prend le mec, on lui fait la punition Monchiliade. Ouais. Toi, Glenn, tu t'occupes de la meuf, Panto 24 heures. Parce que sinon, elle va aller dormir, d'accord? Vas-y, mais du coup, tu crois, tu veux le mettre avec un agent du LSPD ou du BCSO? Bah, BCSO. Bah, BCSO. Putain, mais je peux punir qui, moi? Mais les punitions, BCSO. C'est au BCSO. Oui, mais faut que je punisse quelqu'un du BCSO, du coup, qui fait mais la merde. Mais on n'est pas une punition, le BCSO. Non, juste... Mais oui, vous êtes pas une punition, mais oui. Mais non, vraiment pas, hein. Mais bien sûr, vous êtes pas une punition, bien sûr. Riz, c'est toi qui vas finir en panto, si tu continues de dire ça. Ouais, mais oui. Riz, tu vas finir en panto. Pardon. Oui, pardon. Non, mais c'est vrai que j'ai l'habitude, parce que 42, c'était vraiment ma petite chienne à l'époque. Ça fait toujours bizarre. Oui. Et maintenant, c'est toi qui l'es. Oui, et maintenant, c'est moi ta petite chienne. Ouais. Ouais. Vous avez vu, ça c'est quelqu'un qui a pas d'ego comme certains d'ici. Go, on va en parler. Ah oui, non, moi. Ta petite chienne, ouais. Moi, y'a pas de soucis, 42. Hein. T'étais ma petite chienne. J'ai vraiment eu du mal à dire. C'est pas Glenn. Glenn? Moi, à l'époque où t'étais ma petite chienne, tu l'assumais, 42. Pourquoi je l'assumerais pas maintenant que c'est moi ta petite chienne? Radio? Je suis. Oui, qui est sur la 42. Y'a les patriotes sur la dernière bande de backup. Regardez comment il part. Il fuit. Bon, venez. Je suis une grosse pute. Je suis la pute de 42. Ta mère, 42. Nique ta mère. Force à toi cette lettre, force à toi. Oui. Papa, tu m'abandonnes. Bon, du coup, 42 viens. Du coup, les patriotes, allez en voiture s'il vous plaît. On va venir avec vous. Tu vas venir avec moi. Regarde. La meuf, je sais pas comment tu t'appelles. C'est 33 son matricule. 33. Bon, de toute façon, on va venir vous aider aux patriotes et ensuite on va leur faire les punitions. 7-7, tu montes avec moi. 42, tu montes avec moi. Vous voyez le. S'il vous plaît, shérif. Si vous en avez envie. Montez avec moi plutôt, vous. Non, maintenant, allez, j'aime bien conduire. J'aime bien conduire, allez, viens, 42, pas ta flûte. Allez, putain, descends, 33. Mais oui, il y a 24 là. 33, tu montes avec Glenn. Il y en a un qui descend. Avec Glenn.
42, tu veux pas qu'on aille avec ton 4x4? Je monte à 4. Oui, bah prends mon 4x4 au cas où. Oui, allez, grimpe là! Enfin, j'essaye de rentrer. Votre voiture de merde. Ah oui, c'est une voiture de merde. Pour le coup, il a raison. Elle est très bien, ma voiture. Je te promets qu'elle est pas si mal que ça. Hein. Non, esthétiquement, elle pue sa mère. Mais sinon, ça va. Là, dis-toi si. Si l'autre trou de balle de 7-7 là, il m'avait paniqué, j'avais réussi à gagner une course poursuite. J'ai même réussi à gagner deux courses poursuites avec une félone. Customisée. Et en vrai, c'est tu m'entends ou pas? Oui. T'as vu ce que t'as fait, c'est pas grave de fou. Que en mode tu sois viré ou quoi. Mais quand tu vois que les mecs, ils sont proches d'un véhicule qui sont prêts à repartir, ne prends pas le véhicule pour le mettre de l'autre côté. Enfin, fallait faire ça au début. Écoute, avec la menace d'une bombe et tout, j'ai eu peur. Voilà. C'est pas grave. Hey, moi je vais te dire 7-7. Moi, écoute-moi. Tout le monde fait des erreurs. Moi le premier, j'ai fait des erreurs. J'en ai fait. Tu as canné quand même. Mais non, j'ai pas de canné. Mais attends, mais pour qui tu me prends? Tu m'as parlé de coyote, tout ça. J'ai pas compris. Non, mais attends. Non, c'est juste le nom de la punition. J'ai fait des erreurs. J'en fais et j'en refais encore. Oh, il y a le feu là. Oui, je suis pas allé au feu là. Ça brûle. Mais l'essentiel, c'est d'être puni pour ses erreurs. Et de retenir la leçon. Il y a la maison des Weston qui est en train de brûler là. Bah oui. Attends, viens, on se remet en radio, Riz. J'ai pris le SV. Radio quoi? Radio 1, Radio 7? Moi je suis Radio 1. Toi reste Radio 7, 42. Ouais, Radio 7, moi. Vous êtes au courant qu'il y avait feu chez les Weston? Bonsoir. Du coup, vous êtes au courant qu'il y avait le feu chez les Weston? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des infos? Oui, oui. C'est potentiellement un kill dans le mille. Celui qui voulait nous tuer tous, la police là. Ouais. Il a lancé une bombe qui a explosé tout. Ok. Voilà. Donc là on le cherche là. D'accord. Parce que c'était là et vraiment oui, là, on était présent quand ça a eu lieu. Bon mais bon courage. 42 il est où ton 4x4? Mais pourquoi ils font demi-tour? Demande où il est l'adjoint, le quoi? Chef agent, Glenn. Non. C'est quoi, Glenn? Non, pas, pas Glenn, celui qui a pris ton 4x4 là. C'est Glenn. Ah, Kate, Kate. Oui, espace. Sergent. Oui, sergent. Le sergent. Demande lui où il est, comme ça on va aller au mon chien avec ton 4x4. Ça parle radio. Où ça, mon chien? Je crois qu'ils sont mon chien, ouais. Ils sont déjà? Attends. T'es où, Kate? T'es où, Kate? Oui, mais t'es où exactement? Oui, mais tu prends seulement. Attends, dis-lui qu'il bouge pas, on arrive, on va faire le transfert. Attends, on arrive. Oui, 07. Mais je sais pas si je dois avoir peur ou non, là, j'arrive pas à savoir si vous rigolez. Ouais, des Wesson mais... qui brûlent. Ouais, ouais, nous, on y est. Nous, on rigole, 113. Ah oui. Ah, je rigole aussi. Dans sa voiture. Oh. T'es où? Peut-être pas. Comment ça, bas? Hein? Oula, attends, info importante. Attendez, hop. Et Black Vanguard, les Mormons auraient missionné 3 groupes pour choper des LK. Ok. Dans le groupe des OSM, ça. Il est où? Je sais pas où. T'es où, Kade? T'es où, Kade? Putain, mais où est-ce qu'il est parti? Putain, mais où est-ce qu'il est parti? C'est toi qui vas faire une semaine en photo. Wow. Ray Wyatt, mais il est décédé? Quoi? Viens à l'office. Je nous mets le parking. Pourquoi? Ah, ils sont déjà en 10-56. T'as pas un 4x4? Non. Pourquoi? Non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Juste, est-ce que quoi si je suis. Bah, d'être bien habillé, d'être viré quoi. Bah, lui, c'était grave. Il était bien là, il y a 6 mois. Le mec qui a peur. Mais tous les jours, tu risques ta vie en service, hein. Tu peux mourir n'importe quel moment. Non, mais en fait, c'est un catcheur. C'est un catcheur. Comment ça, tu sais pas? Arrête d'avoir peur pour rien. Ah, oui, bah, j'ai pas peur alors, tranquille. 42. Oui, merci. Oui. 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 Waouh! Il y a de l'accélération, hein, ce pick-up? Pas un pick-up, ça. Ah oui. Attends, même avec ça, t'arrives pas à arrêter les criminels, 42? Mais moi, je... Sache que je perds très peu de courses poursuites, hein.
Oui, moi, sache que je perds très peu de course poursuite. Non, mais en... et surtout, depuis que je suis. Ouais, vraiment, avec ça, c'est trop fort. Généralement, je les prends pas avec ça. Et attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, 42, pour que tu passes de rookie à vie à shérif de la BCSO? C'est vrai que. Bah, j'ai glow up, hein. Putain, c'est deg, hein. Ouais. En fait. Ouais, c'est parce qu'il fallait un shérif, personne voulait y aller. Est-ce que. Coup... Est-ce que vous vous rendez compte là que genre c'était. Bah attends, c'est bon, c'est bon, c'est bon, y'a rien. Y'a des bandits. Ils sont là-bas, Ah, là-bas. Les bandits, mais non, mais derrière vous, ils sont partis sur 70 champs. Oui, mais on a rien à foutre. Bon, ta gueule. Fou quoi, lui. Oh, est-ce que tu te rends compte quand même la différence entre le SPD et la BCSO? Comment ça? Dis-toi, regarde. 42 LSPD, rookie à vie, petite merde, petite chienne. Non, t'abuses. Incapable. 113, t'as vu. 42 BCSO, shérif, le meilleur élément. En vrai, 113, t'abuses que tu n'as pas été là pour voir, mais je te promets que le BCSO, on l'a relevé. Hein. Oui, mais oui. À quel niveau? Non, par contre, je suis de son avis. Vraiment, mais il a raison. Le BCSO, aujourd'hui, ils viennent sur une inter, c'est pas des boulets. Mais oui, bien sûr. Peut-être de ton temps, le BCSO, c'était nimp, mais là, vraiment, pour le coup, c'est incroyable le BCSO. Merci beaucoup, Elijah. Par contre, c'est vrai, Sar, 42 il a trop mis bien le BCSO. Oui, mais il n'empêche que 42 version LSPD, rookie à vie, petite chienne. 42 version BCSO, meilleur élément, shérif. Oui, masterclass. Oui, ben ça veut dire que, imagine, tu mets le capitaine au BCSO, il devient président du monde. Président du monde. Après, t'abuses parce que quand je suis passé shérif, j'étais déjà officier 3. Hein. J'allais passer SLO LSPD. Attends. Ah ouais, t'es passé de officier 3 SPD à shérif BCSO? Ouais. Un gros glow-up, hein. Toi, ta gueule, toi. Bon, ça. Attends, c'est Z qui a parlé. Oui. Ah oui, c'est bien ce que je disais, ta gueule, toi. T'as cru que c'était moi, j'ai pas savoir quand même. Non, mais je voulais être sûr. Bah, en vrai, vous. Il a un petit timbre de voix qui pourrait faire penser que c'était toi avec le. Non, je suis pas d'accord. Mais tu sais qu'en plus, t'es pas le seul à me dire ça. Le pauvre. Bah, donc si je suis pas le seul à te le dire. Et qu'il y a quelque chose. C'est une dinguerie. Moi, on me confond avec Flynn d'habitude. C'est vrai ça? Ouais, bah, vraiment. Bah, on aura de monter mon Gilead là. 113, je suis off radio pour punition. Et des max, il est où? Tanner demande backup 2. Mais c'est tellement loin. Ah putain, non, c'est ça qu'il fait trop loin. Tellement longtemps que je suis pas monté sur mon Gilead moi. Bah, j'espère pour on toi que tu retrouveras là pas. On attend pour la backup 2, on est vraiment trop loin. Ouais. Oui, allô. Oui. Tu vas punir qui? Je vais punir 7-7. Non, c'est pourquoi il a fait quoi? Bah, il nous a niqué une opération. Vas-y, nique-le bien. Et tu peux lui mettre une patate de ma part, de la part des Messi Well? Ouais, vas-y, c'est bon, si tu veux. Bah, super. Bon, merci beaucoup, bah, c'est très sympa. Non. Allez, gros bisous. Allez, bon courage pour la punition. Merci. Oui. Non, mais. Nous, 109 en tout cas. On abandonne comme ça. 42, appelle Glenn, demande-lui comment ça se passe avec 33, parce qu'elle aussi, hein. Ouais, attends, parce que c'est là, c'est la merde, c'est la merde côté BCSO, donc je vais pas l'emmerder avec ça tout de suite. Il se passe je quoi pense qu'elle est avec lui. Bah, il y a eu des hommes à m'armer et tout. Arrête. Ouais. T'as vu ce que... T'as vu lui avec quoi, 33? T'as vu 7-7 pendant ce temps? Ouais. Ouais, j'aimerais bien faire mon travail aussi. Hein. Ouais. Ah, de toute façon, tu recommenceras plus, c'est peut-être pas vrai. Ah non, plus jamais, je bougerai plus jamais ta voiture. Hein. Voilà. Ah, mais sa voiture et celle de n'importe qui d'autre. Hein. Ah, là, je suis chez la mienne. Là. Voilà. T'as un parachute? Non. Arrête de lui faire peur, toi. Là, tu crois qu'on est des monstres? Ça va. Parfait. Allez, descends. Dans ton dos, s'il te plaît. Quoi? Ton dos. Mon dos? Bah oui, ton dos à lui. Ah oui. Mais pas dans mon dos. Oh putain. Bah, il m'a dit, mets-toi dos à lui. Bon. Non, dos à lui. Tu te mets dos à lui. Voilà, comme ça parfait. Oh. Oh non, je sais ce qu'il va faire. Ah oui. Eh ouais. Ah oui. Putain. Le premier qui a expérimenté ça, il est devenu shérif adjoint. C'est toi le premier? Mais non, il y a eu 11 avant, il y a eu 11 avant. Ah, je l'avais fait à 11 avant. Bah oui, je l'avais fait à 11. Attends, et pourquoi Glenn il avait eu ça?
Il fait un peu froid, non? Pourquoi? Oui, c'est vrai, pourquoi Glenn il avait eu ça? Qui ça, Glenn? Il me l'avait raconté un jour, je m'en souviens plus. Parce qu'il... Oui, c'est vrai, enlève tes amis. Ah oui, c'était Soulax qui lui avait fait ça? Oui, c'était Soulax qui lui avait fait ça. C'est vrai, enlève tes habits, j'ai oublié. À poil? Oui, en caleçon. Tu gardes tes chaussures quand même. Mais garde tes godasses parce que ça va te faire mal aux pieds sinon. Ah, tchao. Parfait. Ok, on se rejoint. On se rejoint au poste de shérif de Sandyshore, c'est bon? C'est tout? C'est tout? Ça, c'est... Allez, mission run. Allez hop. Fallait pas le dire. Non, mais c'est tout en mode, genre en mode, vous me laissez là, c'est tout. Oui. Genre, je marche. Oui, tu peux trottiner si tu veux. T'as le droit de courir. Ta radio, elle est coupée? Oui, j'ai coupé. Ah. Non, c'est pas bien ça, chérie. Allez, avance! C'est que là, il me fait grave de la peine, hein? Mais non. C'est que à chaque fois que j'ai fait ça à quelqu'un, c'est devenu un super élément. C'est très bien. Ouais, top. Il y a de la chance qu'on a en été, parce que d'habitude ici c'est enneigé. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Glenn? Je sais que 07 il aime bien que je l'appelle. De quoi? J'ai rien compris ce que t'as dit, Glenn, hein? Allô? Oui, capitaine, regardez-le. On est en train de redescendre là. Attends, il va se faire bouffer. Vous le reconnaissez? Ah, bah il est tombé. Qui c'est qui est tombé? 77. Quoi? Bah il est en punition. Ah oui. Attendez. Je roule. Oui, il est en train de rouler. Ah, oulala. Je vais caner. Capitaine. Ah bah aidez-le, hein, non, c'est un bon agent en plus. Ramasse-le. Je le ramasse. Il est en train de nager en plus, ce petit vantard. Ça va? Tu l'as menotté? Regardez, il s'est levé tout seul, c'est un vrai. Non. Faut pas le menotter. Allez, repars. Mais non, bien sûr que je le menote. Pourquoi je le menote pas? Depuis quand on menote pas les gens dans ces punitions, capitaine? Parce qu'on menote pas les gens. Ah bon? Que Soulax qui peut faire ça, bien sûr. Ah ouais? Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait menoter les gens. Bah non. Bon, ok, bon, bah je vais le démenoter. Bah oui. Viens ici. Bouge pas, attends, bouge pas. Hop. Bon, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sortir de là? Mais tu sais, j'avais pas braqué une voiture. Hein. Oui, bon, on sait jamais. Je sais que j'ai jamais les retrouver. Si, je t'attends là-bas. Ok. Y'a plus rien là. Putain. Allez, repars. Repars mon champion. Donne-moi le volant. Tiens. Normalement, ça me notait dans 42. C'est un stupide 42. Merci 71 en tout cas, je t'aime beaucoup, merci beaucoup. Pourquoi? Pour t'avoir gardé les chaussures? De rien, ça fait plaisir. 42. 42. 42. Avance. Aïe, 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 aïe. 42. Aïe. Allez, avance. Aïe. C'est qui m'appelle? Ouais, t'es bien sur le répondeur d'Elidja là. Rappelle pas ou je vais te niquer. Aïe. Allez. Aïe. Non, arrête. Avance. Arrête, oui, ça va. Aïe. Oh! Ah, oh, mais t'inquiète pas! On te couvre! Oh putain! Oh putain! Allo! Oui! Elidja, oui. Ça va? Allo! Allo, oui, Elidja, ça va? Salut toi! Ça va superbe, écoute! C'est tu qui? Quoi? C'est 40. Harry. 40. Putain. Harry. Oui. Je connais pas. Bah, j'ai oublié? Vous êtes bien sur le répondeur d'Elidja? Il n'est pas disponible pour le moment, il est avec moi en train de manger des insectes. On dirait Fufu. Voilà, et hop. Putain. Allez mon champion.
pare-choc là. C'est lui? Pas un coup de pare-choc hein. Et se sentir, on s'est pas fufu, qu'est-ce que vous me racontez? Aïe, putain. Ah, c'était fufu au téléphone? C'est bien ça, mon champion, c'est bien. Je sais pas si ça m'aide ou si. Non, il a fait une sauvegarde. Bien sûr, c'est pour combien vous savez tout ça, wesh. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Allez, mon champion, tu verras que tu déplaceras plus jamais les voitures. Ah, oui, oui, c'est sûr là. Là, je. Là, c'est fini. Aïe! Là. Oh! Vous faites quoi, homme? On est en train de le punir, pourquoi? Oh, vous êtes des bâtards. Attends, Orlando. T'as besoin de nous, Orlando? Vas-y, grimpe. Non, je voulais juste voir parce que je me fais chier le cul. Ok. Ça va, 42, mon chef? Oui, ça va, et toi? Vous êtes des bâtards, comment ici, c'est un bon. Ah oui, c'est un bon, mais bon, non, il a niqué une opération. Il a fait une dinguerie un peu. Mais vous êtes assis sur moi depuis le début, 42, vous êtes sincère en fait, vous saviez pas? Ah putain, c'était pour ça que le siège était un peu dur. Oui, c'était ma bête aussi. il a fait quoi? Il a niqué une opération. Tais-toi, continue de courir, toi, garde ton souffle. Reste la route bon encore. D'habitude, lui. Non, mais attends. Je t'ai sauvé la vie, c'est toi, c'est toi. Il a demandé de parler, ta gueule. On allait partir en course-poursuite, il est monté dans ma voiture et il l'a mis à l'opposé de moi. Mais ça se trouve, il allait mettre un point de C4 sous ta voiture. Attends, on m'appelle un inconnu. C'est un reboot, virez-le. Ah oui, ce que je voulais faire moi, mais le capitaine imaginons. Monsieur le shérif. Oui, bon, attendez. Je parie pour moi. Gardez le haut-parleur. Oui, non, bonsoir. Si, gardez le haut-parleur. Ah, je peux. Si, gardez le haut-parleur, bah oui. Ok, je le garde. Oui, je vous écoute. J'ai actuellement 4 de vos agents en otage. Oh. Okay. Donc dégradés. Ok. Allez, avance. On a pas que ça à faire là. Le Nord appartient aux patriotes, mon cher shérif. Ok. Allez, avance là. Tu vois bien qu'il y a des gens qui sont en otage. Nous allons commencer à vous avertir. On va vous demander gentiment de fuir le Nord. Si vous ne fuyez pas le Nord, nous allons abattre vos agents petit à petit. Nous sommes des fantômes. Nous allons engager d'autres personnes qui vont nous attraper, des flics, et les ramener. Allez, les patriotes, nous voulons prendre le contrôle du Nord. Vous entendez ça, fuir le Nord. Je pense que vous allez être bien dans le Sud. Avec le BCSO est dans le sud. Oui, on veut plus de flics dans le nord. Avec courage, t'as fait au moins 10% là. Avec 4 agents là. Je suis rassuré là, je suis bien là. Oui, j'ai. Et si je refuse, vous allez en continuer là. Si vous refusez, tous les jours nous allons mettre des bombes, faire sauter des gens, attraper des flics et leur faire du mal. Oui, on est chaud hein. Et vous êtes qui? Oh putain, Jaguar. Où ça? C'est les patriotes, c'est tout. Je sais pas, j'ai entendu. Les patriotes. Inquiète pas. Pro-américain. Nous sommes des fantômes. Nous vivons partout et à la fois nulle part dans le Nord. C'est notre Nord. Et rappelez-moi dans 10 minutes. Ça marche. N'essayez pas de nous retrouver, les hélicos ne serviront à rien. Okay. Nous avons fui en bateau, là où vous ne pouvez pas nous trouver. Ok. Putain. Au revoir. Putain, ça va aller. Putain. Ok, tout le monde, putain, vous allez temporiser un petit peu, d'accord? Je viens de recevoir un appel, il faut que j'appelle le capitaine. Attends, mais j'ai prévenu la radio sinon, non? Faut qu'on fasse un truc entre haut gradé là. Je préviens radio? Attends. Ouais. Shortcut, hop. 113 à tous, il y a 42 qui a reçu un appel des patriotes. La BCSO doit quitter le Nord, sinon ils vont exécuter 4 agents qui sont pris en otage. Ouais, Glenn. Et 10-4, on a plus d'informations ou pas? Non, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Les gens en train d'en état-major, c'est quoi? En gros, je viens d'avoir un appel inconnu et c'est les patriotes qui nous disent de fuir le Nord, sinon ils vont continuer d'attraper les gens des vaisseaux et nous tuer au fur et à mesure. Et ils ont 4 agents à nous en otage là. Oui, je savais que j'ai son adam partner et les deux autres, je sais pas qui c'est. Ouais, mais du coup, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement. Au pire, on met la pluche en pétard. Avance! Tu veux qu'au pire, je passe. Je passe le mot à Connor, il est juste à côté de moi là. Oui, bah dis-lui, réunion BCSO. Non, réunion état-major. Avance! Réunion état-major dans notre bureau. Ok, nickel. Attends. Allez, cours plus vite là, il y a des choses à faire. Je cours plus vite là. Allez, je coupe. Ah mais c'est pas par là le... Ah non, c'est pas par là. Oui, sans dishore. La pose de shérif, c'est de l'autre côté là. Putain. Ah, c'est pas l'étau là. Eh oui, depuis tout à l'heure, t'as pris la mauvaise route. Fallait me le dire. Bah putain. Oui, bah non, je te laisse faire. Ah oh, putain. Les agents ils sont pris en otage là. Attention, y'a des lapins. Ah ouais, putain, merde. Ah ça remonte là en plus. Putain, ça doit faire mal au mollet.
Comment je vais faire là? En vrai, tu es presque là, tu fonces tout droit, tu rejoins le pont. Y'a pas de pont sur le lac. Non, faut que tu descendes la montagne là. Oh putain. Je t'ai dit que c'était un ripou, ta vie, il veut nous faire tuer là. Et le chemin qu'il prend? C'est juste de pas canner déjà. Putain. Tout ça pour ça, Riz. Tout ça pour ça. Oui. Attends, si tu dis ça, je vais te faire remonter depuis en haut. C'est-à-dire que t'as pas compris non, la non, leçon non, là. Non. Je serai plus jamais à ta voiture. Non, j'ai entendu un jaguar. Oh mon dieu. Pas moi. Non, pas. Oh putain, y'en a un devant, Ok, on fait au plus vite. C'est barré en random. Oui. Ouais, à l'office du Nord. Vas-y, passe par là. Oui, ça va s'appeler comme ça maintenant. Ouais, longue histoire. Tiens, j'ai quoi. Longue histoire, Kane, mais je veux plus appeler ça comme ça. Je suis tétanisé là. Oui, mais c'est pas. C'est pas grave. Mais pour Bray Wyatt, je suis choqué, ouais, je m'attendais pas. Je suis la risée du LSPT. Oui. De quoi? Mais c'est pas la drogue ou un truc comme ça? Il est beaucoup trop lent. Bah, tu veux que je fasse comment pour aller plus vite, chérif? Eh bah, tu sprints. Ah, oui, je l'ai dit il y a 10 minutes. Raccourci, mais je vais me casser les chevilles, là. Non, t'as juste à sprinter là. C'est un catcheur. T'as pas dit c'est un footing? Oui, mais je suis court déjà depuis. Il avait aussi de santé, on a jamais su quoi. Ah, c'est bon, terrible. C'est de la descente, ouais, arrête un peu. Plus par choc depuis tout à l'heure là. Ah, tiens, on passe par là. Non, mais. Mais là, tu vas mourir. Non, ça va. Il serait mort à cause de la voiture qui serait tombée dessus. non, salut, non, c'est moi, 42. Oui, c'est moi. Oui, je suis la petite chaîne du LSPG, mais je suis le grand patron de la BCSO. Oh putain, y'a Jaguar, allez. T'inquiète. Allez, ramène-toi. Tu vois, c'est ça qu'on fait entre les speedy, on se protège. Oui. Tu vois, on se nique pas dans nos opérations entre nous. C'est ce que j'ai fait pour ça, j'ai protégé, j'ai une bombe. Oui. Il continue, je crois qu'il va vraiment taper, hein. Le mouchilien là. Et en fait, tu veux pas comprendre, hein. Non, j'aurais pas dû bouger ta voiture, t'aurais pas dû. Mais en vrai, on peut le laisser courir et il nous rejoint à l'office de shérif maintenant. Ouais, c'est vrai que là, on est plus très loin. Non, mais il y a Jaguar sur le chemin, vraiment. En fait, c'est pour ça, j'ai peur qu'il y ait un Jaguar qui le. Ah, au pire, ça sera fait partie de sa punition. Arme à feu, surtout, ouais, pas fou. Non, il a pas d'arme à feu. Il a pas ses équipements. C'est drôle. Merde. Remets-toi en radio 113. Je suis déjà, hein. Okay. Et je conduis 113. Ah non, pourquoi? Je sais pas. En vrai, il a presque fini, hein. Et oui, il reste plus grand chose. Faire. Une ligne droite à faire, ça. Avec un peu de chance, il se fera pendant un stop. J'arrive pour l'arrêt au état-major dans 10 secondes. Avec moins de chance, il se fera kidnapper parce que c'est un flic par les patriotes. Ah, mais vu qu'il est tout nu. Par contre, en état à poil et qu'il dit que c'est un flic, c'est vraiment qu'il est con. Pour oui, ouais. Et là, il méritera sa mise à pied. Salut, c'est moi, 42. C'est bon, j'appelle le capitaine, il arrive. Je croyais qu'il fallait qu'on se dépêche, parce qu'il était déjà là. Mais non, je t'ai dit, il arrive, mais tu m'as dit que tu l'appelais. Oh merde, on l'a appelé pour rien. Putain. Tu veux aller chercher? Bon, on y retourne, hein. Ah ouais? Parce que s'il se fait kidnapper, ça va vraiment être chiant. Oui, pour le coup, oui. Oui, il mérite sa punition, mais il mérite pas de se faire kidnapper. Non, ouais. Quand même pas. Il nous fera croire que c'est une petite blague. Oui, et qu'on le surveille quand même de loin, qu'on l'a jamais abandonné. Ouais.
J'espère qu'il se soit fait manger entre temps. J'espère. Imagine, il se fait PO sous nos yeux dès qu'on arrive, l'échec. En plus, il y a une demande. Ah non, me fais pas peur. Ça dit il y a longtemps. Mais attends, il va trop vite ton camtar là. Ouais. Mais. Mais c'est pour ça que je fais jamais de. Il est content. Mais non, mais. Il est content. Non, mais en gros. 03-10. Tu regarde même, ouais. Même toi Elijah, tu devrais le voir. Je prends jamais de course poursuite alors que je kiffe ça parce que je sais que c'est trop fort. Après tu prends jamais de course poursuite parce que t'es là 6 mois dans l'année, 6 fois dans l'année. Tous les 6 du mois t'es en service, après on voit. Ok, toi demain soir tu vas venir faire une soirée au BCSO. Let's go. En panto rose. Ah non, avec toi. Non non, en panto rose. Attends, il est où je vais vous faire une demande de backup. On va probablement retrouver les agents du LSPD dans l'otage. Mais on l'a laissé par là, hein. Ah, non, peut-être qu'il a, bon, a nagé, non? C'est après le pont, c'est après le pont, non, c'est après le pont. Oh, imagine. Oh merde. Mais non, là, on l'avait, merde. On l'avait déjà laissé par là, là. Oui, oui, bah, oui. Oui, c'est... On l'a lâché derrière, madame, hein. Vers la dernière bague. J'ai eu grave peur. Et 27-18. Imagine, il a coupé par l'eau, le con. Bonne soirée 27. Oh, non, mauvaise idée. Vous voyez 45-10-10, bonne soirée à tous. Oui, allô. Bonne soirée 45. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée, ouais. Mustang. Capitaine. Oui. Ok, bonne soirée à vous, fin de service pour vous. 10-10, bonne soirée à vous, les collègues. On est en réunion, là, d'accord. Je vous rappelle à 1h22. Je vous rappelle à 1h30. 1h32. 30. Arrêtez de répéter comme des débiles. En fait, t'as vu, là, regardez, il y en a un qui a marqué, il était en quad. Lui s'est trompé. Okay, oui, mais capitaine, du coup, il y a 4 autres mecs qui marquent qu'il était en quad. Il met force à lui. D'accord, allez. Tu peux pas voler les quads à pied. Il peut voler une moto, mais pas voler un quad. Transmettez. Mon gars. Mon gars. Merci, mon frère. Il m'a ramené une crème brûlée. Non, mais attends, Thibaut. Hein. Je te parle sérieux, frère. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est un des meilleurs cercles, même que j'ai mangé toute ma vie. Elle est trop bonne, cette crème brûlée. Ta réaction en live, elle est horrible. Pourquoi? Tu recules, tu fais. Après peut-être qu'il a juste fait du stop, il est déjà là-bas. Nickel, bah, on est là, on arrive. T'as cru, j'allais dire, elle est ouais, dégueulasse. Il y a un truc dégueulasse, il y a un truc qui te faisait pas dedans. Ouais. Je t'ai vu retaper, j'ai fait. Ouais, je crois que j'ai fait un truc là. Ah ouais, ouais, je non. Crois, là, j'ai fait un truc. Ah, là, vraiment, t'as fait un truc là. Ah, vraiment, elle est incroyable. Merci. Attends. Je pense qu'il a nagé, hein. Ouais, je pense aussi. C'est peut-être dit, au moins, il n'y a pas de requin pour me manger. Eh, je suis parti l'état-major, je suis passé à la réunion, moi. Normalement, non. Il a dit normalement, donc tu peux y aller, moi je vais rester. Oui, c'est bon. Non, non. Normalement, je sais ce que ça veut dire. Normalement, non. Salut, c'est moi, 42. 10 pour 33. Allez. Heureusement qu'on n'est pas à l'époque du Far West 42, sinon je serais déjà mort, je te le dis. Hein. C'est fort probable. Ouais, il y aura un gang qui serait à ta recherche. Là. En radio, là. Oui, mais je l'aurais remboursé le gang. Quoi? Tu fais quoi, toi? Bah, c'est moi. T'as eu peur, hein? Oh putain, je t'avais. Oui, je me suis dit, mais il est con ou quoi, ce mec? Bah, bah, c'est moi quand même. Oh! Bien, capitaine, venez, réunion état-major. Ah non, vous arrivez. C'est bien 37. Ouais, c'est pour ça. Bah, venez aussi, hein, tout le monde. C'est Riz et. Et Joséphine. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Salut, bonsoir. Il te manque un œil, je sais pas si t'es au courant. C'est un problème contre les bornes, capitaine. Non. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a 8 minutes devant nous. Il me rappelle dans 8 minutes. Ok. Pour vous expliquer, j'ai eu un appel d'un certain Mustang des Patriotes. Ah, je connais lui. Ah, ben moi je connaissais pas, super. C'est une marque de voiture. Oui, c'est une marque de voiture. Merci, Lisbeth. Il m'a. Bref, oui, vas-y, continue, désolé. Il a 4 agents à nous en otage, dont Nail Sauvage. Il nous demande... Enfin, c'est pas une demande, attendez, je vous coupe un radio. C'est même pas une demande, il veut qu'on quitte le Nord. Une pression. Et qu'on aille dans le Sud. Expressément. Genre, il veut maintenant. Plus de police. Il veut plus de police dans le Nord. D'accord. Pendant combien de temps? Pour toujours. Pour toujours, visiblement. Ah, oui. C'est complètement con. Oui.
Autant vous dire que ce sera non. Mais comment là, comment il ça, y a aucun monde. Il peut pas être pression constamment, tu vois. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais le truc, c'est comment on va voir. En fait, le problème, c'est les otages qu'il a eu. Et le problème, c'est qu'il a un lieutenant quand même. Oui, bah oui. Il a 4 agents au total. Il a des agents de BCSO ou de SPD? BCSO. 4 agents de BCSO. Ah, mais ça va. Comment ça, ça va? Bah non, c'est du BCSO au risque quand même. Voilà. Bah oui, mais bon, c'est pas grave s'il canne quoi. 113. Tu me rappelles ton grade? SLO. Ok, prochain commentaire. Déplacé comme ça, tu vas venir faire une semaine au BCSO et tu vas sortir cette pièce. Pardon, shérif 42. Parfait. Du coup, on en était où? Ah bah, on est où que c'est quand même un lieutenant d'otage. 4 agents quand même. C'est qui les autres agents qu'on sache quand même? Bah, c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas. Aux dernières nouvelles. Donc, si Glenn a eu des infos entre temps. Glenn, pour dispatcher, est-ce que tu peux me faire l'appel de tous les agents, s'il te plaît? Wesh. Ster? Ster? Astrid. 55. Bah, Et non, dans tous les cas, non? Ah oui, bien sûr, mais maintenant, faut gagner du temps, quoi. Parce que le but, c'est que c'est trop... En fait, il faut lui donner quelque chose à manger. Vous lui mettez l'amende. Qu'il puisse... c'est parti, un malheureux des coups. Après, techniquement, il a demandé plus d'agents du business. Moi, j'entends bien. Moi, je vois d'autres streams là pendant ce temps, pendant la réunion, parce que j'en ai rien à foutre. En fait, je pense qu'il a demandé vraiment zéro force de l'ordre dans l'ordre. Ouais, enfin, à ce moment-là, il demande. Je voulais être gentil avec ce mec. Des 4 agents que le président des États-Unis démissionne. Parce qu'il est tombé de la voiture, il a perdu son arme. En fait, il va falloir qu'ils en fassent d'autres. Je vais peut-être pas lui prendre son arme. En fait, il demande que Ben Cookie devienne un No Man's Land. C'est trop cher pour ce que c'est. Bah, en fait, ils veulent plus le Battlefront de l'ordre. Donc, plus rien en fait ici. C'est complètement. Il trouve autre chose. De non-droit en fait. Après, on peut toujours. En fait, c'est impossible. Après, on peut toujours essayer de brûler les mecs. De leur faire croire qu'on accepte, on récupère nos agents et on revient normal demain comme si dans un été. Hein. En fait, pour moi, la seule solution, c'est de leur pisser dans le cerveau et leur faire croire. Oui, c'est ça en fait. Sauf qu'en fait, au bout de la troisième fois, en fait, ils vont tuer un de nos agents pour dire ouais, bah, voilà, vous avez prévenu. Oui, allô. Putain. Ok, du coup là j'ai Siam, Savage et Curtis, et il me manque le quatrième. Très bien. De toute façon c'était pas une tango, c'était deux Adam, c'est sûr. Déjà, ouais. Ok. Ah, c'est pas des rookies quoi. Mais est-ce que déjà tu veux pas leur demander une photo pour confirmer les otages sur vos agents? On sait qu'ils sont en otage. Mais s'ils vont bien ou quoi déjà pour avoir leur état de santé? Le problème, c'est que c'est lui qui m'appelle. Je vais pisser. Ma fille. En masqué, du coup, je peux pas le rappeler. On a fait le check des unités, il y a que 3 agents à nous qui ne sont pas là, pas 4. Parce qu'ils ont pas eu un agent LSPD. Ouais, peut-être. Faudrait faire l'appel de votre côté, je pense. 37 pour dispatcher, faites-moi l'appel de tous les agents au service, s'il vous plaît. Bien. 03. Une fois que le dispatcher, ça sert à quelque chose. Ouais, t'étais avec Savage, hein, 03. Hein. 02 97 16 point interrogatoire. Impossible. Savage, j'étais pas, oui, avec un agent du LSPD, justement, depuis le tout début. 32 il me semble que c'est. C'est le moment de donner vos unités, juste que le dispatcher fasse l'appel par rapport à tous les agents de service. Du coup, 03 est en procédure. 97, tu es donc en procédure également. 02 aussi. 37, vous êtes là. 73, vous êtes là aussi. 33. PCSO, ok. 77 également pareil, PCSO. 71 et Eris aussi. 55 du coup pour les patriotes on fait quoi? 88. Parce que là c'est une déclaration de guerre en soi. 14. Hein. Déclaration de guerre de non c'est pas une déclaration de guerre du tout. Bah, le fait qu'ils veulent nous chasser du nord c'est mais qui sont-ils? Ça le problème c'est qu'on sait pas qui c'est. C'est les patriotes, ah, oui. Ce sont des fantômes. Moi quand j'ai eu rendez-vous avec eux, il m'a dit qu'on était des fantômes. Il m'a dit on peut même être dans votre service, on peut être partout. 10-4 actuellement, voilà. Patrouille sur Vanuatu. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est le nord. Toujours avec 0-9. C'est ce qu'ils m'avaient dit. C'est pour ça que j'avais demandé que ce soit les MCD du nord qui s'en occupent. Là tout le monde est du coup côté SPD. Bien après, merci à vous. Donc ils sont 3 ou 4, de toute façon il a des agents quand même. Donc en soi, ça n'en avait rien. Il a dit que on n'était pas la cible. Donc maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est savoir qui est la cible. Bah là, je viens d'avoir une info. Tout à l'heure, j'ai eu une info. Du coup,
qui venait des Black Vanguard. Comme quoi, du coup, attendez, hop. Ouais, les Mormons auraient missionné 3 groupes pour choper les LK. On connaît les 3 groupes ou pas? Négatif. 113. Il écoute pas, 13. C'est comme d'habitude, Kand. De quoi? Il écoute pas, c'est comme d'habitude. 34 pour central, du coup, je rappelle, il y a ce qu'il avait à dire. Il me rappelle dans 2 minutes. Dans tous les cas, ce sera non. Mais le problème, c'est si on dit non et que tu nos agents, on va avoir l'air con. Bon, déjà, je pense qu'on peut gagner du temps. L'information qu'on a, c'est qu'on sait qu'ils veulent récupérer le Nord. Maintenant, savoir pourquoi ils veulent récupérer le Nord et ce qu'ils comptent en faire. Au moins, pour gagner du temps, pour qu'ils nous aient commencé à chercher dans le secteur et potentiellement les retrouver, ça peut être bon. Parce qu'en gros, moi, la première fois qu'ils m'ont pris en otage, les Patriotes, ils voulaient enlever tout ce qui était vente de drogue, etc. Tout ce qui venait du Sud, ils ne le voulaient pas. Ils veulent vraiment régner sur ces projets de prendre des flics, simplement être leur propre police. Etc. Ouais, non, mais oui, c'est vrai, frère. Sinon, on peut peut-être essayer. Ce projet dans 3 jours, il est fini. Détourner ce qu'ils veulent. En gros, de dire que c'est pas possible pour le BCSO qu'on parte, mais qu'on peut essayer de mettre des choses en place qu'ils veulent, même si on les met en place, mais pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, genre, qu'on leur donne du pouvoir, c'est ça? Voilà. Super, mm-hmm. Personne qui répond, visiblement l'idée est plus la merde. Moi je suis d'accord avec vous, 42. En fait, j'essaye d'imaginer comment ça se passe. En soi, techniquement, il n'y a rien du tout. Ils vont s'asseoir. S'ils ont des otages, c'est pour ouvrir une discussion et essayer de voir leurs revendications et leur réelle volonté derrière. Bien dit, ça, capitaine. Après, les agents, malheureusement, si. Malheureusement, si les 4 agents doivent mourir pour l'intégrité du territoire, et ben là, les agents mouriront pour l'intégrité du territoire. Ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, de leur faire croire, oui, c'est une bonne solution. De toute façon, c'est la seule solution que vous avez à l'heure actuelle, non? Ah ouais. Bah oui. Ouais. En fait, là, le problème, c'est qu'on n'arrive toujours pas à négocier avec eux depuis tout à l'heure. Je crois qu'ils ne veulent vraiment pas négocier. Ouais, c'est... Bah, en fait, ils sont fermés à toute négociation. Ils appellent en masqué. Ah bon, d'accord. En fait, ils sont fermés à tout. On peut même pas discuter avec eux pour voir leurs vraies revendications. C'est ça, le problème. Moi, j'ai quoi, Abidane? Des petits dus. J'avais un compte Tinder.